total respect. Zéro limite. Radio Libre. Tous les soirs, 21h, il est sur Skyrock. Et il est 21h et quelques sur Sky, 21h, Radio Libre, tous les soirs, tous les jours de la semaine. On est là et toujours là avec vous tous et vous toutes. Bon, ah, le mot du jour est merci. Et les messages, vous pouvez les envoyer sur SMS, sur le net. Bon, vous pouvez débarquer ici tous les soirs, à 21h minuit, Radio Libre. Ouais, on vous attend en direct avec toute l'équipe qui est là, toute l'équipe toujours fidèle au poste. Et ouais. Salut Cédric. Bonsoir tout le monde. Et comment ça va? Ça va, tranquille, on est là. Samy, bien. Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Momo. Merci. Bonsoir tout le monde. Il y a Karim que j'ai vu traîner dans le coin aussi. Oui, il est pas loin. Ouais. Bon, Marie, on t'a déjà entendu, mais rebonjour. Oui, rebonsoir. Ouais, Karim. Salut. Et Romano. Salut. Ouais, ouais, ouais. Pas trop fatigué, salut. Romano. Non, moi, je suis prêt à tout donner pour la musique. Chaud bouillant, le sound. Prêt à tout donner. Donc, vous pourrez vivre ce soir le méga mix. Trois titres de Colonel Réel. Chanter avec talent. Toi, je suis cool. Ah, bah, bien sûr. Ah, je suis cool aujourd'hui. Hein. Chanter avec talent par notre talentueux Romano. Merci. Merci. Beaucoup. Et ça peut dire tout seul. Énormément d'applaudissements pour le talent de Romano, vous l'entendez. Je crois que c'est bien. Il y a du soutien là-bas. Ah, bah, grave. Putain, ça oui, donc, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on se mettra les premiers. Ce sera le premier son de la soirée. Hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, quel son le premier son de la soirée en exclu total, ton premier Megamix. Ouais, ouais, le tout premier, ouais. Après avoir chanté avec des stars, c'est-à-dire qu'il y a plein de stars internationales qui sont venues à Skyrock. Ça passe de Eminem à en allant jusqu'à P. Diddy, en passant par Alicia Keys, ouais. Sean Paul, Jay-Z, les Black Eyed Peas, Jay-Z, Econ, Snoop Dogg, qui est venu, ouais, Sean Paul. Qui est venu aussi. Ils sont tous passés. Busta également. Usher. Il y a Kanye West qui est venu nous voir aussi. Enfin bon, 50 Cent. Ouais. 50 Cent. Bon, voilà, ils sont tous venus voir Sky. Et tu as chanté avec Romano. Et aujourd'hui, un petit peu de nouveauté, puisque c'est Jason Derulo, Tayo Cruz, on me dit là. Jeremiah. Kesha, B.O.B., Nelly, Bruno Mars, Maria Carré, ouais. Florida qui est venue à de nombreuses reprises. Il y en a tellement. On plus donc, ah oui, il y en a tellement. Econ, on vous a dit Econ. Ouais, Econ. Ouais. Neyo, vous a dit Chris Brown, est venu aussi nous voir. Ouais. Ouais, ils sont tous passés. Rihanna. Rihanna, bah oui. Rihanna, la belle. Bon, après avoir chanté avec tout le monde, Romano, ce soir, c'est la première fois que tu nous fais en direct un Megamix. Ouais. Expliquons ce qu'est un Megamix. Un méga Romamix. Un méga Romamix. Bon, ça va être un mix de toutes les nuits. Oui. Non, ça va commencer par celui. Oui. D'accord, ça commence. Enchaîné par toutes les nuits. Oui. Après, il y aura Aurélie. Oui. Et on finira par celui. Et ben, voilà. Donc, en fait, c'est le méga mix du Colonel Réel. On enchaîne les trois, bim, bim, on a préparé. L'instru est prête? L'instru, je l'ai là, bien écoute. Sûr. Ça, c'est l'instru, remixé, tout ça. Hein. Big up. Big up. Donc, ça commencera comme ça tout à l'heure. Romamix. Big up sur Romamix. Avec le Colonel tout à l'heure, attention. Hein. Et là, vas-y. Aussitôt que tu es dans ma tête. Bah non, mais t'inquiète. Ok, ça va être super. Non, mais ça, vraiment, j'attends ça avec impatience. Hein, j'imagine. Non, mais moi, il n'y a pas de répétition, moi. Toi, tu fais au feeling. Comme ça, on balance tout direct, quoi. Donc, ça, c'est dans quoi, 10 minutes hein. Ouais, ouais, ouais. 10 minutes, un quart d'heure, on attaque avec ça. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Celui qui partage ta vie. Vous pouvez chanter chez vous. Hein. Allez-y, faites péter à la maison. Tu sauras te comprendre mieux que moi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Celui qui partage ta vie. Comment tu trouves que je chante, toi qui es un artiste? Celui. Hein? Moi. Qu'est-ce que j'ai entendu? Donne-moi ta chance, tu verras. J'ai entendu que je chantais mal, Romano. Comment? Non, pas si, du tout. Si, tu as dit que je chantais mal, alors que j'ai une voix. Une voix magnifique, surtout ce soir. Ah oui, une voix splendide. Bon, voilà, donc ça c'est prévu pour ce soir. Et puis sinon, ben, on vous le disait, hein, Radio Libre, vous êtes solidaire avec Skyrock. On voit vraiment que la série Solidarité, ça marche dans les deux sens. Hein. Mais on est aussi solidaire avec vous. Et si vous avez besoin de nous, ce soir, c'est au 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Toute l'équipe vous répond. On a Cédric, Lamarie, ouais. Samy au téléphone avec vous. Karim, sur les messages. Vos messages avec Karim qui est dessus. Puis nous aussi, hein, les messages arrivent directement dans le studio. Ils continuent de défiler. Message de soutien à Sky. Je vais vous en lire quelques-uns parce que c'est quand même Thomas qui nous dit tout le 49 vous soutient. Il y a Tigrou qui nous laisse un message. On donne des conseils pour chanter. Ta gueule, Romano, laisse chanter Difool. Ah, ça fait plaisir. Il est jaloux. Certainement pas. Ouais. Allez, comme il est jaloux. De toute façon, son micro, il sera coupé pendant que je chante. Un conseil pour chanter, Romano. Thomas Razmoquette du Rhône du 69 qui nous dit chante plus aigu, Romano.
Je suis celui. Oui, voilà. Un peu moins quand même. Peut-être entre les deux alors. Hein. Non, mais, c'est non, bien non, de... mais t'inquiète. Hein. Vous donnez des conseils. Hein. Il y en a qui donnent leur Facebook pour soutenir Sky. Allez sur le Facebook hein, pour soutenir Skyrock et faites le tourner. Il faut de plus en plus de monde dessus. La plus grande manifestation virtuelle a été. Et d'ailleurs, c'était confirmé. J'ai entendu à la télé. Ils l'ont dit sur Canal cet après-midi. Hein. Merci à Canal d'ailleurs pour leur reportage yes. de ce midi ouais, dans l'édition ouais. spéciale. Merci à Bruce Toussaint. Qu'on a déjà rencontré. Ouais, voilà, qui nous ont fait un super reportage et qui ont parlé de Sky à midi. On vous remercie, merci aux Canards aussi qui ont fait aux journaux, qui ont fait des articles. Ouais, quoi. Des articles c'est sympas. Ça. Oui, c'est ça, les journaux. Sympas sur Sky. Donc, ouais, il y a la Panthère Rose de Côte d'Or qui nous dit pour tous les fans de Sky à Dijon, mon Facebook, rien que pour vous, Skyrock, Dijon soutient Skyrock, faites tourner. Et ben, faites tourner, puis faites tourner le Facebook officiel de soutien à Sky. Vous êtes 419 000 personnes ouais. sur le Facebook défendant la liberté de Skyrock. Ouais. Il faut pas lâcher l'affaire, hein. Il faut pas lâcher l'affaire. Faut faites tourner partout. Hein. Faut faire tourner, faut aller vous manifester. C'est la première grande manifestation virtuelle. On manifeste tous. Révolution. Ouais, ouais, ouais. Mais pisse quand même. Hein. Sur Cédric. Non, pas ouais, sur tiens, moi. Ah, j'ai un message d'une radio. Là, nous sommes une radio du Nord, RPL 99 FM. Nous sommes actuellement en train d'animer une émission spéciale LOSC. Nous avons passé à l'antenne à nos auditeurs lillois pour qu'ils vous soutiennent. Eh bien, merci à toi, RPL sur 99 FM du côté du Nord, du côté de Lille. Eh bien, on vous remercie. Merci aux radios qui nous ont soutenus également, enfin qui nous soutiennent toujours. Je ne veux pas parler au passé parce qu'il faut continuer à soutenir. Bah, oui, bien sûr. Ouais. Tous ensemble sur Sky. Ouais. Très bien, mais je vois qu'on a des. Attends, manifestants, des ambianceurs dans le studio là. Bon, alors à quelle adresse il faut envoyer les pétitions 37 bis rue Grenetta, 75002 Paris. Voilà, Skyrock 37 bis rue Grenetta, comme ça se prononce, 75002 Paris. Paris, la capitale. Vous envoyez ça à Sky, vous écrivez pétition ou je soutiens Sky ou défendons la liberté de Sky. Enfin voilà, histoire qu'on récupère tout ça. Et sinon, par le net, c'est super. Merci aussi à tous ceux qui ont envoyé des mails. On a reçu des tonnes de mails. Et ça fait plaisir. Voilà. Bon, alors, les questions que vous nous posez. Clampini qui nous demande s'il y aura le problème du mois. Mais bien sûr, il est prêt, le problème du mois. Le problème du mois, vous le retrouvez tous les jeudis soirs sur Skyrock. Le problème du mois, explique pour les nouveaux auditeurs de Sky qui découvriraient Skyrock, qui ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'un problème du mois, Romano? Les gens oui. écrivent à des magazines, à des sites internet, ils ont des problèmes dans la tête, dans le sexe. Oui, beaucoup de problèmes dans la tête. Hein. Oui, oui. Et aussi, dans le sexe aussi. Et voilà. Et en fait, je vous en présente 5 tout à l'heure. Il y aura le grand sommaire, c'est ce qu'on appelle le sommaire. Ça commence par le sommaire. Vous avez le choix de parmi 5 problèmes du mois. Je vous présenterai donc 5 patients qui ont écrit des magazines à 10 internet et vous voterez, on en choisira un et on s'en occupera. C'est ça la Sky Solidarité. On aidera, on aide même des gens qui ne connaissent peut-être même pas Skyrock, hein, ah bah qui ouais, écrivent ouais. juste à des sites internet ou à des magazines pour avoir du soutien. Et nous les aiderons ce soir, vous verrez. Ce seront nos patients, ils ont des graves, enfin des problèmes dans la tête. Ouais, ah bah ça, ils ont des problèmes, ça, oui. des graves problèmes. Tu sais, tu as fait sursauter un chat quand il écoutait, quand tu as chanté Romano. Il y a Adèle qui nous dit mort de rire, même mon chat, il a sursauté quand Romano s'est mis à chanter. Ah bah attends, ouais, c'est pas fini, attache-le, c'est parce que là, il va voler en l'air. Ah oui, le chat va faire des bonds dans toute la maison, là. Comment va ton chien, bébête? Est-ce qu'il a un message à passer aux auditeurs de Skyrock? Oui, je crois qu'il a quelque chose à dire. Ah, alors, le chien de Romano, tout le monde soutient Skyrock, hein, même ton chien, il comprend ce qui se passe. Ah bah évidemment. Il comprend rien. Non mais il comprend rien, lui. Tu lui donnes à bouffer, il est content quoi. Mais il sent que t'es un peu chonchon. Ouais ouais, il sent mais ouais, un peu quoi. Travaillé ces temps-ci. Ouais ouais mais c'est marrant, les animaux ça ressent hein, quand on est quand il y a un truc qui ouais, va pas. Ah ouais, il est tout le temps collé à moi. Je suis en train de regarder un truc sur la télé, il est collé, il fait des câlins. Oui, il fait plein de câlins, c'est un grand chien, c'est Mémet. Et c'est Mémet. Oh, mais il est là, regarde ton gros ancien. Eh oui. Et là il vient de dire je soutiens Skyrock. Et là j'aime mes croquettes. Voilà. Et là. Je vais te bouffer en rentrant. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Là, il grogne très fort. Il est où? Il est pas content, là. Ah. Un message, d'ailleurs, il vient de m'envoyer. Je suis Mehmet. Je soutiens Pierre et Skyrock. Ah, bah, c'est gentil, Mehmet. Eh, bah, merci. Mehmet. Ouais, ouais, Mehmet. Bon, allez, on va démarrer avec vous tous. J'aurais oublié. On peut démarrer l'émission, ça y est. Allez, c'est parti. Allez, on peut démarrer l'émission. Et on compte sur vous, sur vos messages. Moi, j'ai ma mère qui a mobilisé tous les gens à son travail pour soutenir Skyrock. Ouais, enfin, bisous à nos mamans parce que ça les travaille. Ça les travaille un petit peu. Ma mère, elle a partout où elle travaille. Ils soutiennent tous là-bas. Là. Le directeur de son taf, il soutient Sky aussi. Les mamans, les papas. Les familles. Ouais, ils sont tous inscrits sur le Facebook. Et les mamans, les papas qui soutiennent Sky aussi. Ils militent. Avec ta maman.
maman Romano aujourd'hui. Et la famille. Bah oui, oui, j'ai attends, ma mère, elle a militaire. Est-ce qu'elle soutient Skyrock? Bah oui, elle soutient, mais bon. Comme la maman de Cédric. Elle s'inquiète, quoi. Plus du coup, Sky partout dans son taf. C'est cool. C'est imposé obligatoire. Sympa. Et tous les bahus qui se mobilisent, regardez aussi, les messages, là, les messages des bahus, c'est super hein, ce que vous faites hein, pour Sky. Et voilà. Et bon, bah voilà, ça fait plaisir. Eh ouais, merci encore. Allez, on va démarrer cette soirée en direct jusqu'à minuit. Vous nous appelez, vous débarquez ici. Vous avez besoin de nous, comme je vous le disais. Hein, vous nous demandez. On aura Tyrone, là, le premier de la soirée. Tiens, on va lui dire bonjour. Il y a du foot ce soir, pas de foot? Si, si. UFA, ouais. UFA, ouais, allez, on vous donnera les résultats de l'UFA un petit peu plus tard. Il y a les Portugais, les clubs portugais qui jouent. Portugal. Il y a déjà un club portugais qui s'est qualifié. Ouais, Porto, ils ont gagné 5 dans en Russie. Ça va, tranquille. Bah, bravo les Portugais. Portugal. Et oui, car Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Hein. Et on perd pas nos bonnes habitudes. Hein. Bon, on connaît le premier son de la soirée. Si vous avez envie d'écouter un son ce soir, vous nous demandez sur le 41 Sky et sur le skyrock.fm. On ira piocher parmi les sons que vous aurez le plus envie d'écouter ce soir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, tout ce que vous voulez, un son qui déchire, un son qui vous fait plaisir. Allez-y, profitez. Et puis donc, je vous disais qu'on allait accueillir Tyrone en direct avec nous. T'es là, Tyrone? Ouais, ouais, toujours là. Comment ça va, Tyrone? Ouais, ça va, hein, tranquille. Hein. Tranquille. Salut, Tyrone. Eh ben, écoute, merci de ton coup de fil. Coup de fil qui fait encore plus du bien qu'à l'habitude, hein, t'as remarqué. Hein. Ouais, mais ouais, on vous soutient à fond, là. Hein. Bah, écoute, franchement, faut pas que ça s'arrête. Hein. Ben, on est là pour que ça s'arrête pas et on compte sur vous tous. On voit qu'on peut compter sur vous là en tout cas. Bon, ouais, tu vas pouvoir compter sur le message. Eh ben c'est gentil. Tyrone, donc toi je te présente, t'as 16 ans et puis tu vas nous montrer qu'on peut compter, que tu peux également compter sur nous tous et puis sur vous tous qui nous écoutez parce que t'as un petit souci, t'as un petit truc à demander aux auditeurs de Sky ce soir, c'est ça hein. Ouais. Bon, ça, ouais. Alors dis-nous en gros puis on va s'occuper de toi là dans un instant. Le grand moment du méga mix, Colonel Rael Romano arrive. Hein, je vous. Ça approche. Le compte à rebours a démarré dans moins de 10 minutes. Vous retrouverez ce grand moment musical en direct sur Sky ce soir. Ouais, ouais, ouais. Alors, Tyrone, ouais, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ouais, donc en gros. Je vous donne juste un petit indice pour Tyrone. C'est un truc qui vous est peut-être déjà arrivé, qui arrive beaucoup et qui peut poser des problèmes. C'est quelque chose de sentimental. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qui mêle un peu amour et amitié? Sexe? Qu'est-ce que. Ça, c'est pour la suite, peut-être, Samy. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Ah, tu veux serrer une copine à toi? Non, non, c'est pas ça. Du tout. La sœur d'un pote. Ouais, Romano, c'était pas très très loin. Une copie. La sœur d'un pote. Non. Bah, t'as une copie. C'est une amie et tu voudrais que ça devienne ta meuf. La sœur d'une copine. Non, mais t'es pas loin, Romano, hein. Ah, je suis pas loin. Bon, ça concerne ta meilleure amie. Ouais. Ouais. Oui. Ça, ouais. Et tu veux la serrer. Ma meilleure amie. Et en fait, non. Le truc, c'est qu'on était à une soirée et tout. On était un peu. On avait un peu bu et tout ça. Vous savez que j'adore boire. Ah, c'est génial. Vous savez d'ailleurs que je soutiens Skyrock avec toutes les entreprises de bière de France. Ah, bah, big up les entreprises. Et du monde. Bonjour à Heineken. Bonjour 764. bonjour. C'est ça. Bonjour à Pelfort. Voilà. Également, bonjour à la 8-6. Bonjour la 8. La 8-6. Alors ouais, donc vous étiez à une soirée un petit peu pompette comme on dit. Ouais voilà, c'est un peu ça. Et donc en fait bon, on s'est rapproché et tout et on a fini par coucher ensemble en fait. Ah. Et depuis en fait elle m'a dit ouais en gros t'as profité de moi ou voilà des trucs comme ça, genre t'as profité de mon état. Ah bah hey, tu peux lui dire la même chose, hein, tu peux lui dire bah ouais attends t'as profité de moi, j'étais complètement bourré ma chérie. C'est vrai. Ouais, non mais voilà. Hey, donc, c'est vrai, il faut être deux pour faire l'amour. Elle s'est un peu énervée quoi. Elle s'est un peu énervée du coup là. J'aimerais des conseils en fait. Voilà, parce que du coup on se parle plus depuis. Et donc ça fait depuis samedi en fait. Donc depuis samedi dernier. Donc samedi dernier en gros vous étiez amis, vous étiez assez proches l'un de l'autre. Vous avez couché ensemble. Mais vous avez couché où? C'est passé où quand vous avez couché ensemble? Bah c'était chez un pote. Il a une super grande maison. Franchement. Ouais, vous avez squatté une chambre et puis voilà. Quoi. Avec des pièces partout. Ouais ouais, on était à trois pièces des autres. Qui c'est qui a déjà squatté lors de soirées des pièces, je sais pas, la chambre des parents, des pièces lors d'une soirée avec une copine ou avec un copain mari, ça a dû t'arriver toi j'imagine. Ouais. À de nombreuses reprises, je les ai comptées, 10 272. Non. Ah ouais mais, quand même. Hey. C'est vrai que moi je fais souvent quand on est dans les soirées comme ça dans les apparts, je fais souvent des contre-soirées quoi. Genre les contre-soirées. On squatte une chambre et on y a. Et on baise. Vous savez que c'est génial. Mais on fait des bonnes partouzes. Non, c'est une contre-soirée. Non, mais tu sais, on s'isole un peu, quoi, pour discuter et tout. Parce qu'en général, dans les soirées, au bout d'un moment, t'as toujours les mecs bourrés qui font. Ben, Romano. Ouais, Marie, tu es bien placé pour le dire. Ah ouais, non, ouais. Mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, mais ça a commencé comme ça, nous. On s'est juste isolés pour parler et tout. On a parlé pendant longtemps, pendant au moins 2 heures et tout. Et puis ça a brillé, quoi. Ouais, voilà.
Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi? Donc, on va avoir besoin de vos réactions pour... Bon, déjà, au moins, c'était bon quand vous avez baisé. Tu t'en souviens? Ouais, ça c'est sûr. Une question à poser, Romano, j'imagine que ça te travaille un petit peu ce moment-là, ce moment d'amour fort avec le zizi dans la chachate. Oui, ça me travaille. Oui. De quoi? Bah, je sais pas si t'as des questions à poser à Tyrone. Ah, des questions à poser? Non, mais bon, ouais, tu t'en souviens bien que tu l'as baisé, oui. Ouais, ça c'est sûr. Et toi, t'aimerais bien l'arniquer ou pas? Je sais pas trop. Est-ce que t'aimerais avoir une histoire avec elle? C'est-à-dire que ça devienne ta meuf et que vous soyez, que vous deveniez couple, que vous passiez du statut d'ami au statut d'amant. Bon, ça c'est fait, vous avez couché. Et c'est difficile parce que et si au statut t'en de couple. Veut. Ou juste la sauter de temps en temps. Franchement, je pense que non. Enfin, ou alors redevenir ami. Après, je lui parlerai plus donc. Alors, ou redevenir ami et plus coucher. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose qui est cassé là, puisqu'elle est pas contente. Tu vois? Ouais, mais ça je pense. Enfin, je sais pas trop en fait. C'est compliqué. Ah bon. Si vous êtes déjà passé par là, ouais. Dites-nous. On attend vos témoignages. Donc, vous avez déjà vécu ça, hein, c'est-à-dire que vous avez des amis, une amie, un ami, et puis à un moment, un jour, vous craquez, et il se passe du sexe. Vas-y. Vas-y absolument. Ah, c'est bon ça, ouais. Oui. Comme le dirait ce charmant Patrick. Absolument. Est-ce que Patrick soutient Skyrock? Qu'est-ce que tu fais, Patrick? Tu soutiens Sky? Je suis en train de masturber là. C'est bien, Patrick. Mais après, il faudra soutenir Skyrock, hein, Patrick. Absolument. Hein. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Non, ce soir, on est sur Sky. On va pas le faire en direct. Ça peut être un peu limite. Oui, ça va être un petit peu. Non, c'est Cédric, sors la main de ton slip. Oui, Cédric. Non, c'était juste Patrick une idée, mais on le va. Oh non, j'ai trop envie de me masturber. Mais non, faut pas le faire, Cédric. Même pour soutenir Skyrock, faut pas faire. C'est sûr. Oui. Donc, on attend vos témoignages. Sur le 41 Sky, le skyrock.fm et puis au 01 53 40 30 20 vos témoignages pour Tyrone. Ne quitte pas Tyrone, défendons la liberté de Sky. Tiens, je voulais vous présenter Clément là qui est avec nous. Comment ça va? Ça va, merci. C'est l'auditeur de Sky qui était déjà venu nous voir. Ouais, il y a, depuis un petit moment. T'étais venu il y a combien de temps toi? Dernière fois, je sais plus trop, mais il y a 6 ans la première fois. Il y a 6 ans la première fois, et tout à l'heure tu m'as envoyé un petit message parce que je t'avais laissé pour du bureau. Tu m'as envoyé un petit message et puis tu nous as dit, je voudrais venir dire un truc à l'antenne de Sky. Et écoute, t'es le bienvenu, Clément. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais pas, j'ai pas vraiment fait de discours, mais. Non, monsieur, faut pas faire de discours. Tu dis comme tu le sens. Tranquille, non, je sais pas, c'est. Faut pas oublier que, enfin, ce que j'ai compris, c'est une histoire d'argent, tout ça, un peu. Oui. Mais faut pas oublier que derrière Skyrock, je pense que le mot est fort, mais c'est ça, c'est sauve des vies, quoi. C'est vous donnez le moral à des gens déprimés. Moi, vous êtes venu me voir à l'hôpital, ça m'a sauvé, je peux le dire. T'es venu nous voir. Ouais, parce que bon, quand t'étais venu nous voir, ça allait beaucoup moins bien que maintenant. T'avais des gros soucis de santé. T'es venu avec. J'ai eu pas mal de merde et je peux dire que Skyrock m'a pas mal aidé. J'écoutais Skyrock quand j'étais à l'hôpital. Non, mais tu peux donner du courage à tous ceux qui sont à l'hosto et qui nous écoutent, hein. Ouais, clairement. Quand t'as galéré, t'as passé des années à l'hosto. Ouais, j'ai passé pas mal de temps à l'hosto en fait. Un an complet à l'hosto et beaucoup avant aussi. Ouais. Et voilà, je veux surtout dire que vous donnez le moral aux gens qui vont pas bien, quoi. Suffit de vous écouter et on oublie un peu ce qui nous arrive. Bon, il t'exagère un petit peu quand on dit qu'on t'a sauvé la vie, mais. Non, mais enfin, c'est. Non, mais ça, c'est le moral, tu veux dire, ouais. C'est le moral, quoi. C'est important. Et t'étais venu nous voir, d'ailleurs, ce soir-là, on n'avait pas fumé parce qu'il fallait pas qu'on fume. Tu nous dis s'il faut pas qu'on fume. Ah ouais, parce que là, on est en train de fumer, là. Vous allez oui, on est tous en train de fumer. T'avais un problème au poumon, en fait. Voilà. Et t'avais des potes à saluer, des gens que tu connais. Mathias, des gens qui ont galéré comme toi aussi, ou peut-être un petit message à passer à tous les gens qui sont à l'hôpital. Pas perdre espoir, quoi. Faut se battre. Faut profiter de la vie, quoi. Eh ben oui, t'es là, toujours avec nous, hein. Ouais, ça va. Et ouais, même si ça n'a pas été facile. Et ça va mieux, là, maintenant? Ouais, ça va, pas de problème. Ça se voit déjà. T'as changé déjà. T'as changé grave. T'as bonne mine maintenant. T'as grandi. C'est vrai, t'as grandi, ça. Au début, je t'ai vu, t'es pas reconnu, moi. Au tout début, je t'ai vu, putain. Avec les yeux que t'as, putain, tu devrais bien voir, merde. Pourtant, ouais. C'est vrai qu'il est équipé au niveau des yeux. Des beaux yeux. Un beau regard de bœuf, quoi. Bon bah écoute, on te remercie pour ton soutien et puis tu m'as envoyé le message tout à l'heure, si vous m'avez sauvé il y a quelques années, aujourd'hui c'est à moi de sauver Skyrock, ça m'a beaucoup touché, j'ai vu ça au réveil. Et écoute, merci à toi Clément. Pas de problème. Et merci beaucoup. Et tu seras ta sœur aussi. Elle va bien, toute ta famille. Et ben merci à toi Clément, merci pour vos messages à vous tous aussi, hein, on vous le dit, c'est vraiment voilà, ça nous fait chaud au cœur de voir que vous êtes là avec nous, vous soutenez Skyrock à fond. Encore des messages qui défilent de partout. Nuggets qui soutient Sky à fond. Bonjour à Seclay également. Je soutiens la famille Sky. Merci Audrey. Merci à tous. Hein. Tous pour vos messages.
D'ailleurs, je crois que le Telex, il est, vous pouvez le lire, le Telex des messages. Ouais, ouais, il est sur skyrock.fm en homepage. Homepage de skyrock.fm. Ouais, vous avez les messages qui défilent en continu. Ouais. Voilà, vous avez les messages que vous envoyez qui défilent pratiquement en temps réel, là. Bon, on nous a écouté sur France Inter ce matin. Vous savez qu'on a fait des trucs de fou ce matin. On a fait des duplex avec d'autres radios. On a fait ça avec Beurre FM. Bonjour les amis de Beurre FM. Ouais, ouais. Ça passait un bon moment avec eux. Et puis on a fait ça avec France Inter aussi. France Inter qui a fait une interview on était en duplex, en fait. Vous aviez le même programme pendant 4 minutes sur France Inter et sur Skyrock. Je crois que c'est la première fois du. Romano, l'a fait bruyant. Romano, tu as dit bruyant à France Inter. J'ai dit bruyant, moi, sur l'antenne de France Inter. Donc, merci. C'est un truc, mais que tu bégayes. C'est vrai qu'on vindra. Mais tu verras qu'il est bleu. Voilà, il se passe des trucs à chaque instant sur Sky ces temps-ci. Et, ouais. Voilà, en fait, on passe de bonnes journées avec vous, malgré la situation dans laquelle on se trouve et la situation danger de mort pour Sky. Dans un instant sur Skyrock, mais oui, il est 21h30. Ah, ça approche. Le grand Megamix arrive. C'est Hitler. Je vais chercher le colonel. Alors ça, je vous conseille. Je vous conseille d'enregistrer. Il s'est pas barré. Tu crois qu'il se cache? Le colonel réel. On va le chercher. Moi, je le cours. Je cours après dans la rue. Le colonel réel. Romano dans un grand duo et dans un grand Megamix. Le méga Roma mix du colonel réel. Ça claque. Hein. Attention, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Déjà, rien que le nom, je trouve qu'il pète, quoi. Ah, en plus, il y a des demandes, là. C'est quand le Romano Megamix. Il arrive. Il arrive. Putain, ça va être chaud. L'homme Romano Megamix. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe avec Sky, bon, vous écoutez la radio, on vous en parle. Et puis, vous pouvez également aller sur le blog de l'émission, difool.skyrock.com. Ouais. Vous pouvez aller sur le Facebook. Allez-y. Défendons la liberté de Skyrock. Faites tourner le Facebook et défendons la liberté de Sky. Et puis aussi, on s'occupe de Tyrone. Vous l'avez entendu, Tyrone avec sa meilleure amie, ils ont couché. Oui. Et bien, des réactions qui arrivent, des réactions de toute la France. On vous attend en direct. Radio Libre, grande soirée de Sky Solidarité. Et le colonel réel et Romano qui arrivent tout de suite sur Skyrock. Big up. Et Radio Libre. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Connecte-toi sur le Skyblog de Difool, difool.skyblog.com. Sur le Facebook officiel, défendons la liberté de Skyrock. Écris dès maintenant au président de la République à elysee.fr/écrire. Au premier ministre, gouvernement.fr/premier-ministre/écrire. Faut le dire à tout le monde et il faut que tout le monde le sache. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. Tous les soirs, dès 21h, Difool sur Skyrock, Radio Libre. Et Radio Libre en direct, 21h minuit sur Skyrock, 21h minuit, tous les soirs, avec vous tous et vous toutes. Du son également dans l'émission, Sky Rap R&B. Vous le savez, c'est toute la journée. Et puis des sons que vous avez envie d'écouter ce soir. J'ai pas encore regardé ce que vous nous aviez demandé. Il y a tellement de messages qui défilent depuis tout à l'heure, là. Vous écoutez toute la France, vous soutenez Skyrock, vous défendez la liberté de Sky. Ça fait plaisir. Et attention, on défend la musique sur Skyrock. Alors, il est où le colonel? Le colonel réel, je sais pas, il est perdu dans les couloirs. Il y a tellement de monde dans les couloirs de Sky, là. Colonel au rapport, quoi. Oh, colonel au rapport. Alors, comment ça va? Bien, bonsoir, Chris. Bon, bonsoir. Ah, Chris, c'est toi, Chris. C'est bien, parce qu'on vous attend à la radio. Moi, je t'ai pas vu, Chris. Mon colonel. Big up, Chris. Bonjour. Je vais donc laisser les artistes discuter entre eux. Vous allez vivre un grand moment sur Sky, moment unique. Toi, tu vas. Ah ouais, bah, il faut un casque, quoi. Jamais, je pense que jamais t'as vécu un truc pareil. Non, mais puis, je suis dans un état, mais je suis un peu crevé, donc tu me pardonneras si je bégaye et tout. Ça va. Bon, ça fait quoi de vivre cette semaine? Parce qu'on t'était venu, tu vois, faire ton palais d'étrape pour nous faire découvrir ton album. Donc on est là pour découvrir l'album. Et puis en plein milieu de la semaine, mardi soir, t'as appris ce qui se passait. Je tombe en plein dans le contexte, hein, parce que c'est la guerre. Hein. La guerre, mais pisse. Hein, j'arrive dans un contexte un petit peu tendu, mais bon. Tu vois, tu vois des ministres. On va envoyer ton album. On va envoyer ton album au ministre Xavier Bertrand. Qu'on remercie de nous avoir soutenus. On a vraiment besoin de soutien et au plus haut niveau. Et d'abord vous tous, c'est pour ça. C'est vraiment ça le plus important pour nous. Mais si c'est relayé par des hommes politiques qui ont du poids, qui peuvent en parler à des gens importants, c'est bien. Donc toi, tu vas envoyer ton album. Xavier Bertrand, t'as vu François Hollande hier, mais c'est un peu là. Hier soir, c'était François Hollande, aujourd'hui Xavier Bertrand, on attend Barack Obama demain. Demain, Barack Obama, non, on ne mettra pas là. Il vient directement, il prend son diète là. Alors, on va s'occuper de Tyrone dans un instant avec sa meilleure. Est-ce que tu as déjà couché avec une de tes meilleures amies? Non, pas encore. Jamais. Elles sont pas très belles. Désolé les meilleures amies.
Mais non. Putain, c'est si ça reste les meilleurs amis, c'est parce qu'elles sont pas tout à fait attendues. Voilà, je crois pas trop à l'amitié homme-femme, en fait. Ouais. Ouais. Bah, regarde-moi et Marie. Bah ouais. Ah bon, c'est pas, on sait pas. Et pourtant, vous savez pas, en effet, oui. C'est pas chez des choses. Toi, ça fait des années qu'on se connaît, hein. Eh oui, la Marie. Bah ouais, ça existe. Et... Bon, alors, on va passer à la musique. Maintenant, on reviendra à Tyrone dans un instant avec sa meilleure amie, avec laquelle il a couché. Alors, bon, Cédric, donc, comme je vous le disais, laisser les artistes se mettre en place. Attends, il faut qu'on voit avec Cédric, parce que je sais pas, comment t'as fait? Comme tu m'as dit de te faire. Un couplet, un refrain. T'inquiète, c'est freestyle, Romano, on se prend pas la tête. C'est... Non, parce que les trois instrus sont mixés. Attends, c'est travaillé. Romano, il déjà. Fait difficile. Professionnel, tu sais que depuis qu'il a fait des trucs avec Eminem, ouais, tous les autres. J'ai quand même une carrière à tenir. On peut dire une réputation. Ah ouais. Une réputation dans le milieu mondial du rap et du R&B, Romano. Également, t'es à Sean Paul. T'aimes bien Sean Paul? Ouais, grave, il m'a inspiré, ouais. Écoute, Sean Paul, moi, j'ai fait des titres avec lui. On l'a couché ici. J'ai été défoncé. On l'a achevé. Il a picolé avec moi, il a pas tenu quoi. Il a fini couché sur les genoux de la Marie avec le chien de Romano qui lui léchait le visage. C'était super. C'était la folie quoi. C'est super. Bon, on y va alors. Vas-y, pas de problème. Donc dans l'ordre, alors, c'est quoi? Celui. Oui. Toutes les nuits, oui. Aurélie, et on finit avec celui. Ok, vas-y. Pas de soucis. Le méga mix. Attention, dans une demi-heure, on est encore en train de chanter. Tu commences et moi je suis, hein, t'inquiète. Okay. Et vos réactions en direct. Fais ce que je peux. Vous laissez vos réactions sur le 41 Sky et le skyrock.fm. Donnez votre avis de fan pour le colonel, votre avis d'amoureux du message, son. Là. Et faites péter les messages, il vous a dit Romano. 41 Sky, skyrock.fm. Et attention, c'est parti pour le grand méga Romamix. Méga Romamix. Le méga Romamix du colonel réel. Attention, c'est parti. Yeah, yeah! Big up, colonel! En direct de Skyrock avec Difou, Lamari et Romano! Yeah! Moi, je suis le commandant Belly Bay! Wow! Yeah! Tu partages ta vie, et celui à qui tu te confies, nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ta chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta vie, passer quelques heures avec toi dans ce lit, je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta vie. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Yeah, on enchaîne avec toutes les nuits. Toutes les nuits, je pense à... Oui, à toi. Marie. À Romano. À Marie. À Romano. Yeah, mais c'est gentil. J'arrive pas à te l'avouer, mais je suis tombé sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments, je pose des armes. Sans doute ce qu'on appelle l'amour. Faut que tu saches que... Faut que tu saches que toutes les nuits je pense à toi. Toutes les nuits je rêve de nous deux. Toutes les nuits je pense à toi. Tout près de moi, je vois nous les deux. Toutes les nuits je pense à toi. Toutes les nuits je rêve de nous deux. Toutes les nuits je pense à toi. Tout près de moi, je nous vois tous les deux. Yeah, je pense à tous les deux, je pense à Aurélie. Aurélie. Ah, je pense à la Marie. Oh, la Marie. Oh. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci, c'est pour toutes les Aurélie. Celles qui ont donné la vie. Oui, Romano, oui. Elle est en seconde dans un lycée de banlieue. Sort avec un mec de son quartier depuis peu. Il est comme elle aime, c'est-à-dire un peu plus vieux. Il a l'air amoureux, ils ont tout pour être heureux. Elle a jamais fait, elle attendait juste le bon gars. Là elle se dit bingo, ils sont seuls dans la Twingo. Donc ça va swinguer, elle enlève son tanga. Il réussit le S comme son gars. Oui mais voilà, 9 mois plus tard. Hey, tu t'es réveillé 9 mois plus tard là-bas. Yeah. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses parents et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie. Celles qui ont dit la vie. Ah.
colonel, surtout. Oh, putain, ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait, Romano? Il a regardé plusieurs fois. Non, mais c'était très mal fait. Excusez-moi de dire, oui. L'instru était très mal faite. Non, mais c'était pas ça du tout. Putain, moi, je suis dégoûté. J'aurais bien fait celui en entier, quoi. Ça y est, alors. Non, tu veux pas qu'on fasse celui, parce que là, c'est honteux. Écoutez, on se le fait demain avec le Ronix Sky. Colonel, est-ce que tu nous prépares les lyrics? On va essayer de préparer ça. On fait un truc qui déchire. On l'enregistre, on le passe toute la journée. Vas-y, je suis celui qui soutient Skyrock. Ah, on compte sur toi, colonel. Fais un truc qui pète là. Vas-y, je vais faire ça, Bon, bah, c'était. Mais regardez les messages. Pas mal, Romano. Big up, je vois que vous êtes sympa. Ah, vous êtes trop mort de rire. Bravo, Romano. Trop bon, Romano. Putain, magnifique. Il est trop fort, le colonel. Gros bisous à lui. Merci, Jackie A, là, sur SMS. T'as fait des fausses notes, Romano. Ah, désolé. Là. Non, regarde, c'est mortel. Il déchire, Romano. Le colonel, il déchire. Colonel. Je rêve d'un zouk avec toi, Romano. Il y a quelqu'un qui a dit. Je rêve d'un zouk avec toi. Viens zouker. On va faire coller. Sagère. Quelle horreur, Romano, nous dit Maxou. Le massacre mort de rire. C'est du lourd, Romano et le colonel. Ah là, bah, c'est du lourd, ouais. Romano, il a un peu tout gâché. C'était le colonel réel à côté, mais oui, le vrai. Le vrai colonel qui est venu nous voir ce soir dans l'émission et qui est encore demain dans Planète Rap. Demain soir dans Planète Rap à découvrir. Ouais. Regarde, grosse catastrophe. Arrêtez le massacre, ça déchire. Mon Dieu, Romano, arrête-toi de centrer. Je t'en prie. Ah bah non, bah là, c'est fini pour le moment. Vous gérez les mecs. Regarde, le 22 est avec nous. Regarde le nombre de messages qui défilent depuis tout à l'heure. Ah ouais, ça fait bon, c'est gentil quand même. Ah oui, mais ça vous a plu. Non, le plus terrible, c'est que ça vous a plu. C'est fou, ça, Romano. C'est dingue, hein, t'as vu, tu vois. Ah putain, ouais, parce que celui-là, c'est quand même pas le meilleur. Désolé, j'ai tout merdé, tout foiré. Bon, bah merci en tout cas, colonel. Merci à vous. Demain, on compte sur toi. Hein. Ok, bah y a pas de soucis, On fait l'hymne de la défense à Sky, il est pour toi. Et ok, vas-y, bah je vais faire ça bien, je vais m'appliquer, on va faire ça bien pour Skyrock. Bah écoute, merci à toi. Yeah. Merci du soutien. Merci beaucoup. Merci Chris. Merci à toi. Ciao. Ciao, merci. Bon, et ben voilà, écoute, tout compte fait, vous êtes. Comment? Merci. Un micro, un casque, vas-y, oui, pourquoi vous vous baladez dans la radio? C'est ça, très bien. C'est Marc, le directeur technique de Sky. Qu'est-ce que tu fous, Marc? Toi aussi, Marc, tu es en rébellion? Décidément, l'ensemble de l'équipe de Sky, tout le monde est là. Ceux que vous entendez jamais, Marc, vous l'entendez jamais. Hein. Ah bah, non. Il est là avec Marc, il nous a mis une petite veste à la façon Claude François. Attention, quoi, il est looké. On le salue. Et on salue toute la bande de la technique et tous les autres qui sont tous là, toute l'équipe de Sky. Tout le monde est derrière. Vous entendez jamais des bureaux en passant par la technique, voilà. Et puis surtout vous tous et vous toutes qui êtes là tous les soirs. Oh, tu as une voix pour faire l'amour. Regarde Romano, les messages qui continuent de défiler. Didi, tu as une voix pour faire l'amour. Ouais. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu trouves que Cédric a très mal fait la bande son? Hein? Non, mais attends, je vais lui pourrir la gueule. Ça, c'est côté sur moi qui va en prendre pour son gars. Là, tu restais soft parce que le colonel était là. Tu voulais pas faire de clash dans l'équipe pendant le colonel. Ah non, mais c'est quoi cette merde que tu m'as fait? La gueule, tu m'as dit. En fait, l'autre, il m'a saleboté mon truc. Sois pas jaloux. Non, mais arrête de rebalancer. C'est la faute sur Cédric. Non, mais c'est pas du tout ça que j'avais prévu. Merde. Mais non, je te dis un couplet, un frein. Il y avait juste les refrains. Bah non, au début, il y avait le couplet, le. Mais n'importe quoi. On est parti sur le refrain. Mais ben ouais, mais c'est un colonel, il connaît mieux que toi ses disques quand même. Alors. Ouais, quand même. Hein. Non, parce qu'en plus, même le colonel, il a écouté avant, il a trouvé que c'était bon. Ouais, bah, t'aurais peut-être dû l'écouter avant, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Bon, bah écoutez, voilà pour le premier son de la soirée. Les autres, on les retrouvera d'ici. 6 minutes, putain, ça m'énerve ça. Du son à écouter. Et demain donc l'hymne de défense à Skyrock par le colonel réel. Ouais. Et c'est vous, il y en a plein qui ont eu l'idée, je vous en citais un tout à l'heure, mais on en a eu plein d'autres. Où est-ce que je vous ai mis? Je sais pas où je vous ai mis parce que j'ai des mails un petit peu de partout, je vais vous retrouver ça. Ah oui, là c'est clair que les messages. Je me rappelle d'un contact. Je suis celui qui défend Skyrock. Bon, allez, on y va pour voilà tous les mails qui sont là. Enfin, je sais pas où, j'en ai tellement que je sais pas où c'est, mais enfin bon voilà le cœur y est. Alors, on a vous tous à retrouver tout au long de la soirée. Merci pour votre soutien. Défendons la liberté de Sky. Ça continue. Journée spéciale depuis ce matin et ça continue demain, tout au long de la nuit, tout le temps, 24 heures sur 24. Hein, Skyrock, radio libre, radio ouverte, antenne ouverte, 24 heures sur 24 à vous tous pour votre soutien. On salue Tidav là qui est passé, qui bossait à Sky. Il est passé déjà hier, il passe aujourd'hui. Je pense qu'il passera demain aussi. Voilà. Mais logiquement, il est en émission à cette heure-ci dans une autre radio. Non, mais il a enregistré, je crois. Ah d'accord, ok. Hier, en fait. Il est super. Merci à lui. Pour venir nous voir. Ouais, c'est la grande solidarité hein, partout. Ouais. Bon, alors, très bon, Romano. Tu nous as vendu du rêve. Lance-toi dans la musique. Oh, ouais. Non, mais je te lis le message de Julio et Pépette. Il y a des messages étonnants. Hein.
Comment niquer trois titres d'affilée? Ça c'est vrai, t'en avais déjà niqué un, mais comme ça, trois massacrés en même temps. Mais trois à la fois, t'avais jamais fait. Hein. Ah non, jamais là. On a fait la totale là. Bim. Je lui ai niqué sa discographie entière. Ah ouais, ouais. Le pauvre colonel ouais. Réel. Bon, allez, avant minuit, on se mettra du Section d'Assaut, on se mettra du Lafouine, on se mettra. Bah écoutez, le reste, hein, vous allez, on va mater dans les messages que vous avez laissés. Là, j'ai pas encore maté. J'ai juste vu pas mal de Lafouine, j'ai juste vu pas mal de Sections d'Assaut demander. Pour le reste, on va regarder plus attentivement et on se mettra les sons que vous avez le plus envie d'écouter. Ouais, ouais. Et puis merci pour votre soutien là. Regardez les messages qui arrivent. Et puis vous en direct aussi là. On a qui? On avait Tyrone là au téléphone avec nous. Ouais, Tyrone avec sa meilleure amie, il a couché avec. Maintenant, elle fait la gueule. Quoi. Voilà, Tyrone. Donc on va te filer un coup de main là ce soir. Tyrone, le Parisien. Ouais, Tyrone. Ouais. Oh, big up à Romano, hein. Ah, franchement, ton son, là, tu m'as tué. Ah, ça, le son, ouais, je l'ai tué, ça, c'est clair. On nous dit, c'est plus drôle qu'un sketch de Jamel Debbouze et de Gad Elmaleh réunis sur SMS. T'imagines, Romano, ce que t'as fait, avec le colonel, c'est plus drôle que Jamel et Gad réunis. Ouais, mais à la base, c'était pas fait pour ça, quoi. C'est de l'art. Du lard? Non, de l'art. C'est Hram. Non, du lard, c'est Cédric. Ah, mais c'est Hram, alors. Ah, du péché. Eh oui. Eh oui. Bah, alors, Tyrone, on résume un petit peu. Donc, t'as passé une soirée, samedi dernier avec ta meilleure amie, et puis l'alcool aidant, enfin entre guillemets aidant, ouais. Vous êtes retrouvés l'un dans l'autre. Ouais, vous êtes retrouvés à faire l'amour. À faire l'amour dans une pièce, c'était dans une grande maison votre soirée. Hein. Vous êtes retrouvés en train de faire l'amour tous les deux. C'est ça. Et depuis, c'est un petit peu tendu. C'est-à-dire qu'elle te dit oui, t'as profité de moi. Bon, enfin, vous étiez deux pour faire l'amour aussi, hein. Ouais, mais bon, ça, faut l'expliquer, quoi. Et donc, c'est un petit peu tendu, les relations entre vous deux, c'est ça, hein? Ça s'est gâté, ouais. C'est un petit peu gâté. Bon, ouais. Alors, on a des réactions pour toi. On a avec qui? On a qui avec nous? Nadège, en direct de Bordeaux, en direct du 33. Salut à toi, Nadège. Nadège. Ouh. Ah, elle est là. Attendez, c'est moi que je t'ai pas mis à l'antenne, donc tu étais en train de parler, mais on t'entendait pas. Bonjour, Nadège. Bonjour. Bienvenue sur Sky, Nadège. Bonjour à toute l'équipe. Eh ben, grand bonjour à toi, Nadège. Merci d'être là, surtout ce soir. Ça fait encore plus plaisir de vous retrouver en direct, ce soir. Ah, mais y a pas de souci. Tout Bordeaux vous soutient. Et oui, on sait. Ça va s'arranger. Bah, ça s'arrangera si on lâche pas l'affaire et si on est tous ensemble, tous mobilisés autour de Sky. Et voilà. On se posait la question ce matin, on sait pas trop ce qui peut se passer. Peut-être qu'on va voir arriver la police qui va nous foutre dehors. Je sais pas comment ça peut se passer en fait cette histoire. Mais non, on sait pas trop, non. Donc c'est pour ça. Écoute, on verra. C'est pour ça qu'on remercie ceux qui viennent nous voir, qui passent comme ça toute la journée, tout au long de la journée, qui viennent voir. Il y en a dans les couloirs là d'ailleurs. Ouais. Qui passent voir Skyrock toute la journée parce que c'est vrai que vous nous aidez à défendre Sky. Mais en tout cas, on est content que vous soyez là et tant que vous êtes là, nous aussi. Donc merci Nadège. Et on aura Yannick aussi pour terminer, pour témoigner, pour Tyrone. Alors qu'est-ce que tu voulais dire à Tyrone, Nadège? Toi aussi t'as couché avec ton meilleur ami? C'était pas vraiment mon meilleur ami en fait. C'est parce qu'en fait je traîne beaucoup avec une bande de potes en fait, surtout des gars, parce que je m'entends moyennement avec les filles en général. Oui. Et en fait... Il y a pas mal de filles hein, qui ont du mal à s'entendre avec les autres filles, qui préfèrent les gars, c'est marrant ça hein. Ouais, c'est vrai. En général, c'est vrai. Fait, on est assez garces, donc bon, c'est vrai. Vous trouvez que vous êtes garces entre filles? Ouais, bah, moi, oui, il y en a. Ouais, elles sont garces quoi. Ah, ouais. Bah il faut la fille solidarité. Ouais, on connaissait la Sky Solidarité, il faut faire la fille Solidarité. Moi je sais quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus avec des mecs, mais bon, non. Oh bah ça devait leur faire plaisir aux mecs, Marie, t'inquiète. Ouais, non, mais bien sûr. Bah, mais de toute façon, regarde, je suis qu'avec des mecs hein, tout le temps, hein. Vous êtes des garçons. Mais Julie et Nadège, c'est quoi? Oui, non, mais Nadège est là, oui, non, mais je veux dire en règle générale, tous les jours je suis avec vous. C'est vrai, Marie, tu as de la chance. Bah oui, oui. T'es quand même gâté. Non mais c'est vrai que c'est quand même moins compliqué d'avoir que des mecs autour de soi que plein de nanas. Pour coucher, c'est quand même beaucoup plus pratique. Non mais ça se bouffe forcément le bec entre deux nanas, c'est sûr. Et toi donc Nadège, ça s'est passé comment? J'étais avec qui toi? Ben moi en fait c'était un bon pote quoi, en fait quoi, à chaque fois qu'on se voyait en général qu'on se cherchait mais on rigolait quoi, c'était des jeux voilà quoi, on se clashait et tout mais c'était rien de plus. Et puis un soir en fait ouais pareil pour une soirée quoi, en fait on s'est retrouvés tous les deux et puis pareil on rigolait et tout, on se taquinait et puis en fait ça a terminé ben qu'on a couché ensemble. Donc, violon voilà. D'amour. Qu'est-ce qui se passe, Romano, ce soir? Tiens, c'est qui a commencé à se rapprocher de l'autre pendant la soirée? Nous demande Johan du 42. C'est une question pour toi d'ailleurs, Nadège, mais également pour Tyrone. Moi, c'est le mec qui s'est rapproché de moi. Oh, comme c'est bizarre. Imagine. Et toi, Tyrone, c'est qui s'est rapproché? Est-ce que c'est les deux en même temps? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est elle? Ouais, franchement, ça, c'est les détails que je peux plus me rappeler, ça. Ah, d'accord, c'est tellement actualisé, raide. Oui. D'accord. Ouais, ça, franchement, je me rappelle juste que j'ai kiffé, hein. C'est bien. C'est le truc que je me rappelle.
Ah, ça c'est bien ça. T'as, ouais. Au moins quelques petits souvenirs. Le pire, c'est de faire l'amour avec quelqu'un tellement bourré, tu t'en rappelles même plus. Ah ouais. C'est pour ça que je ne bois jamais. C'est pour me souvenir des moindres moments d'amour. Et oui. Et qu'est-ce que tu conseilles? Alors oui, donc vous avez couché ensemble. Et après, comment ça s'est passé, toi, Nadège? Mais après, le problème, c'est que comme en plus, quoi, ce mec, il connaît, quoi, c'est un bon pote, un ex à moi, ça, donc c'était un peu, voilà, on en a vite fait parler. En fait, on en a conclu que déjà, il fallait que personne soit au courant, parce que bon, là, autrement, ça allait faire beaucoup d'histoires. Mmh. Et après, bon, après, moi, je savais pas trop comment ça allait se passer quand on allait se voir et tout ça, quoi. Surtout que moi, en plus, au début, je m'étais un peu attachée à lui, donc j'ai essayé de prendre recul. Et qui c'est qui t'encule? Excusez-moi. Non, du recul, du recul. C'est de oui, prendre du recul. C'est, non, c'est rien ah, à oui. voir avec les fesses. Non, rien, pas non, non, non. Peut-être par la suite. Oui. Nadège va nous dire. Non, non, il n'y a pas eu ça, non. Non. Dommage. Non, mais par la suite, ça fait que dès qu'on se voit, en fait, voilà, c'est comme si en fait, il s'était rien passé. Ah ouais, vous avez fait comme si vous aviez fait ça, puis que ça n'avait rien changé, voilà. En fait. Même si, bon, lui, des fois, il me fait des allusions, voilà, pour me taquiner ou des trucs comme ça, mais autrement, voilà, c'est comme si c'était rien passé et que, voilà. Et ça, est-ce que ça. Donc, ça n'a rien cassé, en fait, vous? Non, non, pas pour l'instant. Et t'as, après, envie de... je pense que... t'as envie de recommencer ou pas? Ben, moi, sérieux, quoi. En fait, à la fin, il me plaisait bien, le mec, mais pour quelque chose de plus sérieux. Mais après, j'ai compris que, voilà, de son côté, ça. Voilà. Donc, vous restez meilleurs amis et ça se passe toujours très bien entre vous. Voilà, oui, ça va, ouais. Eh ben, écoute, c'est super. Et tu conseillerais quoi, toi, Tyrone, avec sa meuf, enfin, sa meuf, tu vois, je me suis fait un petit lapsus, Tyrone. Ouais. Avec ta meilleure amie avec laquelle t'as couché, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, Nadège? Ben, moi, je conseillerais de lui parler, de s'expliquer sur, voilà, sur ce qui s'est passé et tout. Mm-hmm. Même si, bon, c'est pas super parce qu'on se sent forcément un peu gêné et qu'on sait pas trop quoi dire. Mais bon, je pense que, voilà, faut en discuter et parce que, de toute façon, faut toujours communiquer. Si on communique pas, ça peut pas marcher, quoi. Et en communiquer, il y a quand même niqué, hein. Donc, absolument, ouais. Bon, ben, merci, Nadège. Qu'est-ce que vous conseilleriez dans l'équipe, là? Marie, un petit conseil, toi qui es psychologiste? Voilà, merci voilà. Marie, merci pour cette question. Il est bien ou pas mon conseil? Il est super. Est-ce que j'avais à dire? Vous êtes ce que j'avais à dire? Je me suis dégonflé. Je vais continuer à me dégonfler un peu. Non, c'était par la bouche. J'ai envie de vous dire. On va mettre un bouchon à Marie. Hein. Non, mais moi, je pense que de toute façon, les histoires d'amitié, comme ça, quand ça vire au cul, en règle générale. Ah, t'es trop bon, quand t'es une grosse bite. En règle générale, c'est l'embrouille derrière. Non, mais attends, tu peux le tourner à la dérision, genre, ça va, tous les deux, ils ont déliré ensemble. Ouais. Tu vois, ouais, mais en règle générale. Tu laisses passer un peu le truc, après, tu fais des blagues, quoi. Romano, tu aurais couché avec. Tu avais des meilleures amies filles. Ouais, mais moi, c'est comme le colonel, tu vois, moi, j'ai baisse-poil, ils sont moches. D'accord. Voilà, bon, ben, admettons, je suis tellement ivre un soir, tu couches avec un ou une de tes meilleures amies. Tiens, je vais prendre un exemple dans l'équipe, Cédric. De quoi? Bah, vous êtes. Bourré, Cédric a bu du panaché, il a bu un gobelet de panaché. Bon, là, je suis bourré. On a des petits gobelets ce soir. Bon, là. Je remplis ce gobelet de panaché, Cédric le boit. Il est ivre mort. Bon, là. Il boit jamais, donc forcément. Et toi, bon, tu bois une dizaine de litres de bière pour être sous. Ah, mais 10 litres. 20 litres, allez, 30. Et là, vous prenez dans les bras l'un de l'autre et tu commences à faire l'amour à Cédric. Ouais. Ah, non. Si. Non. Ah bah si, c'est l'alcool, hein, l'alcool a des dangers. Hein. Et vous vous réveillez le lendemain, tu te réveilles dans les bras de Cédric dans ton lit. Il a la bouche qui sent le caca parce que je l'ai enculé après. Bien sûr, ouais. Cédric bave. Bave du caca, mais de la bouche. C'est classe en tout cas. Comment vous réagiriez tous les deux? Ah, moi, je me prends. Cédric, déjà, je lui dis. Mais non, faut pas te pendre. C'est pas bon conseil de donner à Tyrone de se pendre. Ah, mais Romano. Après, comment il fera pour soutenir Skyrock? Non, mais je t'ai dit, bon, de toute façon, je suis passé par derrière. Ah, je te l'ai mis, t'as pas le choix. Je te l'ai mis dans la bouche après. Parce que je sais que t'aimes ça. Après, oui, avant, qu'est-ce que tu dis? Tu te réveilles le matin, t'as un peu mal au cul, puis c'est tout. C'est ça. Et tu ferais quoi? Avec ton petit truc là, avec ton cul. Ah non, mais je le pousse, quoi. Quand je le pousse. Tu pourrais pas. Si, avec les pieds. D'accord, oui. Dans le lit, tu sais, je le fais rouler. Pas qu'il y ait témoin, je l'étrangle. Je le fais disparaître. Non, mais je me casse, ouais. Après, ouais. Ah, c'est que moi, je pleure. Ouais, non, moi, je le dirais à Sky, je dirais, je lui ai cassé le cul. Mais tu sais, je t'aurais déboîté les fesses aussi. Ah non, mais non, t'es trop sous, panaché. Tu te laisses faire, la seule position où t'as pu te mettre, c'est à quatre pattes. Le t'es avec son sgeg de 11 cm, je crois qu'il y a un peu. Non, il fait 12. Il fait 12. Tu as
chatouiller les fesses. Ah, pourquoi t'as déjà l'anus travaillé? Non, non, mais. Attends, attends, avec les branlés que je t'ai mis au clash, pas plus tard qu'hier, avec 70-30, je comprends que t'es l'anus ouvert. Par contre, moi, mon pote, tu vas la sentir passer, parce que moi, je suis équipé, mon gars. Ah, bah, pas longtemps, par contre. Ouais, mais t'inquiète pas. Ouais, tu vas m'arroser. Peu de temps que tu vas la sentir, tu vas bien la sentir. Donc, si j'ai bien compris, il faut essayer de prendre un peu de recul, c'est ce que nous disait Nadège. C'est en gros ce que je comprends dans ce que disent Cédric et Romano, prendre du recul et puis prendre ça à la dérision, lui dire écoute, bon, c'était pas si grave que ça. Je t'ai cassé le cul, puis voilà. C'est pas grave. Non, ben voilà. Faut lui faire comprendre que vous étiez là tous les deux, qu'il faut être deux pour faire l'amour, et puis voilà, vous étiez un peu pompette, vous avez fait voilà, un petit encart à votre amitié, un petit écart de la route, sur la route de l'amitié. C'était très joli, je vais le redire. Un petit concours, un écart comme ça. Mais voilà, essaye de peut-être de le gérer comme ça. On peut peut-être lui lancer un appel à ta copine là. Non, parce que. Non. Ah oui, t'as changé ta ville, tu veux rester anonyme, d'accord. Tu veux rester secret. J'ai vu, ok. Bon, bah voilà, et puis on aura peut-être d'autres témoignages tout à l'heure. Reste avec nous, Tyrone, quitte pas. Hein. Ok, ça marche. Toujours avec Sky. Et Nadège, nous, on va te faire un gros bisou, puis on va surtout te remercier pour ton témoignage, Nadège. Pourrais-je faire une dédicace, s'il vous plaît? Mais bien sûr, c'est gratuit sur Skyrock. Vas-y, profite. Alors, je vais faire une dédicace, mais pour tous ceux qui m'ont reconnu dans Bordeaux. Salut, Bordeaux. Et surtout aussi pour Cynthia du 64 et tout Paul Bert du 64 où j'ai passé, on va dire, une courte année scolaire là-bas. Mmh. Donc voilà, des plein de bisous à tout le monde et je vous soutiens. Merci. Dis à tout le monde d'ailleurs, si tu connais encore des gars et des filles du côté du côté de Bordeaux. Ah, mais là, je crois qu'on fait que ça. Là, on fait que ça à Bordeaux, faire tourner. Mmh. Donc j'espère que ça s'arrangera. Et ben aussi. Et plein de bisous à Cynthia, en plus, là, qui est sur Facebook et qui m'a reconnu. Donc voilà, je fais vas-y, Cynthia, sur Facebook. Fais péter la page Facebook de Sky. Sauvons la liberté de Skyrock. Défendons la liberté de Skyrock. Le 64 aussi est avec vous, c'est obligé. Ils sont trop bien, les gens là-bas et tout. Je passais des 4 mois là-bas, super. Okay. Et plein de bisous à l'équipe, à Romano, à Marie, à bisous. Toi, Tifou, à Cédric. Bisous, voilà. Ouais. Bon courage. Et merci, Nadège. C'est super. À bientôt. Salut, Nadège, c'est super. Ciao. Bon, d'autres témoignages dans un instant qui arrivent sans doute pour les histoires d'amour et d'amitié. Il y en a plein. Hein, que, ça, c'est souvent, hein, ça arrive, ça. Bon, amour, amitié, couchage pour Tyrone. D'autres témoignages. Vous tous en direct aussi, hein, tout au long de la soirée. C'est Radio Libre sur Sky. Radio Libre et la journée spéciale défendant la liberté de Skyrock qui continue en direct. On y reviendra, on va reparler de tout ce qui se passe. On fait péter Facebook, hein, vous avez vu. Hein, ça en parle partout. Hein. J'ai même vu un site italien, même en Italie, ils le disent. Ils disent une radio française a fait la plus grosse manifestation du monde. C'est beau, ça. Sur Internet. C'est fou, hein, même dans le monde entier, on parle de nous. Et j'ai vu d'ailleurs que le monde entier se mobilisait. Hein. Prévenez vos potes marocains, parce que je voyais des messages des Marocains là qui mobilisaient tout le monde, des Marocains de France. Mais prévenez tout le monde aussi au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Aussi à New York. Son frère était là hier, il dit que les New Yorkais, les Américains. Il en parle là-bas, un peu partout, les Américains, tous ses potes. Au Maroc aussi. Les Italiens, les Espagnols ont fait la plus grande manifestation mondiale. Allez, on déchire tous ensemble pour défendre la liberté de Sky, là. Bon, on en reparle et puis on revient tout de suite là sur Skyrock avec le problème du mois qui arrive aussi. Hein. Eh ouais, le problème du mois, ça va pas tarder. Allez, ça va péter là. Le problème du mois à retrouver ce soir et toute l'équipe de Sky qui est avec vous, vous tous aussi, tous ensemble sur Skyrock. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Connecte-toi sur le Skyblog de Difool, difool.skyblog.com, sur le Facebook officiel Défendons la liberté de Skyrock. Écris dès maintenant au président de la République à elysee.fr/écrire, au premier ministre gouvernement.fr/premier-ministre/écrire. Faut le dire à tout le monde et il faut que tout le monde le sache. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. Tous les soirs, dès 21h, Difoulé sur Skyrock, Radio Libre. Radio Libre. Les radios libres en direct sur Skyrock, en direct avec vous tous et vous toutes. Défendons la liberté de Sky, sauvons Skyrock. C'est pour ça qu'on est là. Vous avez pigé que la situation était assez compliquée, assez grave pour Sky et vous nous soutenez, ça fait plaisir. On est là tous ensemble et c'est vrai qu'on vit des moments inoubliables. Ce qu'on était en train de se dire, c'était que si tout se passe bien, et il faut que ça se passe bien, on aura vécu des moments exceptionnels et on fait de la radio comme on en a encore jamais fait grâce à vous tous et à vous toutes et on sent vraiment que ça vient du cœur de toute la France. Regardez les messages. Tu as vu les messages, Clément? On vous a présenté Clément. Ah ouais, ça défile en non-stop. Hein. Alors, t'as vu tous les messages qui défilent? Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Après, ça arrête pas. Hein. Ça tourne. Ça fait même mal aux yeux. Oh, tu vois, ça clignote, quoi.
Je vois les Romano. Allez, Romano, genre votre Romano. Toi, tu vois que ton nom, t'as des yeux sélectifs. Non, merci pour tous les soutiens, oui. Ouais, ça fait plaisir. Et puis, allez sur la page Facebook, allez sur les blogs de l'émission, des émissions, planetrap@skyrock.com, difool@skyrock.com, le Facebook, le site de Sky, skyrock.fm aussi. Allez-y, il y a le Telex d'ailleurs. Le Telex, c'est ce qu'on appelle le Telex. En fait, c'est tous les messages que vous envoyez. Le Telex qui défile, vous allez voir les nombres de messages qu'on a. Et encore, ils passent pas tous sur le net. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Il y en a trop. Bon, alors, on a le problème du mois qui arrive. On va s'occuper du problème du mois. Ah, ben bien sûr, il est prêt. Hein. Mais oui. Et puis, bon, il arrive d'ici 10 minutes à 15. Ouais, ouais, ouais. On attaquera le problème du mois, votre problème du mois traditionnel du jeudi soir. Et oui, on perd pas les bonnes habitudes. Hein. Et donc, le problème du mois à retrouver. Et là, j'ai un cadeau. Alors, Romano, je vois tes yeux qui brillent. Tu as peut-être un peu compris. Il y a deux auditeurs de Sky qui sont venus nous voir ce soir. Ah, d'ailleurs, je voulais remercier. Alors, j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait, du monde. Oh, comme c'est mignon. On va donner un chien en peluche. Mais c'est une tortue. Non, c'est un chien. Ah, je grandir pas. Non, mais c'est un chien. Je croyais que c'était une tortue pour te rappeler ton ex. Tu te rappelles la si belle tête de tortue? Oui, non, mais là, c'est pas une tortue. Je dis ça pour les nouveaux auditeurs de Sky, là. Ceux qui écouteraient pour la première fois ce soir. Tu es sorti avec une fille qui s'appelait tête de tortue. Oui, qui avait la lèvre du haut qui tombait sur celle du bas. Comme ça. Oui. Et les yeux tombaient comme ça. Okay. Aussi. Oui, et par exemple, ça, bonjour mon Romano. Oui, bonjour tête de tortue. Bonjour mon amour. Oui, allez. Défend Skyrock. Non, tu dis. Oui, elle défend Skyrock. Tête de tortue, défend Skyrock. On traduit un peu. Parce oui, Skyrock. Skyrock. Très jolie tête de tortue. Et ouais, oui, je sais. Peluche chien. Ouais, le peluche chien, c'est un cadeau pour mon chien, Mehmet. Je remercie l'auditeur qui était en bas. Désolé, ton prénom, j'ai même pas le temps de te demander. Parce que tout le monde était autour. J'étais tout petit. Vous voyez plus rien avec les fesses. Non, mais en tout cas, il a eu le temps de me le donner. Merci, ça fait plaisir. Ce soir, en rentrant, je le donne à mon chien. Il va être content, Brouette. Ah oui, bah, je vais avec et tout. Il va bien, Brouette. Brouette, c'est le chien de Romano. Mehmet, il s'appelle, il va très bien. Ouais. C'est pas Brouette? Non, Mehmet. Ah d'accord. Okay. C'est Mehmet. Bon, il y a deux auditeurs de Sky. Enfin, il n'y en a pas que deux, mais bon. Tiens, on ira voir les auditeurs qui sont dans le studio Planète Rap, là. On va aller faire un petit tour. Ouais, plonger dans la foule, là, tout à l'heure, en direct. Chaud, là-bas. Et il y en a deux qui sont venus nous voir. Ils étaient là en bas tout à l'heure quand je suis arrivé. Voilà. Là, ils vont se présenter. Bonjour, les gars. Ils ont amené un cadeau. Enfin, ils nous ont amené un cadeau. Non, non. Allez, approchez-vous, on ne vous entend pas autrement. Ah oui, oui. Ce machin qui ressemble à un sexe, c'est un micro. Christophe. Marie adore. Jimmy. Christopher. Jimmy et Christopher. Vous avez fait 200 bornes, vous. Voilà. Vous venez d'où, hein? Vous venez d'où? Abbeville. Abbeville dans le 80. Ah ouais? T'as le soleil, il tape là-bas, parce que t'es bien rouge. Hein. Ah, t'as le bronzage, attention. Attention, Abbeville, plus fort que Marseille, Samy. Ça, apparemment. Hein. Ah, des couleurs. T'es c'est pas possible, t'as fait des UV. Là. Non. Ah, il travaille dehors. Ah, ok. C'est ce qu'on dit. C'est naturel. Bon, et ils nous ont amené des cadeaux. Ah, bah, c'est gentil. Eh oui, parce qu'il faut qu'on tienne le choc, on tient le siège à Skyrock. Hein. On est là tout le temps. Ah, bah oui, oui. Eh bien, nous avons, pour cette soirée, ça. C'est des quoi? Des canettes, des boissons. C'est boissons que vous faites, c'est ça? Voilà. Ah, t'as lancé ta. Vous avez lancé votre marque? Voilà. Vous avez lancé un energy drink? Voilà. Ah ouais, c'est bien. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle combustion. Combustion. Bah, vas-y, on va goûter. Ah bah attends. Tu veux déguster? Oh, bah, non, il veut goûter. Hein. Attends, avant de faire de la pub, on va quand même goûter. Merci. Bon bah c'est gentil les gars. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans le du côté d'Abbeville. Vous en vendez où? C'est pas encore en vente. Non, bah, en fait. Ah, c'est en exclu total. Bah, c'est super. Non. Bah oui, on nous amène à bouffer, on nous amène à boire. On t'entend mal. Un grand bisou à Emma aussi et à Cathy qui nous ont fait des gâteaux. Oui, merci. C'est en avant-première parce que c'est dans 4 mois. Dans 4 mois. Moi, j'en ai pas par contre. Et putain, mais ça l'énerve. En plus de gueuler, t'as vu ça? Quel radin là! Ah, mais non, mais attends, en plus j'ai soif. Ça a le goût du Red Bull quoi, je sais pas s'il fallait le dire, mais. Combustion, énergie, drink, taurine et caféine. Découvert sur Skyrock. Eh ben ouais, bah c'est pas mauvais votre truc. C'est bon. Eh ben merci, bah oui, c'est pas mauvais votre truc. Mmh. Voilà, donc là on peut tenir jusqu'à. On peut tenir le siège pendant des semaines et des semaines, hein, c'est ça? Ouais, alors tu nous as pas dit, c'est. Ouais, ça sort quand alors? 4 mois. Dans 4 mois, ou des yeux. Pas. Les oreilles. Voilà, ok, Marie. Allez, ouvre ton cul. S'il te plaît. Dans ton cul, par contre, tu peux le garder fermé. Bon, bah c'est gentil d'être venu, les gars. Hein. Merci à vous. Donc, merci. Si vous êtes. Donc dans 4 mois, vous pourrez trouver un truc qui s'appelle Combustion. C'est une petite boisson bien bonne que vous avez créée vous-même. Donc vous avez montré votre entreprise en fait. Voilà. Bon, si vous devenez une multinationale, vous savez qu'à Skyrock on a besoin d'argent ce temps-ci. Donc, si vous voulez racheter, vous avez besoin d'argent pour racheter, autrement la radio va très bien. Non, je suis prêt pour la lancer avant. Oui, vas-y.
et donner la moitié du bénéfice. Non, sérieux, je suis venu exprès pour ça. Il faut pas. Non, gars. Tu donnes des canettes. Romano, par contre, est intéressé. Non, mais on peut faire une association. Évidemment. D'accord. On va parler business un peu. Bah écoute, sans les contrats, on va arranger ça. Toi, je suis parti de Paris, d'Abbeville. Bah non, mais c'est gentil, mais ça nous gêne. Vous avez vu, c'est très gentil. Merci à toi, c'est gentil en tout cas. Non, mais tu nous fourniras en canette. Voilà, tu seras fournisseur officiel de Sky. Voilà, pour qu'on ait quand ça sort, tu nous amènes un petit frigo, on met des canettes dedans et ça sera nickel. Et voilà. Et on fera la pub. Signe-la. Allez, signe-la. Le contrat est déjà prêt. Le contrat est prêt. Préparé déjà. Eh ben merci les gars. Merci les Picards. Eh ben bon courage pour Combustion. La Picardie avec Skyrock, ça s'appelle Combustion, ça trouve jolie la canette. Vous avez quel âge d'ailleurs ? Ça explose. 25 ans. 25 ans et toi ? 24. 24. Voilà, donc vous avez vu, 24-25 ans, ils sont dans leur boîte et tout, ben on vous souhaite le meilleur pour vous. Et on vous fera de la pub. Voilà. Ne vous inquiétez pas les gars. C'est gentil, oui. Bon, on va aller faire un tour dans le studio Planète Rap là, dans un instant. On va juste revenir rapidement à Tyrone qui nous a passé un coup de fil. Parce qu'on vous oublie pas, hein, Radio Libre, hein, Sky Solidarité. Vous êtes très Sky Solidaire avec Sky. Ouais. Et ben écoutez, ça nous fait plaisir. Et puis ben nous on continue d'essayer de vous rendre des services là tous les soirs. On a eu Tyrone, t'es toujours avec nous Tyrone d'ailleurs. Ouais, toujours là. Tyrone en direct de Mont-de-Marsan et donc de Paris, pardon. Et toi, t'as couché avec ta meilleure amie depuis. Elle te fait un petit peu la gueule. Ça s'est passé samedi dernier. Ouais. Et donc, on file à Mont-de-Marsan pour le témoignage de Yannick qui est au téléphone avec nous et qui a 20 ans. Salut Yannick. Salut. Comment ça va Yannick ? Salut à toute l'équipe. Ça va et vous ? Bah écoute, ça va. Quand on est là, comme je vous le disais hier, hein, quand on est là, ça va mieux. Après, quand on se retrouve tout seul dans son lit, qu'on n'arrive pas à dormir, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu normal, oui. Mais bon, pense à vous et puis voilà. Donc ça va Yannick pour répondre. On vous soutient là où on est. Même du fin fond des Landes, on vous soutient. Ah mais j'ai vu, mais la France entière, hein, on a des messages du monde entier même depuis hier. Les messages qui arrêtent pas de défiler là depuis tout à l'heure et les SMS qui défilent. Bon, regarde un mot d'une vieille de 46 ans. Bah t'es pas vieille, regarde Cédric, il en a 48. Ouais, bien sûr. Qui a vécu la naissance des radios libres et qui écoute toujours Sky, une des rares radios qui a gardé son âme. Et ben voilà, ben merci SVB là sur ton appli avec son appli iPhone, elle nous envoie le message. Bonsoir madame. Mes filles, je veux que les filles continuent d'écouter Skyrock. Ben t'es super, ben t'es la bienvenue, y a pas de souci. Bon alors un petit conseil là, Marie, t'as déjà couché avec un de tes meilleurs amis hein? Ah ben bien sûr. Avec tous plus précisément. Non. Et c'est ce qui nous manque. Ah non, clairement pas. Tout ça à 4277 meilleurs amis qui sont passés. Non mais y moi a ça. Du monde. Ouais, non, mais moi, ça a rien changé, moi, quand c'est arrivé. Ah, tu l'as fait? Il s'est resté des amis? Ouais, pas mais. mes milliers. Comment tu l'as fait? 4278. Et voilà. Non, pas eu de soucis. Enfin, c'était à l'époque, hein, c'était il y a très longtemps. Mm-hmm. Remarque, on n'est plus amis, mais c'était pas à cause de ça, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Yannick, pour un petit conseil à Tyrone, là? Ben, moi, en fait, donc pareil, j'avais une bonne pote à moi. Mais bonne ouais, une bonne amie, quoi, une très très bonne amie. Magie. Elle était mignonne. Et en fait, elle était bonne. Ouais, très mignonne, ouais. Très bonne dans tous les sens, on va dire. Magie. Et en fait, ben pareil, une soirée, ça a commencé comme ça, d'une soirée où un petit peu alcoolisé. On a couché ensemble. Et sauf qu'après, moi, ça s'est pas du tout passé pareil que Tyrone, quoi. C'est devenu mon plan cul pendant plus d'un an et demi. Donc en fait, vous étiez toujours meilleur ami à ce moment-là? Ouais, voilà, on était toujours potes, mais c'était plus si affinité, quoi. Après, et quand vous aviez envie d'affinité plus tous les deux, vous y alliez? Voilà, exactement. D'accord. Parce que bon, c'était un petit peu compliqué, elle était dans ma classe et tout. Je crois que Romano a une question à te poser. Commando Baby, oui. Oui, il est là aussi, il est là. Tout le monde soutient Skyrock. Tu voulais savoir précisément qu'est-ce que tu entendais par coucher? Ouais, que vous avez été jusqu'où? Total, quoi. Ouais. Quoi. Oh, vas-y, pose-la ta question. Tu l'as par derrière. Oh. Par derrière. Non, pas par derrière. Ah, mais c'est toi qui voulais pas ou elle? Moi je sais pas, je me suis jamais posé la question. Romano, c'est marrant les questions que tu te poses. C'est pas les questions que se pose tout le monde. C'est un coquin celui-là. Ah, il est coquin du trou de balle là, ça. Non, mais un coquin du trou de balle, attends, c'est pas normal. Avec Cédric, il fait une belle équipe. Non, ça va. Ah oui, Cédric, ça c'est clair. Cédric, il me fournit son anus. Ouais, c'est ça, ouais. T'as envie de manger, toi, hein. Ah non, ton cul, non, c'est pas, non. Limite, je préfère. Je soutiens Skyrock, mais j'ai envie de vomir là sur le coup quand même. Ah non, mais bouffer ton cul, quelle horreur. Bah attends, je serais heureux, t'es fou, toi. Tu restes privilège. Ah bah ouais. Et alors, au final, donc, tu t'es dit que ça avait duré un an et demi. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'un jour, toi, t'as eu une fille fixe, quelqu'un que tu aimais. Ouais, voilà. Ouais. En fait, après, j'ai une copine officielle, on va dire, et avec qui ça a marché. Et donc, du coup, on a dit qu'on stoppait tout ça, mais. Et elle aussi, après, de son côté, elle s'est trouvée quelqu'un. Donc, du coup. Et vous êtes resté meilleur ami.
et on est resté potes, voilà, on est toujours en contact. Mais comme c'est joli. Voilà. Si j'ai un conseil à pas donner à Tyrone. Oui, vas-y, vas-y. Il faut qu'il en parle avec elle parce que ils étaient deux. Donc, qu'elle dise qu'il a abusé d'elle ou quoi parce qu'elle avait bu, moi, j'y crois pas trop à ça. Pas dû abuser, elle a dit. Il a dit profiter, elle dit que t'as profité de ce moment-là, ouais. Quoi. Ouais, voilà, mais bon, malgré l'alcool, je veux dire, elle va avoir certainement. Non, mais c'est que vous tous les deux, vous étiez. Une petite envie refoulée, quoi. Tous les deux, vous étiez bourrés, voilà, et quand on est bourré, parfois on contrôle pas, c'est pour ça que je dis, sans l'alcool, la fête est plus folle. Et ni, ni, ni! Ah, mais je croyais que Cédric allait chanter quand t'as dit. Non, mais Cédric ne chante pas, là. Quand t'as dit, l'alcool est plus folle. Ah. C'est pour ça que je me disais, Cédric va prendre le relais, donc je me suis dit. Ah, bah, ça y est, oui, en effet. C'est une équipe, vous avez vu, une équipe bien rodée, quand même. Non, mais pour un peu, le truc qu'il y a, c'est que la meuf Tyrone, pour un peu, elle regrette de l'avoir fait, ou alors elle a peur que t'en parles à d'autres, qu'elle ait une réputation, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. Pas bête, l'idée que j'ai lue sur SMS, de la part de Madinina. Non. Encore volé un message. Ah non, j'ai rien volé du tout. C'est pas la peine de faire gnion 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 gnion. Non, j'ai dit non. Voler un message. Bon, voilà pour les conseils, Tyrone. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, maintenant, que t'as entendu les conseils qu'on t'a donnés, les témoignages qu'on a eu en direct sur Nadège tout à l'heure. Ouais, voilà, je pense que je vais suivre son conseil et tout. Et après. Tu lui dis, comme SP87, là, qui nous laisse un message, c'est ça l'amitié, de tout partager. Oh, bah oui, vas-y. Bah oui, bien sûr. Bon ben on espère que ça te passera bien pour toi Tyrone en tout cas. Non mais ah c'est un très bon conseil, très très bon conseil. Ça sera la dernière chose que je te dirai ce soir. Ah c'est pas mal. Tyrone, ouais, c'est fini. Comprenez pourquoi Skyrock tous les soirs donne de bons conseils. Non mais Tyrone, la meuf là, tu lui as reparlé depuis? Non. Non mais essaye de lui envoyer un SMS, envoie-lui un truc là, un message. Dessus tu lui dis ouais t'inquiète pas, je vais pas en parler, ça reste entre nous, tu vois, elle a peut-être peur de ça aussi la meuf. D'avoir une réputation, dire ouais l'autre elle va à une soirée, elle est bourrée, elle s'est sautée, voilà. Moi je dirais que c'est plus ça qu'elle redoute quoi. Pas mal cette idée qui a été volée encore sur SMS, mais elle est très bien. Et tu l'as même volé à Yannick, c'est ce que vient de dire Yannick. Et Marie alors? Faut pas déconner. Hein. Les conseils. Qu'est-ce que tu toi en tant que femme? Excuse-moi, je me vide. En tant que femme, pardon, j'étais au standard. Ah très bien. Comment c'est un mot en tant que femme? Bah pour Tyrone, qu'est-ce que tu conseillerais à sa meilleure amie mais et à Tyrone? Mais qui est ce Tyrone? Mais c'est qui? Non, mais ce moi monsieur? Je pense qu'il faut qu'il discute avec elle, tu vois. Ah la discussion, le dialogue. Bah ouais, non mais de toute façon il y a rien d'autre à faire, surtout que c'est une amie, donc oui, il y a pas mort d'homme, c'est sûr, mais enfin si elle est vénère. Faut quand même, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on discute, qu'on mette les choses à plat après. Moi, je pense qu'elle le vit mal, moi. Bon, si elle a gueulé comme ça, oui, c'est qu'elle est pas très fière de. Donc, il faut en parler. Hein. Bah oui, il faut crever l'abcès. Voilà. Comme sur le visage de Cédric. C'est lui qui a des abcès sur le visage. Non, c'est dingue d'avoir des abcès comme ça sur le visage. Bah, on gueule pareil, heureusement qu'il est. Il est abcétique. Bon, en tout cas, c'est gentil d'abord pour les soutiens, vous tous, là, Yannick, Tyrone. Mais, gentil pour le Romano aussi. Même s'il vole les messages. Non, j'ai pas tout volé, ça vient de ma tête chauve. Voilà, bien sûr. Vous avez entendu, j'ai pas tout volé, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal qui l'a piqué chez vous. Voilà, c'est ça, oui. Oui, il s'inspirait en tout cas. Bon, bah Yannick, merci, puis on t'envoie ton jeu ou ton maillot à la maison, Yannick. Hein. Ok, je peux passer une petite dédicace. Et petite dédicace, vas-y. Alors, je passe une dédicace à ma chérie Morgane, à Rocheteau, Antoine, Kiki, Julie et tous ceux qui m'écoutent à Mont-de-Marsan. Et ben, salut tout le sud-ouest et le sud-ouest avec Skyrock. Oui. Salut Yannick et Tyrone. Ciao. Bah, bon courage à toi. Tiens-nous au courant, Tyrone. Hein. Et si elle nous écoute, si elle nous écoute ta copine et qu'elle t'a reconnue, on va lui faire un gros bisou et puis discutez ensemble, c'est trop bête. Ouais, c'est vrai, ouais, pas de problème. Bon. Ok, merci. Salut Tyrone. Ah, je peux juste dire un petit truc à Cédric. Un petit truc à Cédric et une dédicace. Un petit truc à Cédric d'abord. Okay, merci. Ouais, je voulais juste te dire que si avec un demi-verre de panaché, t'étais déjà complètement bourré, faut pas que tu viennes faire les férias dans les Landes parce que sinon, on va pas te retrouver. C'est violent les férias. En plus, j'ai un pote qui m'a dit J'adore, c'est génial. Ok, complètement défait. Ah ouais, j'en ai fait plein des férias. C'est des beuveries. Moi, j'avais fait un bêtis. Vous savez que j'ai fait toutes. J'avais fait quoi? Arles aussi. Bon, de toute façon, les férias, c'est dans les Landes. Des bitures géantes, quoi. Ouais, c'est dehors en plus. Bon, voilà, c'est énorme, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est bonne ambiance, par contre. Ouais. Bon, bah écoute, merci. Et puis, il y avait une petite dédicace de Tyrone aussi, je crois. Ouais, s'il te plaît, Vas-y.
Donc dédicace à Alias, Marvin, Authentique, Seb et à toute l'équipe, à Todic et à toute l'équipe de Sky, vous gérez, j'espère que ça va pas s'arrêter et continuer à fond. Eh ben merci, et mais voilà. Continue aussi, hein, puis parle-en à tout le monde autour de toi, Tyrone. Ouais, ouais, pas de problème. Salut Tyrone, ciao. Ok, ciao. Et merci pour les messages. Ciao. Bon, si vous avez besoin d'un témoignage sur comment ça a changé ma vie, Skyrock, tu dis, oh, très bien. C'est après, tu vas nous expliquer. Ah bah moi, ça a changé ma vie. Je suis arrivé ici, je savais à peu près parler. De pire en pire. Là, il parlait deux mots. Mais c'est marrant parce que ça a changé ta vie également physiquement. Regarde, ouais. Tu es arrivé ici, tu avais des cheveux. Je dirais même qu'il avait une méchouille blonde en haut de la tête. Ah ouais, il était blondinette. Ouais, j'étais une blondasse. Et là, ouais. Maintenant, Skyrock a changé ta vie, tu n'as plus de cheveux. Non, je suis chauve. C'est fou, ça, quand même. Ah putain, tout à l'heure, je me suis mis la main dans les cheveux, putain, laisse tomber. Non, fais pas ça pendant cette période. Déjà, la période est difficile. Si en plus, tu commences à te mettre la main dans les cheveux que t'as pas, tu vas te sentir mal. Encore. Ah non, mais il y en a plein. Il y en avait plein dans la main. Je crois que c'est mal. Ah ouais, ouais. Truc de ouf. Eh oui, ça. Si quelqu'un a de la colle, que je garde ceux qui me restent. Bon, vos messages de soutien. Tiens, on va en lire des messages de soutien dans un instant. On va juste aller, puis on va vous prendre en direct. Hein. Il y aura Yanis de Marseille qu'on aura au téléphone avec nous. Allô, ouais, moi. Je vous le dis, hein, journée spéciale défendant la liberté de Skyrock, mais Radio Libre, hein, et Radio Libre. Et donc, si vous avez besoin d'un petit coup de main, on est là aussi. D'un petit peu d'aide, si vous avez envie de faire les cons avec nous, hein, on en profite. Hein. Vous y allez sur SMS, sur le net. Enfin, vous allez sur SMS et sur le net. Vous nous laissez vos numéros, vous nous laissez vos messages. Et si on peut vous aider ce soir, si on peut faire les cons ensemble, pas de problème. On est là jusqu'à minuit. Oui, je disais qu'on allait lire des messages de soutien, et puis on va aussi découvrir allez, il y a des auditeurs qui sont enfermés dans le studio Planète. Enfin, enfermés. Ouais, enfermés, c'est bon. C'est pas une cellule, hein. Non. C'est pas quand même. Mais qui sont dans le studio Planète. Les portes sont ouvertes, ils peuvent quand même se déplacer. Et qui aimeraient qu'on leur fasse un petit coucou. Alors, allez, Romano, je vais t'envoyer en éclaireur quand tu as envie de chanter quelque chose avec eux. Si vous aimez chanter, c'est bon, je vais pas faire un tour de chant tous les soirs, quand même. Je sais que t'as adoré hier. En plus, ça met Cédric très mal, donc. Allez, va chanter. Et vous pourrez d'ailleurs. Chanter, vas-y, barre ta gueule. Chanter chez vous aussi, hein, si vous voulez. C'est pour. On décompresse tous les soirs, hein, tout ouais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as été grave, toi. Nous chanterons une chanson, je sais pas, peut-être Romano, il faut voter Romano si tu veux les faire chanter. Ouais, ou alors les conseils pas chers. C'est comme tu veux. Parce que les conseils pas chers, hier soir, il y avait de la demande. Ah oui, on verra. Tu demanderas, tiens. Ou alors je ferai les deux, je fais un tour de chant. Est-ce qu'on peut m'installer mon podium et mon micro de. Tiens, bah vas-y, on va donc, tiens, file. Ah, tout de suite. Vas-y, voilà, vas-y. Je viens te rejoindre. Et puis l'équipe va aller voir les auditeurs de Sky qui sont dans les studios, enfin dans les locaux de Sky là ce soir. Regarde, ma tante a serré la main de Barack Obama à Las Vegas. Je peux essayer de voir ce que je peux faire. Vas-y, appelle Barack. Ah, mais on n'a plus le micro comme hier là, le micro de télévision. Non, on a repris des micros à nous, les micros normaux, les micros qui ressemblent à un sexe. 1, 2, 1, 2. Attends, parle. 1, 2, 1, 2. C'est bien, t'as une très belle vilaine. Oh yeah. Voilà, c'est bien, Romano. C'est pas pour Johnny Hallyday. C'est pas pour le mieux. Il faut vite que cette affaire. Attention. Alors, oui, on te suit. Ah ouais, mais j'entends rien. Mais on va te donner un casque. Donnez un casque à Romano. Tout est prévu là-bas. Alors, on a tout prévu là. Voilà, je peux vous dire qu'il y a du monde à ce moment-là. Lâchez du câble. Il y a eu du monde. Lâchez du câble. Je tire. Il est coincé. Lâche du câble, Romano. Allez. Ah, on dirait genre. Voilà. Bon. Donc là, c'est le studio Planète Rap qui se trouve au bout du couloir. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, arrête de hurler. Ne hurle pas. C'est bon. Ah, c'est bon. Hop, j'y vais. Alors, attention. Jack. Ah. Hop, j'arrive. Jambes. Bonsoir, les auditeurs. N'écrasez pas Romano, hein. On va chanter les conseils pas chers. Bon, c'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Ouais. Oh, Difool. Oui. Difool arrive. Salopard, on va. Alors attends, je vais chercher du fou les Barry. Ah, Barry est là. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est les auditeurs de Sky qui sont venus nous voir. Et la Marie. Bon. Je sais pas s'ils m'entendent parce qu'on est juste à côté. Merci
à vous hein, d'être venu. Hein. Merci de soutenir Sky, ça fait plaisir. Merci à vous tous. Et on est Skyrock en force, mais oui. Bon, ils sont venus à Sky aujourd'hui. Salut. Pour soutenir Skyrock, Momo, il va m'écraser avec sa caméra. On va à tout de suite et puis bah, merci à vous. Hein. Ciao. On t'attend là, Marie. Allez, je retourne dans le couloir. Eh bien, dit fou, est en train de se déplacer. Marchez pas sur mon câble, je t'entends pas, Romano. Hein. Oui, non, mais t'inquiète, je vous fais des commentaires, moi. Hop là. Alors, Cédric, est-ce que t'as kiffé la musique des conseils pas chers, Cédric hein? Ouais, bah ouais, ça va. Et hop là, je suis de retour. Et voilà. Ah bah c'était. On dirait pas, mais c'est grand cette radio. Ouais, hein. C'était la folie. C'est grand Skyrock. J'ai encore fait un live. Super, merci à tous. T'es content? Cédric, il y a eu un problème. Ouais, pas de problème. Ça rendait bien en tout cas. Hein. Vraiment, vous avez bien chanté non, les conseils pas chers. Mais qu'est-ce que t'as de marrer comme un con? Il est content. On va nous enculer, on nous dit sur SMS. Non, bah, attends, c'est pas moi. C'est pas toi. Pendant qu'on courait dans les. Ah, Marie, elle a pas compris. Non, on avait pas de casque. Cédric et tout le monde a fait ouf. Allez voir Cédric aussi. Cédric, il avait pas mais non, mais c'était pour rigoler. Tout le monde t'a appelé. Ah, bah, je fais du bout de temps, voilà. Ah, bah, j'irai pas. Mais vas-y, Cédric. Ah, mais Marie, j'étais avant toi, ça va. Oui, mais bon, t'étais avant toi. Bon allez on y va pour la suite là. 41 Sky, Skyrock.fm, on attend vos messages sur SMS, on attend vos coups de fil. On aura Yanis dans un instant avec nous et puis votre problème du mois. Ouais aussi ouais. Et la présentation du problème du mois. Et puis encore merci pour vos messages. Tous les Turcs sont avec nous. Merci les Turcs, ça fait du monde alors. Hein. Jégouin du 51, salut Jégouin. Vive Skyrock. Bah écoutez, c'est super. Hein. Merci pour les messages que vous nous laissez. Bon, qu'est-ce qu'on fait péter là? On avait promis quoi? On avait promis un petit Lafouine. Allez, Lafouine, lequel? On se met papa ou celui que vous voulez, mais bon. Moi, j'étais parti pour papa. Allons-y ouais. Pour papa. Lafouine, papa, c'est le son qui arrive tout de suite sur Sky, juste après votre problème du mois. Et vous tous en direct, hein, vous avez besoin de nous. N'hésitez pas, Radio Libre sur Sky. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Connecte-toi sur le Skyblog de Difool, difool.skyblog.com. Sur le Facebook officiel, défendons la liberté de Skyrock. Écris dès maintenant au président de la République à elysee.fr/écrire. Au premier ministre, gouvernement.fr/premier-ministre/écrire. Faut le dire à tout le monde et il faut que tout le monde le sache. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. Tous les soirs, dès 21h, Difool sur Skyrock. Radio Libre. Et c'est en direct. Ah, merci pour les slogans pour la défense de Sky. Là. On va quand même retrouver le problème du mois, même si la journée est un petit peu spéciale. Les temps sont durs. On va se détendre avec un problème du mois. Et on va pas louper notre problème du mois du jeudi soir. Tiens, des slogans que vous nous laissez aussi pour la défense de Sky. Chico 59, écoute bien Romano, qui est le spécialiste des slogans. Ouais. On vend pas de coke, on fait pas de troc. Tout ce qu'on aime, c'est Skyrock. Ah, c'est pas mal ça. Comment vous trouvez? Ah, pas mal, pas mal. T'en avais un qui était super, toi aussi, c'est lequel déjà Romano? Skyrock, c'est ma stock. Super. Les slogans pour la défense de Sky. Pas mal. Ouais, ouais. Et il y a du monde. On me dit qu'on est 426 898 sur Facebook. Ah ouais? C'est le message de Difool 95140. C'est bien vous surveiller. Hein. Donc allez faire un tour sur la page Facebook. 430 000. Ouais, 430 891 à l'instant. Là. Ah bah voilà, ça vient de grimper un peu. Ah ouais. Depuis 904. Vous... 904, très bien. 907. 907. Et puis faites tourner. Hein. Allez-y. 913. Et combien? Tu sais qu'on 913 maintenant. Bien. Bon, alors, on vous attend et puis on a Yanis. 934. Merci, on va pas faire le compte toutes les vidéos, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Merci, j'attends ça monte. Bon, Yanis de Marseille. 946. Merci, Roman. Yanis de Marseille qu'on va retrouver dans un instant avec nous et puis bon, on va dire bonjour à Yanis mais on va faire la présentation du problème du mois là. Salut Yanis. Je suis toute l'équipe bien ou quoi? Et toi, ça va Yanis, tranquille? Ça va? La pêche, hein. Ben, salut. Écoute, est-ce que vous arrivez, la famille? Eh ben, non, mais vous êtes là, donc je vous dis, quand on est là avec vous le soir, c'est que vous n'êtes pas si mal. Toujours à fond derrière vous, on vous soutient jusqu'à la mort. Ah, j'entends que ça soutient à Marseille. Ah, oui, toujours le soutien. Eh oui, allez l'OM. Ah, on connaît ça, dans le sud, à l'OM, on est un peu tout le temps, tu vois, seul contre tous, donc le soutien, c'est ce que c'est, tu vois. Voilà, le soutien, on a l'habitude de ça. T'inquiète, gros. Bon. Alors, Yanis, on va te retrouver dans un instant, toi, tu restes avec nous, on va parler
d'argent avec toi. Hein. Ah, ouais, passionnant. Non, mais en plus d'un problème qui est arrivé à plein de monde, plein ouais, ça de gens. Ah oui, ça a vécu ce problème. Vous allez donc pouvoir aider Yanis, mais d'abord on va faire. Ça m'est arrivé ce problème. Oui. Je crois que ça t'est arrivé. Oui. Ah ouais. Oui. Ça arrive. Ça arrive. Un truc avec de l'argent. Oui, avec de l'argent. Ouais. À Cédric, à de nombreuses reprises. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, à Samy, à Marie, ça a dû t'arriver aussi. Alors ouais, avec de l'argent. Bah tiens, on va jouer. T'es fait pigeonner. T'es fait pigeonner, non. Tiens, si vous avez une idée, Cédric, vous nous dites, tu dis que ça arrivait plein de fois. Non, Cédric, c'est pas le roi des pigeons, quoi. Non, mais on t'en a volé. Non, pas ça. Rien à voir. Non, alors. Ça voulait un indice. Ah bah vas-y, donne-moi un indice. Bah, j'ai pas de l'argent là. Ah, t'as une dette. Ah, des dettes, on peut dire. Alors, ça. Mais des dettes envers qui? Envers qui? Ah, d'après vous, envers qui est-ce? Envers un pote? Non. Non. Les parents? Non. Non, pas les parents. Non. Un cousin? Non, c'est pas la famille, rien. Ah, c'est je sais pas, un crédit? Non, pas de crédit. Non. Oh, vous êtes nul. Heureusement que. Ah, attendez, moi, faut que je remette l'écran en place parce que là, hop. Avec un dealer? Avec un dealer. Non, j'ai dit que c'est. Il y en a, d'ailleurs, Romano a copié le message de Gara du 33, hein. Bah ouais, parce que je copie tout, moi. D'ailleurs, laisse bien défiler que j'en copie d'autres. Attends, voir. Il y en a plein qui ont trouvé, hein. Je vois Boss CNRS qui a trouvé. Il est où ce message? Bon, je le lis avant que Romano le lise. Des amendes. Eh oui. Ah, des SNCF. Moi, j'en ai jamais eu. Ah si, j'en ai eu une. Ah, tu vois. J'ai dit plein d'amendes. C'est pas qu'une ou deux. Ouais, j'ai dit que c'était arrivé à plein de monde, ça. Ah, bah ouais, c'est déjà arrivé grave. Ouais. Bah, Cédric, évidemment, hein. Eh oui, il faut pas frauder. Parce que c'est, c'est ça le truc. Eh oui, sinon c'est pas bon. Sinon après, tu les passes encore pire après. Bon, ouais, mais c'est comme la drogue, on a trop. Oui, Romano, t'as déjà eu des amendes? Ouais. Non, et alors, toi qui es si radin, comment t'as réagi? Bah, ça fait chier, quoi, mais j'ai vécu très mal. Ouais, non, mais alors, il y en a que j'ai réussi à esquiver, tu vois. Mmh. Par exemple, un jour, je m'étais fait arrêter, j'étais au téléphone, comme ça, tranquille, au volant. Mmh. Et là, t'as un motard de la gendarmerie nationale qui se fout à côté de moi, dis donc. Mmh. Et le mec, il me fait, il tape à ma vitre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et il fait, ouais, arrêtez-vous, monsieur. Bon, le mec me fait arrêter sur une voie de bus, normal. Hein. Tranquille. Je bloquais la voie de bus, ça faisait chier tout le monde, mais il m'a collé une amende. Et juste après, en fait, genre deux mois après, j'ai changé de voiture. Et l'amende, elle est passé à la trappe, j'ai jamais eu les deux points en moins ni les 22 euros. Mmh. Ah ouais? Ah jamais. Ouais. Chatte, hein. Ah ouais, ouais, puis maintenant, le nombre d'années. Ouais, bah là j'ai eu un coup de bol, ouais, mais toi c'est des amendes de quoi, toi? Non, moi je suis pas bien avancé là. C'est quoi, t'as fraudé le train, on m'a dit, c'est ça? Ouais, le train. Ouais. Le train, je crois. Tu sais, quand t'as des amendes, le train c'est 3 jours, je crois, ou une semaine pour les payer, après c'est. Non, c'est pas ça. T'as des trains qui disent n'importe quoi, c'est. Ce qui m'a dit le contrôleur, tu as vu, rien qu'aujourd'hui j'en ai pris en plus, là c'est. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ça t'est pas calmé, toi. Quand même. Ah non, j'arrive pas. Bah oui, mais il faut. Bah, c'est quoi, parce qu'en fait, t'as pas de sous et tu peux pas payer, ou alors ça te fait chier de payer? Pas dès que ça me fait chier de payer, ouais, mais. Ouais, bah ça, moi je peux comprendre. Moi, le bus, je gruge toujours. Ah ouais. Alors ça, voilà, bah oui, à force de gruger, t'as des amendes, et voilà. Ah bah moi je me suis jamais fait choper, mais je le dis d'ailleurs. Petit. Vous êtes... Ah oui, c'est pratique, toi, tu peux te cacher sous un siège. Non mais parce que, regarde, non mais c'est vrai que c'est relou. Par exemple, quand tu prends le bus et que tu prends, moi je le prends souvent, deux c'est stations, pour, ouais, deux stations. Tu vois, ça, c'est combien ouais, ça, c'est... de bus? À 90, je crois. Non, à 70. Voilà, tu sais, ça fait chier de payer 1,70€ pour deux stations, quoi. Après, quand je prends le métro, il y a 20 stations, bon là je gruge pas, quoi. Mais quand c'est pour des trajets courts, j'estime que je suis pas à payer, j'ai pas à payer. Ah, si tu prends ouais, ouais. Ah, mais quand tu te fais avoir, t'es comme un con. Et voilà, et t'es fou, il l'a dit, Cédric. Bon, et maintenant t'es dans la merde. Bon, t'as combien d'amendes à payer? C'est quoi, je compte même plus. C'est vrai que Cédric, il donne des conseils, t'as raison, Romano, mais bon. Non, mais ouais, puis, moi, dis, t'es fou, ça va, tu sais, j'ai pas, y a pas mort d'homme non plus, hein. Je suis monté dans un bus, j'ai juste pas validé de ticket, tu sais, ça y est. Ah, on me signale que la police qui soutient Skyrock nous écoute et arrive avec des menottes. Vive Skyrock, Romano avec les menottes. Vous avez aucune preuve, hein. En même temps, si tu l'as dit, t'as avoué. Il a avoué. Non, mais moi, je leur donne la preuve, moi. J'ai la bande. Je leur donnerai, moi. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse pour toi, Yanis? Eh non, mais c'est pas ça, je vous ai pas pu expliquer en fait. Ah d'accord, vas-y, alors fini. Parce que t'as eu quand même donné des amendes. Oui. Bah, je vais représenter ma pièce d'identité, t'as vu? Oui, bah oui, il demande, oui. Ouais, mais sur ma pièce d'identité, c'est une adresse, je l'ai plus depuis 5 ans. Une fausse adresse? Ça fait que j'ai jamais rien reçu. Eh ben, il faut croiser les doigts et puis espérer qu'ils te retrouvent pas un jour, mais ils vont te retrouver. Est-ce que tu crois ça? Je crois aussi, mais. Ouais, parce qu'il y a ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Hein? C'est ton vrai nom et ton vrai prénom, donc ils peuvent te retrouver. Voilà, non, mais attends, là, je me suis fait apprêter tout à l'heure aussi, pareil. T'en as pris une de combien tout à l'heure? Elle avait pas ma carte d'identité, 97, je crois.
Ah, quand même. Ah, putain, ouais. C'est cher. Ah ouais, pour mais... un voyage à 30 euros en plus, quand même. Bah, c'est bien court, ah, tu ouais, vois, ouais. T'aurais payé 30 euros, t'aurais fait une économie de 67 euros. Ouais, bah, les amendes, elles sont plus chères que le titre du transport. Eh oui, c'est pour ça que c'est dissuasif. Autrement, c'est un peu dissuasif. Ouais, c'est un peu le principe. Bah, ouais. Bon, bah, écoute, Yanis, tu sais, depuis, pour combien t'en as eu en tout d'amende? Ouais, je sais pas, franchement, ça dépasse les 5000, je crois. Ça dépasse les 5000, ouais. Faut espérer qu'ils te retrouvent pas, hein, je sais pas. Non, mais ils vont te retrouver, hein. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, là. 41 Sky, skyrock.fm, et puis 01 53 40 30 20. Parce qu'en plus, le truc qu'il y a, c'est que toi, t'as eu les amendes au tarif normal. Depuis, tu les as pas payées. Il y a majoration, frais de dossier. C'est qu'en fait, les mecs, un jour ou l'autre, tu vas recevoir une lettre, genre une lettre d'un huissier, ouais, vous devez, 10 000. Tant de... Ah bah si, mais non, mais ça va arriver, gros. À un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Plus les majorations et tout ça, on nous dit, là, sur SMS. Ah bah bien sûr. Si là-bas, c'est là pour 5 000, ça peut passer à 10 ou 15 000. Hein. Ah ouais, parce que les majorations, c'est genre... C'est double, triple. 90 euros, tu peux basculer sur 350 euros. Bon bah dites-nous si vous arrivez la même chose. Si vous avez... Bon, c'est peut-être pas accumulé, mais bon, si vous avez pris des amendes et puis... Moi, ça m'est déjà arrivé. Et si vous savez, pour Yanis, là, qui a donné une fausse adresse, 41 Sky, skyrock.fm, et puis on nous dit, il a qu'à se pendre. Mais non, il va pas se pendre, il va pas te pendre, Yanis. Ah bah oui, non, on va se pendre. Hein. Bon, allez-y, et puis on attend vos conseils et vos messages. Bah pour toi, Yanis, tu guides pas, tu restes avec nous. En fait, je voulais dire aussi. Vas-y, vas-y. Là, je me suis attrapé aujourd'hui. Oui, tu l'as dit, oui. Oui, j'ai pas... deux fois. Ah, c'est le deuxième coup, alors. Et là, par contre, c'est mon vraie adresse. Ah ouais, donc là tu vas te faire choper. Ouais. Ah ouais, t'as dit. Non, mais de toute façon, même s'ils ont que le nom et tout ça, ils te retrouvent. Tu crois pas que les mecs, ils vont s'asseoir sur 5000 euros d'amende, quoi. Bon, vous pensez que. À limite, oui, tu rêves. Une, ça aurait pu passer, tu vois, les mecs, ils peuvent lâcher l'affaire, mais 5000 euros, jamais de la vie. Bon, vous pensez qu'ils vont le retrouver ou pas? Eh ben, on attend votre avis, là, sur SMS. Vous voulez qu'on fasse un petit sondage express? Allez, si tu veux. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait de sondage express. Allez, un sondage express. Il n'y a pas eu de sondage express. Donc, oui, alors, c'est quoi la question? Est-ce que vous pensez qu'ils vont le retrouver ou pas? Oui ou non. Voilà, moi, tout simplement. Oui. Bon, et bon, on vous attend. On attend vos messages sur SMS, vos messages sur le net. Momo compte tout ça, vous nous dites, allez, en 5 minutes, là. Et puis, on vient avec toi, Yanis, et on te dit tout ça, d'accord? C'est bon, pas de soucis. Hein. Et pas de soucis. À tout de suite, Yanis. À de suite. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, le problème du mois. Mais bien sûr, on va attaquer le sommaire, là. Le sommaire du problème du mois sur Skyrock. Alors, attention. Romano vous présente le problème du mois. Explique pour tout le monde comment ça marche le problème du mois. Alors j'ai un peu tous fait... les jeudis hein, le problème du mois. J'ai un peu fait une revue de presse et du net. Oui c'est ça, c'est Skyrock Actualité. En fait c'est des gens, ils écrivent à des magazines, à des sites internet, ils ont des problèmes dans la tête et dans le sexe. Mmh. Dans les magazines il y a quelqu'un qui répond. Bon alors souvent c'est des gens qui n'ont aucune compétence hein, particulière et ils répondent au courrier des gens. Et nous on a décidé de mettre en place la Sky Solidarité pour aider le cas que vous considérez le plus grave. Voilà, ça c'est bien. Et il faudra voter, donc je vous présente les 5 et après on lance les votes. Et on s'occupera de celui ou de celle que vous avez le plus plébiscité, le plus choisi. On va dire celui qui a, ou celle d'ailleurs, qui a le plus besoin d'aide. Oui, c'est ça, bah, d'après vous. Hein. Alors. Agnore. Alors. Oui. Voilà. Alors c'est parti, le premier c'est Marc. Marc. Marc, 45 ans de la Somme. Oui. Alors lui en fait, il a un fantasme, quoi. C'est même pas un fantasme puisqu'il l'a réalisé. Ah. En fait, avant de faire l'amour, il se met les culottes de sa femme sale. Oh, comme il doit être mignon. Et sa femme c'est met. C'est bien parce qu'il salit pas les culottes propres. Il utilise les culottes qui sont dans le bac à linge. C'est un peu recyclable. Non mais il, par exemple, elle a passé. Il lui demande de passer par exemple 2-3 jours avec la même culotte. Hein, sa femme. 2-3 jours. Sa femme accepte quand même. C'est déjà. Immonde. Tu les changes tous les jours, toi, Marie. Heureusement, oui. Ah, ouais. Ouais, quoi, t'es déjà revenu, t'avais la même. Oh, non, c'est Cédric qui t'avait cramé. Non, parce que moi, non, je vous ai déjà expliqué. Non, parce que moi, mes ensembles, j'ai un soutien-gorge et j'ai deux trucs. Souvent, c'est tanga, string, machin, mais j'ai deux bains. Mais oui, parce que moi, mes soutiens, je les porte deux jours. Bah écoute, c'est pas une excuse, pensez ce que vous voulez, moi, je vous le dis. Ah bah, on pense bien ce vous voulez que je vous apporte un de mes ensembles pour vous montrer que j'ai deux. Oui, oui, vas-y. Alors, apprends-nous si t'as bien. Oui, mais ça, c'est sûr, je vais pas venir avec un truc. Évite d'arriver avec ton sac de linge sale. Excusez-moi, ça sent le feu dans le studio. Voilà, ça sent le feu. Ouais. Je pense que. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça sent le feu. Hein. Il y a une poubelle qui doit se ramener. Je vais sortir, mais. Dans le feu, ça brûle. Ah, c'est moi, merde. Ah, mais c'est qui est con celui-là? C'est bon, on a trouvé. Excusez-nous, on a cru qu'on nous avait. Mais sort la poubelle.
avez foutu le feu à Skyrock là. C'est vrai que ça pue. En ah bah voilà. Ça pue. Et tu vois que ça sert d'avoir un nez normal comme moi. Je suis en train de sentir tout à l'heure. Un nez anormal. Non, un nez normal comme moi qui sent bien. Ouais, tiens. Non, mais sur la poubelle, on met de l'eau dedans. Attends, mais qu'est-ce que tu fais, Cédric? Cédric, il a sorti les extincteurs. Voilà, je suis là, je fais le pompier. Non, mais là, ça va, tu vois. Juste la poubelle, bon. C'est tout. Non, mais ça, ça pue, c'est Cédric, il est près de toi là. Non, mais c'est vrai, on est en train de prendre feu là. Ça pue. Mais je chantais ça aussi, je pensais que tu sais que c'était une clope dans un standard qui cramait. Mais j'ai le feu au cul. Non, c'est non, la poubelle qui est en train de brûler là sur Sky. Bon, ben, je range mon extincteur. On s'est dit, ça, il manquait plus que ça, tiens. Alors, donc, on ne brûle pas. Par contre, là, on est dans le brouillard. Moi, je me rendais compte de rien. Tranquille, je vais vous Alors, bon, on reprend donc le problème du mois. Alors, donc c'est. Excusez-nous de cette alerte incendie sur Skyrock. Oui, alerte. D'ailleurs, les détecteurs d'incendie marchent bien. Ouais. Non, ça va se déclencher, je pense. Oui, ça va toujours en retard, tu vois. Ah, d'accord. D'ici 2 minutes, oui. Alors, oui. Alors, Marc, remets tes piles et c'est reparti. C'est Marc, 45 ans, donc de la Somme. Là, lui, il écrit à Jacques Wengberg. Donc, c'est que pour faire l'amour, en fait, il met les sous-vêtements de sa femme qui sont déjà sales. Comme il doit être déjà et sa femme met ses sous-vêtements à lui, quoi. Et lui, ça lui excite beaucoup. Il se demande s'il y a d'autres gens qui font ça. Parce que sa femme, au départ, elle était un peu réticente. Bon, elle a accepté, mais il sent bien qu'elle n'est pas totalement dans le délire. C'est marrant, mais il y a des gens qui écrivent des trucs bizarres. Et en fait, il précise que tous les soirs, même s'ils font pas l'amour, il ressent le besoin de mettre les sous-vêtements de sa femme. Mm-hmm. Donc, il se demande de quoi ça vient, quoi. Oh. La pulsion lui vient le soir, je sais pas, il rentre du boulot, ça le travaille et bim, il a besoin d'enfiler le string de sa femme ou la culotte ou. Et le soutien-gorge, bien sûr. Ah, c'est chaud, quand même. Très bien, il doit être mignon comme tout. Même les deux doivent être mignons comme tout. Oui, oui, oui. Ah, bah, surtout lui, d'ailleurs. Ah, bah, ça, puis ça doit sentir bon chez eux. Oui, tu m'étonnes. Alors, le deuxième, c'est Pupette. Pupette. Comme ton chien, bébé. Non, Pupette. Ouais, voilà, c'est un pseudo, hein. C'est mieux, lui. Alors, c'est un mec. Oui, c'est un mec. Oui, c'est Pupette. Ah, ouais, c'est un mec. C'est Pupette de 59 ans de Nîmes. D'accord. Pupette de Nîmes. 59 ans. Oui, il a écrit un sexy doctor. Alors, lui, en fait, il s'autosuce depuis plusieurs années, quoi. Régale-toi. Alors. Il a décidé de franchir un cap et de se finir, hein. Avec sa bouche, dans la bouche, voilà. Et il l'a fait une fois. Bon, ça s'est plutôt mal passé. Donc, ça s'est mal passé parce que bon, il a eu comme un reflux. Voilà, c'est ça. Oh, il avait du reflux. Il avait du bon reflux. Et donc, en fait, il aimerait savoir si il est normal de faire ça. S'il y a beaucoup de mecs qui arrivent, parce qu'il s'est renseigné sur Internet. Et c'est vrai que c'est un truc assez rare. C'est vrai, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu. A priori, je crois que c'est 1 sur 1000 qui arrive qui arrive à s'auto-sucer. Très bien. Chez les mecs. C'est peut-être un rêve pour certains. C'est un privilège. T'aimerais alors. Bien, Romano? Ouais, moi je. Elle est trop courte. Elle est toute petite. Et puis moi je suis pas super souple alors. Ah bah, les deux mélangés. Les deux liés, j'y arrive pas. Petite. Gifoul, il a même pas besoin de se baisser, il la prend, et voilà, comme une glace. Ouais, voilà. Normal, dans le canard. Je la ramène sur mon visage. Il peut se mâchouiller le gland. Derrière l'oreille, après derrière l'épaule. Pépère, quoi. Bon, ça c'est le problème du mois numéro 2. Problème du mois numéro 3. Alors, le problème numéro 3. 1, 2, 3, oui. Oui, c'est Audrey, 37 ans d'Annecy. Oui. Alors, elle, une lectrice assidue du Union, hein. Depuis de nombreuses années, elle le dit dès le début de sa lettre. Mmh. Elle écrit car elle a un petit problème, en fait, c'est son mec, il veut absolument qu'elle se déguise en fait pour faire l'amour. Genre en infirmière, en soubrette, tout ça, des petites tenues. Alors elle trouve ça totalement ridicule. Bon, le problème, c'est qu'il y a aussi des tenues ridicules proposées par son mec. Hein. Ouais, non mais c'est ça. Vous les connaîtrez, toutes les tenues, si vous choisissez le problème du mois numéro 3. Et puis c'est surtout qu'elle, elle trouve ça... ridicule. Bon, elle le fait pour lui faire plaisir, mais elle en a marre. Et puis lui, maintenant, il veut baiser que comme ça. Et s'il est pas habillé, s'il l'a pas déguisé, il veut plus baiser, quoi. Donc ça la fatigue. Donc si vous voulez en savoir plus sur le problème du mois numéro 3, ou alors si vous avez déjà eu ce genre de plan, ou fait ce genre de plan, votez numéro 3. Numéro 4. Tu t'es déjà déguisé, Marie? Non. Non, enfin, pour faire l'amour, quoi. Non. Jamais. Non, jamais, non. Ah ouais. Pourtant, t'as fait plein de trucs, ça t'as jamais fait. Ouais, non, se guiser, non, pour mettre une petite robe à la maison, machin. Je vais m'habiller en maîtresse, je suis venu avec un fouet. Mais c'est pas du tout mon trip. Moi, elle préfère me voir nu comme un ver. Ouais, moi, tu préfères aussi, être ouais. Nu comme un ver de terre. Ah non, mais tu vois, je sais pas, je vais pas m'habiller. Tu arrives, je sais que tu m'as un petit déguisement joli. Ouais, tu arrives déguisé en commandant baby, comment elle réagirait ta meuf, Romano? Je crois qu'elle me dit, ouais, vas-y, va te changer, arrête ça tout de suite. Non, mais tu tournes autour du lit avec ton képi. Et tu fais. Elle a complètement pété un plomb, elle appelle les urgences psychiatriques. Ça y est, elle est restée bloquée, mon mec. Il y a mon mec, il est resté, c'est le commandant Baby. Maintenant, je pense
pense que si elle appelle les urgences psychiatriques avec, en disant il y a le commandant BIV chez moi, elle peut se faire embarquer aussi. Oui, allez, les deux les deux commandants. On va vous emmener dans une chambre, vous serez bien. Et moi, je suis là, que. Bonjour, docteur. Ramenez-moi les menottes. Oui, piquez-le, mettez-lui un truc, mettez-lui un cachet, vite. Faites quelque chose. Bon, ça, c'est le problème du mois numéro 3. Problème du mois numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est Love Pop. Alors, elle a pas d'âge, elle a pas de ville. Love Pop. Elle a écrit au docteur Claire Saint-Loup. Ça, c'est dans le magazine Girls. Girls. Et elle, en fait, elle a un petit problème, c'est que, une fois qu'elle a joué après le rapport sexuel passé, elle peut plus du tout bouger, quoi. Elle est comme anesthésiée de tout le corps, quoi. D'accord. Elle est comme ça sur le lit, elle est posée. J'ai l'impression qu'elle est morte. Non, mais elle est bloquée, tu vois. Elle est comme une statue. Voilà. Donc, je sais pas, le mec finit en levrette, mais elle reste bloquée à quatre pattes. Pendant plusieurs minutes. Mais quand même, tu tombes. Et elle a la bouche, pareil, elle peut plus bouger. Bon, comme une poupée gonflable. Et bon, après, ça revient quand même, hein, vous inquiétez pas. Ah bah, ouais, heureusement, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a pu écrire. Oui, elle a pu écrire. Bah, et donc, elle se demande de quoi ça vient. Si ça arrive à d'autres personnes, ça lui fait un peu peur. Et à son mec aussi, forcément, oui, ça fait un peu. Oui. Même tu mets ça dans le sens inverse. Bon, je sais pas, tu fais l'amour avec ton mec, Marie. Il ne bouge plus après, tu t'inquiètes un peu. Ah merde, je l'ai écrasé. Non, mais nous, ça nous arrive, tu sais, quand tu fais trop. Mais t'es pas une statue. T'es mort. Ouais, non, mais de là, t'as pas. Parce qu'elle, elle peut plus bouger, quoi. C'est genre, elle a le bras, il est raide, quoi. Non, mais moi aussi, ouais, tu peux être KO. T'imagines le truc? Non, mais tu peux être KO, tu vois. Tu vois, ah ouais, t'éclates sur les lits, ouais, voilà. Mais bon, tu peux quand même te déplacer, tant bien que mal, j'espère. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, ouais. Des fois, tu vas déplacer cul en arrière, t'es. Non, faut pas pousser non plus. Hein. Et le dernier, bah, c'est le classique, c'est la boîte à caca. Hein. Le cinquième problème du mois. Vous pouvez voter, là, tiens. Ah ouais, c'est Héloïse, 25 ans de Lyon. Alors, elle, Héloïse, on avait fait le faire il y a quelques semaines. Héloïse, bon, c'est lors du rapport anal. Oui. Par derrière, par le petit chemin boueux. Oh. Autrement appelé la boîte à caca. Exactement, comme c'est mignon. Oui. La boîte à cookies. Mmh. Eh bien, elle, en fait, quand son mec il sortire, tu sais, ça attire, bon, ça attire la matière. D'accord, ok, c'est ventouse. On a compris. C'est l'aspirateur. Comment s'appelle cette personne qui a écrit? Elle s'appelle Héloïse. Héloïse, très bien. Donc, on a les cinq. Qu'on peut également appeler la ventouse à caca. La ventouse. Oui, et donc, ça lui pose des problèmes parce que, bon, elle trouve ça crade, forcément. Donc, elle aimerait bien avoir des solutions et pouvoir continuer à s'amuser avec son mec par ce chemin-là. Très bien. Donc, on a cinq problèmes du mois. Et il faut voter maintenant, les départager, car on pourra en traiter qu'un ce soir. Notre patient sera le problème du mois numéro 1. Marc, et qui met les sous-vêtements de sa femme quand il fait l'amour. Et que sa femme met les siens. Hein. Ah, c'est vrai, ils échangent tout. C'est ça l'amour. Ouais. On partage tout. Le problème du mois numéro 2 de Puppet, un homme. Hein. C'est Puppet. L'autosuceur. Ouais. Le problème du mois numéro 3, Audrey, qui veut que son mec. Que elle et son mec se déguisent. Ouais, quoi, c'est son mec, il la saoule. Il faut tout le temps qu'elle soit déguisée pour faire l'amour. Ah oui, c'est vrai, elle aime pas. Puis, des déguisements, attention, quoi. Et puis. Après il y a Lollipop. Alors elle est, après l'amour, elle est bloquée sur son lit. Non, Lollipop, c'est ça. Love Pop. Et puis la dernière, c'est Héloïse, la ventouse. Donc vous choisissez 1, 2, 3, 4 ou 5. Quel problème du merci, Romano, pour ce beau sommaire du problème du mois. Ah bah maintenant, c'est à vous de décider. Ah oui, hein. Magnifique. Et après je vous le dirai. Le point numéro 4, c'est quoi le 4? La nana qui se transforme en poupée de cire, là. Ah, qui bouge plus. Ah, moi, j'aime bien le mec qui s'autosuce. Ça a mis un rêve. Le 2. Non, mais s'il y a des techniques ou quoi. Je le ferai quand Marseille gagne. Ah, et voilà. Ça m'intéresse pas, même si je suis souple. Ah, et voilà. Non. Et toi, Cédric? Moi, le 3, les déguisements, moi. Bon, là, c'était pas assez souple, je peux te sucer. Non, c'est Cédric. Pourquoi pas? C'est ça, la Sky Solidarité. Ah ouais. C'est cool, le belge. Bah, c'est gentil, en tout cas. Je sais pas, moi, le 4, il est pas mal. Non, les autres avec les sous-vêtements, je prendrais, moi. Allez. Ça, c'est numéro 1. Bon, bah, à vous de choisir. Vous nous dites quel problème du mois vous voulez. Ah, non, ça va pas commencer, Romano. Tu sais que les temps sont durs et je suis un petit peu à fleur de peau ces temps-ci. Ouais, bah, les éternuements. Tu sais ce que ça me fait. Ah, mais c'est le pollen et tout. Hein. J'ai un toc, je supporte pas les gens. Je sais pas, il y en a en plus à qui ça le fait, mais j'ai reçu des messages, là, l'autre jour on en parlait. Mais quelqu'un qui éternue, ça me. Comment dire, hein. Bah, moi, c'est les portes ouvertes, tu vois. Ah, excuse-moi, Romano, c'est parti. Ouais, je comprends bien. Toi, c'est les portes ouvertes. Hein. Ouais, ça me met mal. Mais on a tous des espèces de, enfin, je sais pas, peut-être. Est-ce qu'on a tous, est-ce que chacun d'entre nous avons quelque chose qui nous énerve? Un truc qui m'agace, c'est les gens qui toussent.
Non mais quand on est malade. Ah ça me met à bout de nerfs, je te jure encore. Non mais là ça va, tu vois, mais je répondrai plus de moi quoi. Non mais en général, ils font pas exprès. Ah ouais, mais moi je supporte pas, j'ai plus rien. Et ah mais ma meuf, je lui pourris la gueule hein, quand elle fait ça. T'as l'autre quand elle a 42 fièvres et qu'elle est malade, la pauvre Zizut. Bon, attends, je peux te dire qu'elle est pareille sur les éternuements. Pauvre Zizut. Non, Zizine déjà. Et des fois des éternuements, je peux en faire 20 30 à la suite. Là ça je sais, ouais, c'est ça. Bout de nerfs. C'est normal. Bah alors moi c'est pareil avec la toux. Bon. Pas attaquer le tous. Allez, votez pour. On a fait le tour de l'équipe. Ouais. Momo, il prend lequel? Oh, le 5. Le 5. Et toi, Manu, tu prends lequel, toi? Ouais, moi, je vais prendre le 5 ou ouais, l'autre avec les sous-vêtements sales. Sous-vêtements sales, ça l'intéresse. Bon. Ouais, ouais, bah, j'ai un big up à Cédric. Eh bien, votez. Ouais, problème là, du mois. C'est parti. Résultat du sondage express aussi qu'on a fait pour Yanis de Marseille, qui se prend des amendes les unes derrière les autres parce qu'il fraude tout le temps. Bon, bah, parfois, on se fait choper. Il les a accumulées. Bon, il avait une fausse carte d'identité. Enfin, pas une fausse carte d'identité. Il avait une ancienne adresse. Ouais, il avait pas fait le changement d'adresse. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le retrouver? Oui ou non? On a fait le sondage express. Sondage express. Et ben voilà, le résultat du sondage express qui arrive. Et puis du son aussi. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté Rihanna là. Un petit Rihanna sur Sky. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Connecte-toi sur le Skyblog de Difool. Difool.skyblog.com. Sur le Facebook officiel, défendons la liberté de Skyrock. Écris dès maintenant au président de la République à elysee.fr/écrire. Au Premier ministre, gouvernement.fr/premier-ministre/écrire. Faut le dire à tout le monde et il faut que tout le monde le sache. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. Soir dès 21h, Difoulé sur Skyrock, Radio Libre en direct sur Sky, 21h minuit. Et très content d'être avec vous ce soir aussi, hein, de voir que vous êtes mobilisé toute la France pour soutenir Sky, de voir que vous passez des belles soirées avec nous. Ben, je vous rassure, nous aussi, on passe des belles soirées. Hein. Toute l'équipe est là. Ouais. Tiens, je vois entrer. Oh, mais c'est Momo. Tu avais les yeux fermés, tu l'as vu comment c'était Momo. Ah, mais c'est Momo. Ah, vous avez voté, tiens, pour le sondage express, là, pour Yannis. Sondage express. Le fraudeur des amendes, on va s'occuper de Yanis là en direct avec nous. On va parler aussi, tiens, ce soir des petits tocs, des petits tics qui énervent, enfin des trucs qui vous énervent en fait. Ouais. Excusez, c'est un peu la fatigue, hein. Vous savez qu'on est un peu au taquet depuis 48 heures là, depuis qu'on a appris que Sky avait des problèmes, et donc un petit peu au taquet, et donc par moment je m'exprime un petit peu moins bien que d'habitude, mais bon, hein. Oh, bon, vous avez l'habitude des bugs ici, hein. Non, là tu aurais dû dire, mais Difool, non, pas du tout, tu t'exprimes tellement bien. Bah, la preuve. Oui, voilà, exactement. À la preuve, à l'instant. Ça change un petit peu d'habitude, mais bon. Ah ouais. Mais non, et là, mais Difool. Mais bon, tu es parfait, Difool, tu parles très bien. Ah. Tu trouves, Romano, que je parle très bien malgré tout? Ah ouais, moi je te comprends trop bien, encore plus quand tu bugs, je comprends mieux. Ah bah voilà, tu vois, c'est. Ah ouais. Non, moi, certains qui pigent. Bon, qu'est-ce on que je disais pas, alors, les petits trucs qui vous énervent, les petits détails qui peuvent vous mettre à bout de nerfs. On va en parler là avec vous tous et vous toutes. Donc vous nous laissez vos messages, vos SMS, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Vous avez voté également pour le problème du mois, ça y est, on a les votes pour le problème du mois. On saura dans un instant celui que vous avez choisi et tu nous le liras. Ouais. Ça risque d'être chaud ce soir, hein. Ouais, bah écoute, non, mais je vais y arriver. Attends, je vais pas me laisser abattre. Hein. On nous demande vous dormez quand? Bah on dort un peu moins ces temps-ci, mais on dort mal. Écoutez, ça va, on tient le choc. Oui. Pour réanimer Romano s'il tombe, j'ai prévu un petit billet que j'ai là en permanence sur moi. Voilà. Je le mets sous le nez. Quand Romano est très fatigué. Je lui fais comme ça sous le nez et là ses yeux à lunettes s'ouvrent et là je revis et ton cerveau chauve refonctionne. Non mais ça va à peu près. T'es là, qu'est-ce que tu vas faire? Je tombe par terre, je te réanime moi. Non mais laisse-moi tranquille. Il te fait du bouche à bouche. Non certainement pas. Il va me l'aspirer, il va me l'enlever, il va me faire sauter mes dents en plastique. Il va tout aspirer. Bon, alors la lecture du problème du mois, vous allez l'avoir dans un instant et après donc on réagira par rapport à celui ou celle qu'on a choisi. Celui ou celle que vous avez choisi. C'est vous qui choisissez d'ailleurs. Bon, vous êtes en train de calculer. Ouais. Bon, juste pour ceux qui ont déjà fraudé là, Yacine, alors, on a demandé aux auditeurs de Sky. Yanis. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Ah, oui, bien sûr. Je vous l'ai dit, je parle très bien ce soir. Ah, vous comprenez rien. Hein. Ah, Yanis, oui. Yacine.
Non, mais il y a Yacine et il y a Yanis. Mais pour la fraude, c'est Yanis. Ouais. Ah, d'accord. Et Yacine, toi, tu arrives en direct sur Sky. 17 ans à Sarcelles, toi, c'est ça? C'est ça. Bon, on va te retrouver dans c'est un instant. Antenne, là. Ah, bah, ça y est, oui, c'est comme ça, Skyrock, à Radio Libre. Ah, franchement, ça fait trop plaisir de vous entendre, là, de vous appeler. C'est gentil, Yacine. Bah, franchement, je trouve que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait et tout. Bah, écoute, merci de soutenir Skyrock. Hein. Et puis, lâchez pas l'affaire, hein. Faut pas qu'on s'habitue, hein. Faut qu'on continue à mobiliser. C'est pas une situation normale. Et puis voilà, ce serait bien qu'on en sorte assez rapidement et que ça se passe bien. Mais en tout cas, merci du soutien, ça fait toujours chaud au cœur, Yacine. Ouais, on se réveille, on dort avec vous. Attends. Bah, nous aussi, vous avez remarqué. Parfois, nous aussi, on se réveille avec vous en direct d'ailleurs. Si c'était pas vous, franchement, ce serait nul. Hein. Non, et puis c'est tout ce qui se passe sur Sky avec vous tous, tous les soirs, tous les matins, toute la journée avec toute l'équipe. Ouais, bien sûr. Le son de Sky, enfin voilà, tous les artistes, tous les rappeurs. Avec la belle Marie aussi. Oh, c'est gentil. Et la belle Marie aussi. Ah bon, ouais, oui. Avec le booty full. Et le très beau. Il est bien sûr le très beau. Merci, mais ne dis pas ça. Ne dis pas ça, ça me gêne. Le petit chauve, ça il est chauve, oui. Ça. Ah bah ça. Ah, Romano, t'es chauve. Ah bah oui. Et Cédric qui est le vilain. Non, c'est pas que ça abatte pour Romano. Hein. Ah mais t'inquiète pas, quand je vois sa gueule, ça. Ah bah hier je l'ai abattu au clash, quoi. Et d'ailleurs, prochain clash demain soir sur Sky. Hein. Demain soir je te dis. Demain mobilisation générale. Votez Romano. Tout ça avec Cédric. Hein. Oui. Bon alors, on va te retrouver dans un instant, Yacine de Sarcelles. Hein. Juste après, tu bouges pas, hein, reste avec nous. Ouais, je bouge pas, je reste là. Juste après, Yanis. Alors, on a Yacine de Sarcelles qu'on va retrouver, mais Yanis le fraudeur avec nous. Donc t'as fraudé plein de fois et aujourd'hui t'as encore fait choper que ta bonne adresse. Hein. Sinon toutes les autres fois, t'avais filé ton ancienne adresse. Bah déjà pour commencer, celle-là paye là quoi. Oui déjà celle-là paye là. Celle-là je vais y aller, faut que je le fasse, sinon c'est pas bon. Ça va, vous êtes plein à avoir dit ça, mais Romano t'as raison d'avoir volé les messages, c'est une très bonne idée, celle-là paye là. Ah ouais, ça traite déjà ça de moins quoi. Bah ouais. Et sinon on a fait un sondage express, est-ce que tu vas te faire retrouver ou pas? À mon avis ouais. Alors 90%, vous êtes 90% à avoir répondu oui, ils vont te choper et 10% avoir répondu non. C'est obligé. Ouais. Y a priori, en plus tu disais qu'il y en avait genre pour 5000 euros, jamais ils vont s'asseoir dessus. Hein. Ah je parle pas parce que moi non plus je ne m'asseyais pas dessus. Ah ouais. Ouais, et puis bon, il y a des mecs qui sont payés pour ça, pour rechercher ceux qui fraudent et qui payent pas, donc c'est reculer pour mieux sauter. Et je risque rien sinon. Bah tu risques rien si vous payez quoi. Ah non mais tu les payer quoi. Mais non c'est pas ça parce que ça fait longtemps. Bon là c'est très longtemps. Non mais tu vas être endetté. Non mais ça va t'es pas. Ou tu vas payer ou alors ils vont te mettre une dette mais bon voilà. Non mais au pire tu pourras étaler le paiement et tout ça mais bon t'inquiète pas hein, tu vas pas aller en prison, t'as tué personne, Oui c'est vrai, t'es mal à personne, t'es pas un criminel, t'es un fraudeur. Non mais ouais, le fraudeur, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, faut payer. Après, ils peuvent étaler la dette, genre sur un an, sur deux ans, tu sais, de faire des facilités de paiement, quoi. Ouais. Ouais, genre tu payes un peu par un peu. Ouais. Mais ça, tu couperas pas, hein. Non, mais monsieur, je suis obligé de payer, de toute façon, je le savais. On est déjà appelé celle d'aujourd'hui, tu vois, ça évitera que. Bah, déjà là, ils ont ta bonne adresse, ouais. Donc celle-là, tu vas la recevoir, donc autant la payer. Ouais. Hein. Voilà, paye. Paye avant la majoration, si possible, ça sera de en faire des économies. Mais ça veut dire que je vais recevoir toutes les autres en même temps. Pas sûr. Tu vois, si tu payes là, tu vois, il l'arrange et puis c'est payé. Par contre, si tu payes pas, je pense que ça va se cumuler avec les autres. Ah bah oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, tu peux négocier. Il y en a 90% qui pensent que tu vas avoir à payer ça un jour. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais tu peux négocier déjà. Tu leur écris une lettre, tu leur expliques que tu veux payer, mais petit à petit, et, genre s'ils peuvent te retirer des majorations. Oui, voilà, tu fais là, ça. Tu vas gagner ça parce que c'est public, non, c'est pas eux qui s'occupent de ça. Si, c'est trésor public. De toute façon, tu vas avoir l'adresse quand tu vas recevoir ta prune à la maison là. Non mais limite, attends que ça arrive. Et quand ça arrive, là, tu leur écris une lettre où tu vas les voir, tu dis ouais, moi je suis d'accord pour payer. Voilà. Bah, je sais qu'à Paris, en tout cas, il y a un centre, c'est pour les amendes. Tu leur sors un truc, tu leur dis ouais, j'ai des difficultés financières, j'ai pas assez payé. Et puis après, ils vont te dire bon, bah, ok, on va vous étaler la dette, quoi. Ouais. Bah, c'est mieux que tu. Et ouais, c'est vrai que ce que disait Cédric, moi souvent, il y en a plein il y en a quelques-unes que j'avais pas payé, tu vois, ça me faisait chier. Non, mais s'il faut pas faire ça. Tu l'as reçu majoré. Ouais, je l'ai reçu majoré. Bah, ce que j'ai fait, en fait. Tu prends l'amende. Ouais, il y a des centres, enfin, je sais qu'à Paris, il y en a deux. Ah, même pas, moi, c'est que j'ai envoyé une lettre. J'ai fait un chèque, mais du montant de l'amende normale, quoi. Et les mecs, en fait, la majoration, ils me l'ont pas compté, quoi. Ah bah t'as de la chance, que normalement, ils comptent la majoration. Et voilà, petit conseil pas cher, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Si tu te déplaces, c'est mieux, tu vois. Tu vas dans un truc SNCF et tu négocies avec eux, tu vois. C'est plus que t'es étudiant ou je sais pas, que tu galères pour trouver du taf. Ouais, je vais voir. En général, ils sont compréhensifs, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ils te retirent la majoration. Moi, c'est ce qu'ils avaient fait, en tout cas. J'ai dit que j'étais au bahut et tout, je galérais, que j'avais pas de zèle pour monter sur Paris. Et ils m'ont retiré, mais il fallait que je paye cash, tu vois. Genre, j'ai payé les 11 euros d'amende, je sais plus combien c'est initial. J'ai payé cash, et puis voilà, quoi. Bon, bah écoute, bon courage, Yanis, et puis on espère que ça se passera bien, là, pour tes problèmes.
problème là. Arrête de frauder. Arrête de frauder. Toi aussi, tu nous soutiens, mais nous aussi on te soutient, Yanis. Ou alors arrête de prendre le bus, le métro, le train, tout. Fais marcher les jambes. Ah ouais. Ouais, on va vraiment faire fonctionner. Investis dans un vélo. Voilà, par exemple. Bon, ben merci Yanis, et puis un grand big up à tout Marseille. Ouais, dis-moi. Ouais, je peux chanter avec Roumanou, quoi. Ah, tu veux chanter les conseils pas chers. Ah, allez. Cool. Ouais, on peut chanter les amendes très chères. C'est les amendes, ouais, les amendes très chères. Allez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Plus motivé, là. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Eh ben voilà. Ah ouais, chante bien Marseille. Salut Yanis. Salut Yanis. Bonjour Marseille. Merci. Salut à allez l'OM. Eh oui gros. Et allez l'OM. On soutient. L'OM soutient Skyrock ou pas alors? Bah oui, à fond. Ah, l'OM soutient Skyrock. D'ailleurs, tout à l'heure, pour tous les fans de l'OM, je vous annonce peut-être une petite surprise. Ah, on va avoir Didier ouais Deschamps. Non, pas Didier Deschamps. On va avoir Papa Diouf. Laissez-le préparer ses matchs. Bah, Papa Diouf, il est plus. Non, Papa Diouf, il est plus. Mais... Oh, bah, on va avoir Nigo. Non, peut-être quelqu'un qui compte beaucoup pour les Marseillais. Quelqu'un qui compte Sky beaucoup pour les Marseillais. Zidane. Non, pas Zidane. Je sais pas, Zidane, j'ai pas son numéro. Ah, j'aimerais bien, mais j'ai pas son numéro. Non, quelqu'un qui compte beaucoup pour les Marseillais. Bon, c'est pas Drogba, on l'a eu la semaine dernière. Ah, Didier Drogba. Là. Beaucoup pour les Marseillais. Je vous en dis pas plus parce que si jamais c'est pas possible, ça sera demain. Mais... Donc, voilà. D'accord. C'est en négociation, ouais, on va dire. Ouais, je négocie. Ça négocie. Voilà. Bon, ben, on a un Marseillais qui négocie, ouais, là. Ouais. Samy s'occupe de tout. Négocie tranquille. Bon, putain, depuis que tu m'as dit que ça t'énervait de tousser, Romano, j'arrête pas, t'as vu? Ouais, bah. Non, c'est parce que tout à l'heure, il y a des studios a pris feu, donc. Oui, bon, voilà. On a foutu le feu, ouais. Ouais, c'est le feu ici, quoi. Ah, bah, c'est le feu à Skyrock. Non, j'ai jeté un mégot, il était mal éteint. Et... Non, mais vous savez que c'est pas bon de respirer de la fumée. Ça, on en est la preuve, vous avez vu. Ah, bah, oui. Oh là. En même temps, avec la cheminée que t'as à la place du nez, forcément, t'as aspiré toute la fumée. Tiens. Et heureusement que j'ai senti, hein. Ah ouais, bah moi tranquille, je faisais mon petit sommaire du problème du mois, derrière ça fumait. Ça fumait dans la poubelle. Eh oui. On nous apporte des vivres. Merci. Oh, on nous amène à manger. Merci, oh là là. Il y a des chips, c'est tout. Alors on est équipé là. Putain, mais c'est le luxe, t'as vu Romano, tout ce qu'il y a de gratuit pas cher. C'est la classe. Merci Emma et Cathy. Merci. Bon, les gâteaux, merci. Franchement. Merci, on nous amène à manger. Et il y a des serviettes en plus, je me suis bien fait en plus. Ça non seulement nous fait à bouffer, nous amène à bouffer. C'est fait avec amour. Si vous êtes en train de manger chez vous, bon appétit. Eh oui, bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Il faut venir plus souvent, les filles. Bah oui. Cédric adore, il y a des chips et tout. C'est... Ah ouais, putain. Oh là, tu sais, il va faire du bruit comme un porc. Ah, puis c'est moi. Tu sais quoi, c'est comme par hasard, ils ont mis une assiette spécialement pour moi, tu vois, avec plein de gâteaux. Ils ont vu ton nom. Ah, Marie, tu goûtes pas, c'est pour moi, c'est mon assiette. T'es mal, la grosse vache, elle prend le plus gros. Oh, ah bah c'est la classe. Vache, Cédric, c'est toujours, vous avez remarqué, toujours la classe. Vous entendez, Cédric, parle mal des femmes et parle mal aux femmes. Demain, votez Romano. Parce que moi, je vous aime, les filles. Marie, elle jette sur l'assiette, elle prend le plus gros gâteau. Ah ouais, le plus gros gâteau. Oh là, bah, ta gueule. On va t'en donner, Romano, t'inquiète pas. Tu veux du gâteau, d'accord, on va te donner du gâteau. Non, je veux pas être chiant, on pourra avoir à boire. Non, mais vous êtes... Ah ouais. Là, si j'ai très très soif. Bah, il va t'acheter à boire. Bah, j'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Moi, je suis en mobilisation, je viens sans sous. Bah, c'est normal, tiens. Tiens, j'ai. Ah, mais en tout cas, tout à l'heure, il y a des auditeurs qui sont passés là et qui nous ont présenté leur boisson en exclu. Combustion, ça s'appelle. Oui. C'est une boisson énergétique. C'était bien bon. J'aurais dû en gratter plus d'une canette. Non, bah, tiens. Petite dédicace à faire de Clément là qui était venu nous voir, que vous avez entendu en début d'émission là qui est passé tout à l'heure. Il nous dit courage à vous, tu peux passer une dédicace à ma sœur Charlène, à ma mère, à Charles, mon meilleur pote, et il nous dit je suis là si jamais. Bah écoute, on est là nous c'est aussi. Cool, là, ça fait plaisir. Voilà, petite dédicace est passée, dédicace à la famille aussi. Ouais. Bon alors le problème du mois, vous avez choisi parmi les 5 problèmes du mois celui que vous préfériez. Vous avez eu le sommaire tout à l'heure. Moi je suis un peu déçu parce que celui que je préférais, il n'a pas été choisi. C'était le problème du mois de Marc et c'est qui mettait les sous-vêtements de sa femme. Ouais, bah je le remettrai. Il est arrivé combien celui-là? Il est arrivé dernier. Ah ouais, donc ouais, alors pour que je le remette. Toi, je trouvais super. Il va falloir me donner un chèque, dit Foul. Ah, j'ai pas d'argent. Il y a plus de sous. On voit les sous. Donc, c'est pas lui qu'on va faire. Vous avez voté à 16% pour le problème du mois numéro 3 avec Audrey et son mec qui lui a demandé de se déguiser. Ouais. Vous avez voté à 19% pour le problème du mois numéro 2, celui de Puppette, l'autosuceur. Ouais. Vous avez voté à 24% pour Héloïse, la femme ventouse du caca. Oui, c'est ça. Ça, c'était le numéro 5. 24. Et vous avez voté à 30% pour le problème du mois de Love Pop. Love Pop. Ça, Love Pop. Pop, oui. Pop. Pop.
Pop qui a écrit au docteur Claire Saint-Loup dans le magazine Girls. C'est bien. Donc 30% a voté pour Love Pop. Ah bah eh ben c'est le, lui, le problème, c'est elle qu'on va faire. On va attaquer. Hein. Voici donc le problème du mois de ce jeudi. Tu as donc nous lire tout ça. La lettre de Love Pop, à qui elle a écrit? Elle a écrit, je viens de le dire. À Claire Saint-Loup. Voilà, docteur Claire Saint-Loup du magazine Girls. Est-ce que je pourrais savoir à qui qu'elle a écrit? Au docteur Claire Saint-Loup. Au cocker Claire Saint-Loup. Au docteur. Très bien. Voilà, c'est ça. Bon, t'as installé le sport élec? Oui. Vas-y, branche-toi ton sport élec. Attends, je suis en train. Ah, vous êtes en train de jouer là sur SMS, j'avais pas vu, mais là, regarde. On nous dit, Samy va appeler Soprano, 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 Soprano. Non, il y a Soprano, on l'a déjà eu. Message du Killer 92. C'est quelqu'un qu'on n'a pas eu, et non, c'est pas forcément un chanteur. Soprano, on l'a déjà eu, Soprano. Bernard Tapie, nous dit Greg. Salut bonhomme. Salut bonhomme. Et non, Greg de Provins qui nous dit Bernard Tapie. Non. C'est pas ça. C'est Ribéry, c'est obligé, nous dit Mathias. C'est pas con, non, c'est pas Ribéry. C'est pas Ribéry, non. C'est quelqu'un de Valbuena. Non. Encore de Soprano, Soprano. Mamadou Niang. Peut-être, on va voir. C'est Nasri ou Ribéry pour Momo Nino. Bon, allez, on va s'arrêter là, vous l'avez dit, mais je vous dis pas qui c'est. Ah. Voilà, tu l'as dit. Les 10 derniers noms que t'as dit, là, tu l'as dit. Ah, il est dans ce qu'on a cité. Bon, on verra quel est le footballeur qu'on aura. Il vient soutenir Sky. Ouais, bien sûr. Ouais, même les footeux viennent soutenir Sky, c'est cool. Yes. Bon. Allez, t'es prêt Romano, t'es installé? Yes. Alors, j'explique pourquoi on branche un sport élec sur le ventre de Romano. C'est pour deux choses. Bon, pour lui faire perdre du ventre. Vous savez, sport élec, c'est l'espèce de truc qu'on voit dans les téléachats, là, qui donne des décharges pour maigrir. Ouais. Il y a des pastilles à se coller sur le corps et ça remue la viande. On a un sport élec très puissant. Et c'est le body full. Donc, ça fait perdre du poids. Et en plus, ça t'aide à lire parce que à chaque erreur de lecture, je suis puni. Un petit coup de sport élec. D'ailleurs, je vais effectuer la vérification du matériel pour voir si le sport élec. Déjà, j'ai des debout, tu sais que je serais pas loin de m'écrouler, quoi. Ah non, c'est trop fort. Il faut vraiment y aller doucement. C'est pas trop fort, Romano. Bah, si, bah, mets-le si tu veux. Et je vais te montrer ce que ça fait. Parce que le seul qui a des couilles de le mettre ici, c'est moi. Même Cédric, il veut pas, quoi. Est-ce que je fais le problème du mois? Est-ce que je lis mal? Ouais, s'il te plaît, à chaque fois qu'on. Vas-y, mets-le. Mets-le, je te mets une décharge. Vas-y. Non, mais après. Ouais. Non, d'accord. Tu veux le. Oh là là. Ah, par contre, moi, il faudra changer les électrodes. Elles passent pas sur son corps et après sur le mien. J'ai pas envie d'être épuisé. En plus d'avoir des plaques de boutons. Vas-y, ramène. La totale. Bon, tu ramènes le truc. Bah, attends, on va faire après, Cédric, on t'a dit. Bon, tu lis d'abord. Bah, reste à ta place, couché. Après, je le fais pas. Couché. Je voulais le faire maintenant. Pas dans ton panier. Allez. Non, tu te tais. Tu parles comme ça, ton chien? Bah, ouais. Mais, en même temps, il fait ce qu'il veut, quoi, donc. Couché, ça, il comprend, ça. Il comprend coucher. Couché, il se couche. Assis, il s'assoit. Donne la patte. Il est intelligent, ce chien Matmut. Donne la patte, il s'est donné. Quand je lui dis donne l'autre, il donne l'autre patte. Ah, ça va. Et ma meuf est en train de lui apprendre à parler. Ok. D'accord, tout va mieux. Non, mais elle n'arrive pas à parler. Non, mais tu sais qu'elle communique, tu sais, elle fait des bruits. Et le chien, il fait. Bien sûr. Bah écoute, je te le dis, venez chez moi, vous verrez. Hein. Non, ça va aller. Non, ça va aller. La maison des fous. Les murs, ils sont mous. Et ça, on a des pyjamas sans manches. Ah, voilà. Bon, allez, lecteur des problèmes du mois, c'est parti. Alors, c'est Love Pop, hein, donc, qui a écrit au docteur Claire Saint-Loup. C'est parti, Romano, tu nous lis ton problème du mois. Allez, let's go. Let's go, c'est. Bonjour, docteur Claire Saint-Loup. Tout d'abord, je tiens à te remercier de tous les conseils que tu prodigues chaque semaine dans ce magazine, car j'adore vraiment. J'ai été gentil, je t'ai pas mis de coup, mais le prochain, attention. Car j'adore vraiment tous tes conseils. Je t'explique. Alors voilà, ça fait un peu plus de 3 mois que je sors avec mon copain et nous avons eu notre premier rapport sexuel. Ah ! Il y a peu de temps. Non, notre premier rapport sexuel. Notre premier sexuel. Oh là là ! Ah ! Putain. Sexuel, ouais. Attends. Ah, ça y est, il a tout arraché. Non, même pas, non. Très bien. Alors, nous avons eu notre premier. Non, putain. Nous avons eu notre premier rapport sexuel il y a peu de temps. Depuis, je peux te dire qu'on n'arrête pas de faire l'amour. Oh là là ! Ah ! Cela s'est très bien passé, mais depuis, à chaque fois que nous le faisons, j'ai beaucoup de plaisir, mais lorsque je commence à avoir trop de plaisir, quand je commence à avoir trop de plaisir, mes doigts se crispent. Mes doigts se crispent. Voilà. Je sens comme des fourmis dans les mains. Ouais. Puis elles sont comme paralysées. Ça, c'était les premières fois. Depuis quelque temps, c'est tout mon corps qui. C'est tout mon corps qui subit le même phénomène. Je commence par avoir des fourmis, comme quand on a des fourmis dans les jambes, par exemple. Et moi, ça se propage dans tout le corps, dans les bras, dans les mains, dans les pieds, dans les jambes. Je suis
comme paralysé sur le lit, comme je pourrais te dire, une statue. Imagine. Mon copain, les premières fois, a été très choqué. Il croyait t'as peur, ça t'arrivait une fois, tu flippes. Bah ouais, il croyait qu'il m'arrivait quelque part. Il me regardait, mais moi, je ne pouvais pas bouger. Il m'arrivait quelque part. Il croyait qu'il m'arrivait quelque chose. En effet, tu t'es trompé. Mais moi, je ne pouvais rien faire comme mouvement. J'étais tout bloqué. Comme tu tout bloqué. De plus, ma bouche semble complètement anesthésiée. Elle est à demi ouverte et pendant quelques minutes, je ne peux pas prononcer le moindre mot à part quelques bruits. A-O. Elle lit les bruits. Elle dit les bruits A-O. Tu veux dire A-O. En même temps, moi aussi, t'as la bouche ouverte, toi, et que tu peux rien faire d'autre, c'est à peu près les seuls sons que tu peux sortir. Ouais, moi, par contre, je comprends pourquoi les mecs, ils ont flippé. Hein. Cela m'embête beaucoup. Je n'arrive plus à plier mes doigts, ni mes jambes, ni mes bras, ni faire quoi que ce soit avec. Bon, heureusement pour moi, après quelques minutes, tout redevient normal. Ah bah écoute, tant mieux, sinon elle aurait pas pu écrire. Heureusement d'ailleurs, je me demande d'où vient ce phénomène. J'ai beaucoup de plaisir, je jouis, mais j'en ai parlé à des copines, ça n'arrive à aucune d'entre elles. J'espère que vous aurez une explication à tout cela et que vous trouverez une solution, quelque chose qui pourrait m'aider à résoudre ce problème, car ça devient quand même très ennuyeux, surtout si nous faisons... Je regarde Cédric, je prononce le mot ton. Surtout si nous faisons l'amour en dehors de notre lit, par exemple en soirée ou quelque part comme ça. Ah bah ouais, si t'es en soirée, j'ai peur que ça m'arrive aussi. Faut pas qu'elle fasse l'amour en soirée, oui. J'ai peur de rester bloqué comme une statue. Tu imagines la honte si quelqu'un me voit dans cet état-là. J'ai besoin de votre aide et de témoignages. Aidez-moi. À la help. Voilà. Alors, elle est la pauvre. Oui, ça, c'est bien ennuyeux. Ah ouais, moi, décris bien ce qui lui arrive, c'est bien. Ouais, mais en tout cas, moi, j'aurais flippé, quoi. C'est vrai, ça veut flipper. C'est clair. Alors, bah ouais, t'as l'impression que la meuf, il lui arrive une galère. Je sais pas qu'elle fait. Moi, j'aurais pensé, tu vois, genre une crise d'épilepsie. Va voir Dr House, on lui dit. Oui, bah ouais, bien sûr. C'est pas mal. Premier conseil. Oui, déchaîné, hein. Oui, déchaîné. Déjà, les conseils qui arrivent, là. Non, mais alors, Doudou du 93, là, qui nous laisse un message. Non, moi, et des fois, elle a les larmes aux yeux tellement je lui donne du plaisir. Mais... Ah, pardon, non, pas sûr. Ses yeux pleuraient quand elle te regardait. Elle pleure de plaisir et de dégoût en même temps, mais alors. Bon, après, tu vois, elle peut rester sur le lit tellement je lui ai mis sa dose. Bien sûr. Ça arrive, ça. Et oui. Mais après, de là, de plus pouvoir bouger quand même. Oui, c'est chaud. Moi, perso, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, les témoignages. Qu'est-ce que tu veux comme témoignage? Les témoignages que l'on souhaite. Si vous êtes une fille et que ce genre de phénomène vous est déjà arrivé, oui. Vous êtes resté bloqué. Un peu de bloqué comme une statue. Alors peut-être pas tout le corps ou une partie du corps, ou alors tout le corps si ça vous est arrivé. Encore mieux, oui. Ou alors si vous êtes un mec et que vous avez eu une meuf, ou que votre meuf est comme ça, et que là je pense qu'il va y avoir de nombreux témoignages, étant donné que tous les auditeurs de Skyrock sont des bons coups à part Cédric. Eh bien, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez réagi, et surtout si vous avez trouvé une solution pour que ça s'arrête, quoi. Eh bien, une solution, ouais, pas genre lui donner moins de plaisir. Parce qu'il faut donner du plaisir à la femme. Plein de plaisir partout. Bon, vous avez eu votre problème du mois. Maintenant, on attend vos réponses. Aidons tous ensemble. C'est la Sky Solidarité. Vous nous aidez beaucoup ces temps-ci. Aidons Love Pop. On essaye de vous filer des coups de main, mais on aide même des gens qui écrivent à des sites internet. Eh oui, c'est Love Pop. Eh bien, c'est parti pour vos idées et puis vos témoignages pour le problème du mois de ce jeudi soir. Très bon problème du mois. Ouais, c'est bon, parti. On va également parler des trucs qui vous énervent, là. Si vous êtes un petit peu, parce que tout à l'heure, on en parlait, Romano, toi, c'est les gens qui toussent. Ouais. Les petits trucs à la con. Les portes ouvertes aussi, t'aimes pas, hein. Ah, je déteste. T'aimes pas les portes ouvertes. C'est vrai, ouais. Moi, c'est Romano qui éternue, ça me met à bout de nerfs. Je sais pas pourquoi. Marie, quand elle éternue, ça me gêne pas. Par contre, quand t'as éternué, Romano, et que tu as fait une série de 10, au bout d'un moment, tu en peux plus. Ouais, mais je sais bien. Mais même moi, ça me fait chier. Mais bon, quand c'est les allergiques, savent ce que c'est, quoi. Ouais. T'as des crises d'éternuement, t'arrives pas à t'arrêter. C'est bien quoi. Chiant. Bon, Marie, il y a des petits trucs de tous les jours qui t'énervent. Qu'est-ce qui peut te mettre quand à bout de nerfs? Quand je n'ai plus d'alcool. Ah, quand tu n'as plus d'alcool. Non, il y a pas non, non, folle. Truc. Sans alcool, je deviens folle. Si, remarque, ouais, si, quand je rentre chez moi avec mes chats, tout foutu par terre, quoi, tout ce qu'il y a sur la table. Et quand c'est toujours... Mais ça joue. Ouais, c'est chiant. Ouais, ça joue, mais tu retrouves tout par terre. Ah ouais, le standard, les petites statuettes, les machins, faut toujours tout remettre. Ouais, pourquoi ils enlèvent les petites statuettes? Mais parce qu'ils courent comme des cons, ils se courent après, et le plus petit, il saute partout, tu vois, donc tous les trucs qu'il y a sur les étagères virent, enfin bon. Ça te met à bout de nerf. Ah, ça me fout un bout de nerf. Alors moi, l'avantage, moi, c'est qu'avec mon chien, il peut pas sauter partout. Je l'ai encore jamais retrouvé accroché au
plafond. Les chats de Marie, si. Attention, les chats de Marie, ça saute dans tous les sens. Ah, le petit, là. Comme la maîtresse, ça saute. Mais, là, avant que je lui coupe les couilles, là, je vais lui couper. Je vais lui couper les couilles au ciseau. Mais non, faut pas Marie. Non, j'emmène chez. Non, mais là, je vais lui couper. Je l'emmène chez le boucher du coin. Il m'a dit qu'il avait une machette. Non, mais il paraît qu'il va se calmer. Il a un broyeur à viande. J'espère, parce que là, il me saoule. Bah, écoute, ça serait mieux, hein. Bah, oui, ça serait mieux, oui. Bon, on en parle. Vas-y, paye tes 150 euros pour la. Non, c'est 45. 45, ah ouais, parce que pour un chat, c'est plus cher, alors. Coupe les couilles pour 45 euros. Oui. Ouais. Et pour le même prix, coupe les couilles d'un copain aussi. Si vous voulez faire une blague à un ami, c'est rigolo. Oui, ça, c'est vachement sympa. Prenez-lui rendez-vous. Chez le veto. Ah, oui, pas mal. Bon, on fera un point sur tiens, la page Facebook de soutien à Skyrock. Défendons la liberté de Skyrock. C'est sur Facebook. On va voir combien vous êtes ce soir sur Facebook. Ah, je peux même dire maintenant. Faut qu'on explose les compteurs. Oh, bah, tu veux faire le point tout de suite, on va le faire. On va prendre Yacine de Sarcelles qui est venue nous dire bonjour tout à l'heure et qu'il fallait nous filer un petit coup de main, là. Vous allez voir. Tu sais combien on est, Romano, alors? Attends, j'ai fait une dernière mise à jour à l'instant, là. Mise à jour à 23h27. 434 899. Oui. Bon, allez, je pense qu'on est à dépasser les 900, ça y est. Ah ouais, bah, oui. Ça y est, 910. Ah, bah, bon, alors. Donc, arrive aux 435 000, là. 500. Bon, il faut bientôt faire les 500 000. Ah, ouais, les 500 000, il faut les faire. Hein. Allez, les 500 000. Et on s'arrêtera pas là, hein. Ah bah, non, il faut continuer, hein. Pour défendre Sky, on a besoin de vous. Pour faire du bruit, c'est bien, parce que aujourd'hui, même les ministres ont réagi. Eh oui, les anciens ministres. On a eu Jack Lang ce matin, qui était énervé, Jack Lang. Ah ouais, pas content. Ouais. Ah ouais, pas content qu'on s'attaque à Skyrock. Ça nous a fait plaisir. Merci à lui. D'ailleurs, tous ceux qui sont venus, on les remercie. Bah, hein. Merci, ouais, de votre soutien. En plus, bon, c'est de droite, de gauche, du centre, de partout. Et ouais, voilà. De partout, ouais. Donc, on prend tout, nous, hein. C'est bien, exactement. Merci pour les soutiens. Oui, je disais, on est ministres ce soir. Ouais. Ouais, c'est ça, un peu, Skyrock. Dans Planète Rap, il y avait des rappeurs, maintenant, il y a des rappeurs et des ministres. Eh ouais. Bon, allez, on parle des trucs qui énervent. Allez-y. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre également? Ah oui, donc, je vous disais, Yacine, il va nous expliquer de quoi il veut nous parler. Il a besoin d'un petit coup de main, Yacine. On va parler de cours avec toi, hein. Ouais. De cours, entre autres, hein, en fait. Hein. C'est un peu ça, ouais. Bon, vous allez voir, Yacine, t'aimes bien. Tu fous le bordel, toi. Ah ouais, un gros bordel. Bon, ça y est, 435 006. Merci, Romano, sur Facebook. Ouais, 435 006. Bon, on va voir où est-ce que tu fous le bordel, comment tu fous le bordel, Yacine. Et si tu nous appelles, c'est peut-être parce que t'aimerais un peu te calmer, parce que tu regrettes. C'est ça, hein. Hein? Après, tu regrettes. Ouais, je regrette, ouais. Bon, bah écoute, quitte pas, Yacine, on revient tout de suite. Et puis tiens, le son de section d'assaut, je vous ai promis, là, tiens, on se met quoi? De nouveau, qui t'a dit? Ouais, allez. Allez, qui t'a dit? Nouveau section d'assaut, qu'on se balance sur Sky. Radio Libre, le problème du mois, les réactions aussi, et vous tous en direct. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Et sans Skyrock, plus de rap, plus d'R&B, plus de Radio Libre. La liberté tout entière de toute une génération est aujourd'hui menacée à tout jamais. Il faut absolument sauver Skyrock. Plus on sera nombreux, plus on a de chances de réussir. Plus jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. Tous les soirs, dès 21h, défoulez sur Skyrock. Radio Libre. Et Radio Libre en direct sur Radio Libre pour la vie. Merci à Lounis qui nous a laissé le message. Merci Lounis. Merci et merci à tous les autres. Lounis du 06. Oui, merci pour tous les messages. Ça défile en non-stop. On peut pas citer tout le monde, mais le cœur y est. Et oui. Et continuez à vous inscrire sur le Facebook de Sky. Continuez à parler à vos potes. Et puis à nous appeler aussi. Débarquer en direct. Hein. Vous savez que c'est Radio Libre tous les soirs sur Sky. Ouais. Et c'est antenne ouverte, hein, toute la journée, 24h sur 24 sur Skyrock. Vous nous appelez. Vous passez vos petits messages de soutien. Vous dites ce que ça représente Sky pour vous. Et on défend la liberté de Skyrock depuis 48 heures déjà, hein. Et puis on espère qu'on va y arriver tous ensemble. Et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, et surtout vous tous et vous toutes, hein. Pourquoi Sky est en danger de mort? C'est pour un problème de... Enfin, okay, Romano va nous expliquer. Un problème d'argent. Non, mais en fait, voilà, Skyrock avec des actionnaires. Il y a des actionnaires. Et en fait, les actionnaires, ils considèrent... Quand tu vas voir, avec impatience l'explication. Les actionnaires considèrent que Skyrock ne gagne pas assez d'argent. Quoi. Voilà. Et donc, vu que Pierre Bélanger était le président directeur général... Fondateur. Eh bien, en fait, ils l'ont, en gros, viré. Voilà. Et puis, en disant, il faut gagner plus de sous, quoi. Et voilà. Mais nous, on veut pas qu'il y ait... Pierre, il s'en aille. Mais oui, parce que Pierre, il est là tout le temps. Voilà, bah oui. Après, bah oui, ça fera
train vide. Ah bah ouais, ouais. Et puis on a toujours pu compter sur lui. Voilà, non, mais c'est surtout qu'on peut que. Oui, il garantit la liberté de Sky, il l'a toujours garanti. Il était dans le mouvement des radios à l'époque où il n'y avait pas de radio en France. Il était dans le mouvement des radios pirates, des radios libres. Bah ouais, ouais. Donc c'est quelqu'un qui a la liberté en lui et qui défend la liberté de battre vous tous à parler en direct, des artistes à passer sur Sky et de nous tous également. Oui, de nous, tout le monde peut s'exprimer comme il veut sur Sky, vous le savez. Oui, tu oui, exactement, oui. Même toi, Romano, tu le sais, tu en profites. C'est dingue. Tu as raison, bisigu. Le commandant Bébé veut passer un petit message pour Pierre. Ah, commandant Bébé veut nous parler. Bonjour, commandant Bébé. Bonjour, je te soutiens, Pierre. Voilà. Merci, commandant Bébé. Ça va de mieux en mieux, toi. Vous avez vu, j'ai dit qu'on acceptait tous les soutiens. Hein. Ouais, vraiment, bah, là, vous en avez eu la preuve. Hein. Voilà, voilà. Bon. Alors, toujours impressionnant. Ah, c'est difficile après commandant Bébé. Ah, le commandant Bébé, il impressionne. Ah, c'est ça. Il a de la présence, quoi. Ah, bah, au moins. Quand il est là, on ne sait plus trop quoi dire. Non, c'est sûr. Bon, on est en plein problème du mois, là, comme tous les jeudis soir. Le problème du mois, c'est Love Pop. Love Pop, ce soir, elle est, après l'amour, elle est comme une statue, en fait. Elle ne peut plus bouger. Elle a la bouche ouverte, elle fait des bruits. Ah, oh. Et pendant quelques minutes, elle ne peut plus rien faire, donc elle est bien ennuyée. Son mec flippe. Et elle aimerait bien continuer à avoir du plaisir, mais sans ce problème derrière, quoi. Je fais des crises de tétanie, c'est exactement les mêmes symptômes, nous dit Chachou du 49 là sur SMS. Ah, eh oui. Eh ouais, la tétanie, c'est quand tu es tout bloqué. Déjà, t'es tout bloqué comme ça. Ouais. Bah bon, après, ça revient, hein. Bon, bah, il y a des témoignages qui arrivent là, très bien. Qu'on va prendre en direct. On va l'avoir, notre Marseillais. Samy nous a promis un soutien de Marseille. Attends, je suis en train de gérer, je t'ai dit dans 10 minutes. Ah, tu sais, je comprends pas, il me raccroche à la gueule. Non, bah, il Samy, je crois. Chaque fois que je l'appelle, ça sonne deux fois, ça me raccroche à la gueule. Il appelle une célébrité de Marseille, Samy, hein, c'est ça, hein. Ouais. Bon, tout à l'heure, on vous a demandé quels étaient les petits trucs qui vous énervaient. Bon, il y a plein de petits trucs qui reviennent souvent, c'est marrant, hein. Regardez, par exemple, les portes ouvertes. Je vois ça, là, sur SMS, pas mal de portes ouvertes. Ah ouais, mais moi, tu sais, par exemple, quand je me lève. Quand je me lève. Oui, tu te lèves, oui. De mon lit. Oui, de ton lit, oui. La meuf, elle ne ferme pas les portes. J'arrive, je me lève. L'un des premiers trucs que je fais, c'est de fermer toutes les portes. Et là, t'as une petite montée d'énervement. Non, bah ça va. Je suis quand même pas un dingo. Non. Ah non. Pas du tout. Ah non, mais tu sais, je ferme les portes, puis voilà, c'est tout. T'es pas du tout, non, pas du tout. Bah, tu sais, en même temps, ma meuf, c'est pareil. Sa passion, c'est de fermer les volets. Des fois, genre, à 4h de l'après-midi, elle me dit, on peut fermer les volets. Je fais, il est peut-être un peu tôt, là. Voilà, fermer les volets. Elle adore fermer les volets. Va très bien. Donc chacun ses petits trucs. Regarde, il y a Mike, ça peut le prononcer à l'américaine. Tiens, allez, on va le prononcer à l'américaine. Mike, qu'on a, qui nous a laissé un message. Normalement, dans 15 minutes, ma surprise. Ah, la surprise de Samy, en 15 minutes. Très bien. Oh, j'espère qu'il me raccrochera pas. Attention. Bon, ouais, donc le message de Mike sur SMS, lui, c'est les fourchettes et les cuillères pas droites quand il mange. De chaque côté de l'assiette, il nous dit. Ouais, le pain à l'envers. Le pain à l'envers. C'est signe d'engueulade. C'est un truc de vieux, ça. Le pain à l'envers, ça t'énerve. Ah ouais, mais moi je le retourne toujours, quoi. Ah, si tu fais ça avec mon père, il t'en met une. Hein. Quoi, tu mets du pain à l'envers. Il te met un bourre-pif, mais. Ah ouais. Ça le met à bout, quoi. Mais comme les chaussures sur la table, il faut pas mettre. Déjà, c'est sale. Les chaussures sur la table. Ah bah, ça, c'est signe d'engueulade. Par exemple, non, mais ça, c'est dégueulasse, surtout. Tu viens de marcher dehors, t'as marché peut-être dans des trucs, dans des restes de caca. Oh bah, c'est fort possible. Ah, donc après, tu les mets sur la table, et après, tu vas manger. Bah, oui, tranquille. Moi, c'est le café froid, nous dit Yalolma. Oui, surtout, c'est dégueulasse, ce café froid. Bah, tu fais chauffer. Oui, ou alors, oui, tu mets des glaçons et tu fais un café frappé. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui peut vous énerver aussi? Les bruits de bouche, Moripil, le message de Stifler. Ah, putain, va jamais bouffer avec Cédric. Ah ouais, alors là. Les lumières allumées. Oui, ça serait terrible pour toi. Ouais, là, je pense que tu le bousilles physiquement. Bah non, tu fais une crise de nerfs. Ah ouais, tu te défoules sur lui. Ah, Cédric, tu fais des bruits de bouche quand tu bouffes. Ah, tu fais plus de bruit que le chien de Romano. Hein. Mais t'es malade, toi. Ah non, je t'assure. Mais t'es vraiment un mytho. Non, mais franchement, dans ce cas-là, on est tous des mythos. On a déjà mangé ensemble. Ouais. Vrai ou faux? Bah ouais. Voilà. Donc je peux témoigner, c'est que tu bouffes comme un porc. Bah, ta gueule, connard. Non, mais il se bourre la bouche et après il avale comme les hamsters, en fait. D'un coup tout rond. Ouais. Ou comme les écureuils. C'est tellement bon, tu vois, faut que ça rentre dans la bouche. J'avais vu l'autre fois, il y avait un écureuil, tu sais, il se mettait des noix dans la bouche, mais c'est un truc de ouf. Ouais, il fait gonfler ses joues. On a dit Cédric. Non, mais ouais. En fait, l'écureuil, tu le voyais, donc il le filmait tranquille, là. Il prend une première noix, il la colle dans une joue. Alors t'as la joue, elle est complètement déformée, quoi. Et vas-y, il en prend une deuxième dans l'autre joue, et il en faut une au milieu, la bouche complètement déformée. Bah Cédric fait pareil, et après il avale. Donc pour avaler autant de quantité, ça fait un bruit mais monstrueux. Oh t'es bien bon. Ah ouais, un bruit de broyeuse, ouais, horrible. Ah, la
la foule m'énerve encore. Ah, j'en ai vu plusieurs des messages comme ça. Dès que je fais quelque chose de la porte ouverte, c'est ce qui revient le plus souvent. Celle 91, tu sais, ah bah, lumière allumée quand il est pas dans la pièce. Ah, tu vois que je suis pas un dingo. Mais si t'es un dingo, oui. Bah non, bah alors un paquet, a priori, il y a un paquet de dingos. Bah, il y en a d'autres. Vous ne supportez pas. Ferme la porte, Marie. Merci. Ça le met à bout de nerfs. Ça l'a énervé en deux secondes. Mais détends-toi. Non, non, mais je vais fermer. Je vais me mettre à la porte. Non, mais ma mère est comme toi, donc moi je suis habitué à fermer les portes parce qu'elle murle dessus quand je. Moi je pars d'un principe, s'il y a une porte, c'est pour la fermer. À ce moment-là, tu l'enlèves sinon. Oui, mais quelquefois, c'est bien de l'ouvrir aussi. Tu ne pas rester enfermé, quoi. C'est vrai. Parce que autrement, tu restes tout le temps dans la même pièce toute ta vie. C'est justement fait pour être ouvert. Ouverte. On a compris. Marie-Marie nous explique la fonction de fonctionnement d'une porte. Ah ouais, bah dis-on, ça n'est pas con. Pas con, c'est ça. Il y en a là-dedans. Ah bah, sors, couchez moins con. Il faut sauver Skyrock pour continuer à apprendre des choses. Je sais maintenant, ça sert à quoi ce bout de bois là, posé sur entre. Poignée. Ouais, ok. Et ça, c'est une poignée, Romano. D'accord, très bien. Non, mais ça, je savais, parce qu'on avait parlé un matin dans l'émission d'M6 100% Mag. Ils avaient fait tout un reportage sur les poignées de porte. Ah, d'accord. C'est super. Eux aussi, ils sont bien, ça. Sur les interrupteurs le lendemain. Ouais. Tout est normal. Merci à Marie de m'avoir appris le fonctionnement d'une porte. Vive Skyrock. Mais je t'en prie. Ah, bah, c'est super. Il n'y a pas de problème. Ah, bah là, je crois que la France, Marie, peut te remercier. Merci, Morad, pour le message. C'est gentil. Non, mais c'est pour te dire que tu peux laisser une porte ouverte, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Après, non, mais je m'en sers de mes portes, hein. Panique pas. Oui, bah, est-ce que tu veux nous expliquer le fonctionnement d'une fourchette, Marie? Parce qu'il y a une autre Marie du 85 qui nous dit, moi, c'est les fourchettes qui grattent le fond des assiettes. Qui ah, ouais, moi, je supporte pas. Ah, ça fait un bruit. Ah, ouais, c'est désagréable. Ah, ça vous supportez pas. Ou ceux qui se font grincer les dents ou les craies sur le tableau, tu vois, les trucs qui. Ah, moi, ça me donne des frissons, j'en ai la chair de poule, quoi. Oh. Enfin, c'est vrai que c'est hyper désagréable. Pauvre Romano. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui veulent nous enlever Skyrock, notre radio libre. C'est gentil, ce message-là. Message de soutien, même quand vous réagissez au sujet qu'on déborde. Merci, Titib des Landes, là, qui nous laisse un message. 22 ans, Titib. Bon, quand on me parle et quand je suis sur le trône, ça m'énerve, je gueule instantanément. Torrido, 17 ans, dans le Nord. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui se grattent le nez devant tout le monde. Faut pas qu'on te présente Cédric, à toi non plus, hein. Cédric adore se gratter le nez, devant tout le monde. Ouais, tu t'es pas t'échanger un peu. Ah, c'est même pas se gratter le nez, c'est se décrotter le nez. Oui, c'est ça. Ça fait un bruit bizarre. Bah, limite, bon, tu peux te gratter le nez, quoi. Mais c'est Cédric, lui, il sort des Mickey, quoi. Tu sais, comme je suis stressé en ce moment, j'ai des plaques de sang dans le nez. Ouais. T'as des croûtes de sang, tiens, je sais pas. Ouais, 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 c'est bon. Mais des fois, faut que je les retire, donc tu sais, je te pétais, moi. Faut qu'il les retire. Frotte comme ça, là. Ah, ça dégoûte, ça. Ah, ouais. Ça fait un bruit, c'est. Ah, putain, mais c'est dégueulasse, quoi. Ah, dégueulasse. Ah, mais c'est défonce la cloche. Ça fait un bruit. Bon, c'est pour dire que tout le monde avait un petit truc chelou. Hein. Moi, c'est les chaussettes au lit qui m'énervent. L'IA de Haute-Savoie qui nous laisse un message. Oh, en plus, c'est désagréable. Le lit pas fait, les gens en retard. Le lit pas fait pour Pierre-Tom, Alex, le retard qui supporte pas. Bon, voilà, c'était juste pour faire un petit test. Moi, c'est les éternuements qui m'énervent. Moi, j'aime pas trop, c'est qu'on me demande de l'argent. Les tiens. Bah, genre dans les magasins. Ah, évidemment, ouais. Bah oui, mais c'est normal s'ils existent, les magasins. C'est le but d'un magasin. Ah, ça m'agace quand je passe à la caisse. Le pire, c'est quand t'attends à la caisse et je me dis, ouais, mais dans quelle vie dans quel monde on vit? Mais oui. Non, mais t'es obligé de faire la queue pour payer, quoi. Non, mais on est où, là? C'est vrai que le monde, il est bizarre, hein, tout tourne autour de l'argent. Bah ouais, ouais. T'imagines, t'es obligé. Des fois, t'attends genre 10 minutes pour lâcher du pognon. Pour payer. Ah ouais. Moi, je suis scandalisé, moi. C'est bien, c'est la révolte. Moi, j'aurais que tout serait gratuit. Mais oui. Proposer à mon magasin où je vais acheter mes aliments. De quoi te faire gratuit? Lui dire, je peux partir sans payer aujourd'hui? Tu m'as demandé. Bah, tu nous tiens au courant, Manon. Ouais, bah, si vous ne voyez pas arriver, c'est que j'aurais 2-3 soucis. Oui, on garde à vue, mais. Ouais. Bon, alors, on a Yacine, là, qu'on va prendre en ligne avec nous, qui nous attend depuis tout à l'heure. Yacine en direct de Sarcelles. T'es là, Yacine? Ouais, je suis là, ouais. Toujours alors, là, Yacine. Toujours là, toujours prêt. Je m'accroche, je lâche pas. Comme nous, hein, t'as vu, on lâche pas. Hein. Ah ouais, ouais. Mais vous non plus, vous lâchez pas. Hein. On ira faire un tour sur le Facebook là pour voir combien vous êtes pour notre grande manif virtuelle sur la page Défendons la liberté des Sky. J'ai vu qu'il y avait tout le monde. C'est bien, hein. Continuez comme ça. Faut qu'on continue. Là. Faut pas lâcher l'affaire et pas lâcher l'affaire. Ah non. Oui. Ah ouais, non mais Sky Solidarité. Eh ben ouais, je vois que vous êtes là, Sky Solidarité. C'est bien. De la famille, hein. C'est la famille. Eh ben merci. Là, on lâche pas la famille comme ça. Bon alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Bah moi, depuis quelques temps, tu vois, je suis en lycée, deuxième année lycée. En bac pro en carrosserie. D'accord, futur carrossier. Et, voilà, et tu vois, je suis avec mes potes et tout, et dès qu'on sort du lycée, on attrape une personne, et tu vois, on lui met une grosse claque, on lui met des coups de pression et tout pour qu'il nous donne son argent, son portable, tu vois, on le dépouille. Ah oui, non, mais ça, c'est pas faire des conneries, c'est pas bien ça. Bah là, c'est du racket, hein, ça peut être du racket. C'est ça, tu vois, et tu vois, avec les potes, je sais pas, c'est
Triste, c'est un jeu, tu vois, avec les potes. Ouais, mais vous vous dites pas à un moment, vous avez pas des remords en vous disant, je sais pas, le mec, vous lui faites du mal, vous c'est lui, pas traumatisant, vous lui pourrissez et... peut-être la vie, enfin, vous lui pourrissez sûrement la vie, vous mettez pas sa place jamais. Dès que je rentre chez moi, je suis un autre mec, tu vois, je vais pas bien, tu vois, je me sens pas bien. Ah ouais, tu culpabilises. Le lendemain, je recommence. Dès que je suis avec mes potes, je recommence. Ouais, c'est l'effet de groupe, quoi. En fait, quand t'es avec tes potes, voilà. J'allais te dire ça, mais comme un con, tu suis, quoi. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, mais bon, faut pas être un mouton, quoi. Non, mais c'est l'effet de masse, ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, faut réfléchir. Faut essayer juste de vous mettre à la place de la personne. Tu sais, il y a des mecs qui sont foutus en l'air parce qu'ils étaient raquettés tous les jours, qui étaient vraiment un calvaire pour aller au bahut. Non, je change toujours de personne. Non, mais de toute façon, voilà. Un jour ou l'autre, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va vous balancer, et puis voilà, quoi, ça serait bien d'arrêter avant, oui, d'arrêter déjà tout court. Oui. Après, d'arrêter avant d'avoir des emmerdes avec la police, ou parce que, un jour, tu vois, en même temps, ce serait normal, quoi, tu te fais dépouiller par des mecs, tu vas pas leur dire merci les gars, revenez demain. Ouais, demain, j'en avais pas. Non, tu dis rien, mais bon, après, tu peux aller voir les keufs, ouais. Ah, bah ouais, mais c'est ce qui va se passer au bout d'un moment. Et normal, quand t'as des remords, tu te dis quoi le soir quand t'arrives chez toi, que t'as fait ça de la journée, tu te dis quoi? Dégueulasse, ça fait pas, je voudrais pas qu'on me le fasse à moi. Bah ouais. Ah ouais. T'imagines, t'as 5 mecs qui te tombent dessus, genre des mecs plus balèzes que toi, ils viennent, ils te dépouillent. Ouais, c'est très mal. Mais tu vois, les petits groupes, je sais pas, je suis un. Ouais, c'est un enjeu. Vous êtes combien dans le groupe? On est au moins 4. 4. Et les 4, vous discutez ensemble, j'imagine? Les autres, non, je discute pas avec les autres, je garde pour moi, tu vois. Ouais, c'est quoi, foutez le bordel. De bolos ou un truc comme ça, tu vois. Non. Ah ouais, donc t'as envie, t'as pas discuté de ça avec les autres, mais justement, non, si t'en discutais avec eux, tu penses qu'ils traiteraient de bolos? Ah, directement. Mais c'est quoi, en fait, comment ça se passe? C'est que vous repérez un mec à la sortie du bahut, bon, je sais pas, il y a un de tes trois potes qui va commencer à le faire chier, vous arrivez derrière, quoi. Ouais, tu vois, on arrive derrière. Ouais, bon, t'es pas un mouton, Yacine. On lui met une petite claque. Bah déjà quand eux ils y vont, t'es pas obligé de les suivre, tu vois. Moi tu peux dire ouais moi vas-y j'arrête quoi. Ça... Ah ouais, ils m'engrainent, un jour je me cache, j'ai un truc à faire, ils m'ont pris par la main, ils m'ont dit vas-y. Si les mecs ils te disent de se mettre d'un pont, tu vas pas le faire quand même, Yacine. Ouais non c'est sûr, tu vois, c'est dégueulasse. Ah bah ouais. Vas-y, c'est une rique à toi. Non, moi, je voulais parler. Je te donne la parole. Non, parce que moi, quand j'étais au collège, j'avais un pote à moi, il s'est fait raqueter comme ça, tu vois. Bon, il habitait pas, il était dans un pavillon, tu sais, en dehors de Masté, et le mec, il s'était fait raqueter une fois, il prenait plus le jeu. Il jouait au tennis? Voilà, raqueter, c'est ça, Marie. Là, il Marie, a raqueté les raquettes de tennis. C'est des très bonnes blagues. Ouais. C'était pas toi, par hasard. Non, c'était pas moi, ma gueule, non. T'inquiète pas, moi. Et en fait, le mec, il avait pété à son portable. Et le mec, il prenait plus le même chemin que nous. Et nous, on comprenait pas, tu vois. Une fois, le mec, il partait après nous. Une autre fois, il prenait un autre chemin. Mais jamais, il rentrait avec nous, tu vois. Parce qu'à un moment, on rentrait ensemble. Et lui, c'est pareil. Il allait vers chez lui. Nous, on allait dans notre cité. Et un jour, je lui parle. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, ma gueule? T'es plus avec nous. Il me fait, non, non. Et le mec, il était en train de chialer. À m'expliquer que c'était fait raqueter par des mecs qui flippaient, tu vois, de reprendre les mêmes chemins, enfin de. Ah ouais, donc il faisait un détour pour rentrer chez lui. Ouais. Et le mec, il rentrait plus tard, machin, ou quand il était dans la rue tout seul, quand il voyait des gens derrière lui, tu sais, se retourner, et s'il voyait que c'était des lascars, il courait, tu vois. Le mec, il était en panique. Bah moi, c'est parti en couille, parce que dans ma ville à Autun, il y a eu, Autun, Bourgogne 71. Non, mais en fait, parce que tu sais, bon, moi, j'étais dans un bahut militaire, et comme, tu sais, c'est la famille, quoi, comme Skyrock un peu. Les non, mais c'est vrai que tout le monde avait les. Sont avec Skyrock. Ouais, c'est tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fête foraine, il y a des petits, 6e qui avait été à la fête foraine et il s'était fait raqueter, quoi. Les pauvres petits. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as tout le bahut, tout le lycée qui est descendu en ville. Militaire. Non, mais ouais, je sais pas, il y avait genre 400 élèves qui sont descendus. Bon, c'est parti en couille, c'est parti en baston général sur la fête foraine. Oh l'horreur. Non, mais parce que. Pour défendre le petit, non, mais ouais, parce petits, que ouais, les mecs, ils avaient dit, ouais, vas-y, ça se fait pas et tout, quoi. Mais là, donc, pareil, ouais. imagine un jour, tu raquettes un mec, c'est un mec de cité. Il rentre chez lui, il dit à tous ses potes, ouais, je me suis fait baiser par des mecs, je me suis fait raqueter par d'autres mecs d'une autre cité. Ah, c'est pas les gens, hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils viennent à 10, après, ils vous raquettent vous, après, vous venez à 15, 20. Non, mais, 30, et tiens, regarde, quand ils disent que t'es à bolos, si t'en parles à tes potes, ils vont dire t'es à bolos. Si je leur dis que. Je pense que là, ils sont en train de m'écouter, là. Non, mais c'est qui les, parce qu'on nous dit ça sur SMS, c'est vrai que c'est pas qu'on regarde. El Barto, il dit, les courageux, lui, a plusieurs contre une personne inoffensive. C'est qui les plus bolos? C'est ceux qui se jettent un calque sur un pauvre gars, ou? Ouais, bah, c'est, bon, déjà, tu t'en rends compte. Après, maintenant, il faut que t'arrives à dire, ouais, quand ils t'engrainent, tu dis, moi, non, moi, c'est bon, j'arrête, quoi. Ouais, tu dis, c'est bon, j'ai passé l'âge, maintenant. Ouais, on fait chier des gens, on va avoir des emmerdes, on leur fait du mal pour rien. Ouais. Le mec, il a rien demandé, il sort du bahut, il se fait dépouiller. Bon. Tu vois, j'ai pas envie que ma mère apprenne que je me suis fait arrêter pour une connerie comme ça, j'ai pas envie de lui poser de soucis. Ouais. Toi, tu peux utiliser aussi cet argument. Remarque, j'ai des remarques, tu vois. Pense à toi, tu dis, moi, je pense un peu à ma mère, si elle apprend que je me fais arrêter pour ça, ça va la rendre malade.
Même, tu vois, genre, ça partit en couille vraiment, tu vois, ça va être chaud. Non, mais même les trucs c'est à la con. Pour toi, hein. C'est genre, coup, le mec, tu l'agresses. Bon, déjà, vous le connaissez pas, quoi. Imagine le truc, il a, le mec, il a une galère, je sais pas, tu le laisses sur le carreau. Tu sais, ça peut arriver, tu sais pas. Ouais. Le mec, il peut être malade ou avoir un truc. Ou alors, vous. Le mec, sort une petite gazeuse, le mec, ouais, ou alors, il tombe, tu vois, il tombe mal, genre, voilà, la tête sur le trottoir. Vous êtes comme des cons, après. Ah, exactement. Tu sais, d'un bruit comme ça, ballon, ça peut partir loin. Bon, je vais loin, mais bon, ça peut arriver. Ah, mais c'est vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver. Tout peut arriver. Donc t'as plutôt raison d'avoir des regrets. Par contre maintenant tu peux leur expliquer, ouais. Tu leur dis moi c'est fini, j'ai passé l'âge, hein. Toi tu dis moi maintenant j'ai 17 ans, je suis plus un gamin, tu vois, je suis plus un gamin, ouais. Vos gamineries. Mais vous le faites eux. Toujours dans la même zone. Le mec, les mecs que vous raquettez là, tu le fais toujours dans le même genre quartier. Ah ouais. De toute façon, dis-toi, à mon avis, dans pas longtemps, vous allez vous faire choper. Hein. Dessus, ouais. Parce que forcément, il y a un mec qui va aller dire, porter plainte. Les keufs, ils vont guetter, ils vont vous voir, bim, vous allez vous faire choper. Ah ouais. Là, les emmerdes derrière. Après, tu fais comme tu le sens. Alors, plein de messages que vous nous laissez là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? C'est un mouton, c'est tout. Va t'acheter une personnalité. Ah, tu vois, dis, tu prends une personnalité. Ah, c'est vrai, hein. Non, mais t'as au moins le courage de vous en parler, t'as au moins le courage de venir en disant que t'avais des remords, et c'est, enfin, voilà, c'est bien d'avoir des remords. Ça. Bah, c'est le premier pas, quoi. Ouais, t'as un cœur, ouais, donc t'as des remords, ouais. C'est normal aussi, hein. Et tes potes, ils ont qu'à remords, ouais, t'en as jamais parlé avec eux, bah, jamais dit, ouais. Avec eux. Ça se fait pas et tout. Non, franchement, j'ai jamais parlé avec eux. Mais je vois trop bien. Ils sont en train d'écouter. Et... Eh ben, vous arrêtez, les gars, parce que vous allez vous faire choper, vous faites du mal à des gens, c'est jamais ce qui peut arriver, et puis voilà, pas faire du mal aux autres. C'est déjà assez compliqué, ouais, la vie pour. Ça, c'est clair. Mm-hmm. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Hein. Merci. Ah, moi, perso, je tombe sur toi et tes potes, vous me dépouillez. Moi, je voilà, c'est même pas question d'être une balance ou quoi. Moi, je vais voir les keufs direct. Hein. Je vais dire, ah, tu vois. Tu vas pas te faire dépouiller, dire merci. Ouais, ouais, tu vois, normal. Je te dis, mais un jour ou l'autre, faites gaffe parce qu'il y a forcément, vous avez racketté combien de types. Je compte même plus. Ah, mais je te dis, un jour ou l'autre, ça va vous tomber sur la gueule. Mais alors, ah, tu vois. Mais le lendemain, tu vois, ça recommence. Ouais, c'est l'engrenage, quoi. Ouais, l'engrenage des potes, là. Bon, bah écoute, essaye de. Tu penses que tu vas pouvoir gérer comme on a dit, ou tu veux faire quoi, toi, en fait? Bah, je sais pas, je vais parler avec eux, mais tu vois, je voulais savoir s'il y avait des autres auditeurs qui pouvaient m'aider, tu vois. Bon, bah, vous nous dites, et bah, vous réagissez en direct. 41 Sky, skyrock.fm, et puis skyrock.fm, je l'ai dit. Et puis 01, c'est ça que j'avais oublié. Voilà, le numéro de téléphone. Mais t'as dit, j'ai oublié un truc. Et le 01 53 40 30 20, là. Bon, bah, quitte pas, Yacine. Bon, et le premier pas, parce qu'il y en a plein qui sont énervés, ils disent, t'es un connard, moi, ça m'est arrivé, je me suis fait raqueter aussi, ça m'a pourri 6 mois de ma vie. Bon. Mais au moins, tu vois, ouais, au moins t'en parles, donc c'est déjà pas mal, ouais, de bonnes, ouais. Ah, c'est bien, t'as la conscience que tu fais le con, quoi. Et le truc, ouais, du courage, là, à quatre contrats, il y en a plein qui le disent aussi, là. Ah, bah, ouais, ouais. Bon, on va y revenir tout de suite sur Sky. On aura une réaction également pour le problème du mois, la réponse du problème du mois également. La réponse du docteur Claire Saint-Loup pour Love Pop, qui est comme une statue après l'amour. Elle ne peut plus bouger, la bouche anesthésiée, elle fait des bruits. Ah. Dès qu'elle a joué, elle est coincée. Ah, oh. Voilà, elle fait ah, oh. Ah, oh, et elle bouge pas. Ouais, elle bouge pas, les jambes, les bras, tout est bloqué. Voilà, tout est complètement paralysé, ses ailes. On aura la réponse, mais surtout le témoignage de Julie qu'on va saluer. Tiens, t'es là, Julie, déjà? Oui, je suis là, ouais. Bienvenue à toi, Julie. 22 ans, et t'es à Deauville, toi? Ouais, c'est ça. Bon, bah, bienvenue sur Sky. C'est gentil de nous appeler, ça fait plaisir. C'est le luxe. Et pourquoi Deauville, c'est le luxe, Robano? Ah, non. Ouais, c'est quand même, ça va, il y a pire comme endroit, quoi. Ah oui, il y a pire, oui, ça, c'est sûr. Ah, bah, ouais, il y a pire, mais il y a mieux aussi, hein. Deauville, c'est vrai que Deauville, c'est quoi? Ah, bah, c'est le luxe. Ouais, c'est la ville des gros riches. Ah, bah, ouais, il y a les hôtels de luxe, des baraques de ouf, les boutiques, ouais, de luxe. Tout ça. Skyrock luxe dans un instant. Tu vas prendre un café, dans un bar, il te coûte 10 euros. Ça, le luxe. Bon, t'es déjà resté paralysé pendant que tu faisais l'amour, enfin après avoir fait l'amour. Toi, tu vas nous expliquer comment, d'accord? Tu bouges pas? Ouais, ok. Bon, tu restes avec nous. Qu'est-ce qu'on se met comme son là? Il y a plein que vous avez demandé ce soir. C'est difficile de faire plaisir à tout le monde, hein. Écoutez, je vais en choisir un. Allez, vas-y, fais-nous péter un bon sound. Allez, parmi ceux que vous avez demandé que j'aime bien là. Jeremiah 50, il y en a plein. Allez, on va mettre ça. Un petit Jeremiah 50, ça vous dit? C'est bien. Ah, parce qu'il y a du 13 songs aussi. Ouais, moi, je voulais ça, mais bon. Tu voulais 13 songs? Ouais, Jeremiah 50, moi j'aime bien les deux, donc. Bon, allez, on met 13 songs, on mettra Jeremiah 50 demain et dans la nuit. Juste après l'émission. Allez, 13 songs, ouais, qui a été bien demandé aussi. Avec Nicki Minaj sur ce morceau, on la retrouve tout de suite, c'est Bottoms Up. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Et sans Skyrock, plus de rap, plus d'R&B, plus de radio libre.
La liberté tout entière de toute une génération est aujourd'hui menacée à tout jamais. Il faut absolument sauver Skyrock. Plus on sera nombreux, plus on a de chances de réussir. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. Ah oui, c'est fini. Eh ben oui, c'est fini. Madame Zop. Tous les soirs, dès 21h, défoulez sur Skyrock, Radio Libre. Presse son de Nicki Minaj, là, qu'on a retrouvé sur ce gros morceau découvert par Sky. J'étais tellement à fond dans le sound. Écoutez le sound à fond, il danse avec ses petites jambes. Ah, j'adore, moi, ce que je préfère, c'est la partie de Nicki Minaj, moi. Elle rappe bien. Ah ouais, elle rappe trop vite et tout. Elle essaie d'aller nous voir, Nicki Minaj. Ouais, elle est passée. Bon, on va faire la réponse du problème du mois. Il y a plein de réactions que vous avez laissées pour Yacine. Bon, vous êtes d'accord avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, faut arrêter, faut pas faire le mouton, faut avoir une personnalité. Ah ouais, faut en avoir dans le slip. Et puis faut, voilà, c'est pas une fierté d'aller raqueter des gars. D'ailleurs, c'est pour ça que t'as des remords après, Yacine, quand tu rentres chez toi et que tu te retrouves tout seul. Ouais, c'est sûr. Bon, t'as d'autres potes dans la vie, y a pas que ces trois potes. Ouais, j'ai plein d'amis. Est-ce que t'en as parlé aux autres? Est-ce que tu leur as dit ce que tu faisais? Ouais, tu vois, j'en ai dit. Et alors, qu'est-ce qu'ils te répondent? Qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils me disent, ouais, vas-y, arrête de trader avec eux, tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, je leur dis, vas-y, ils sont dans mon lycée. Ah, c'est pas grave. Ils sont dans la même classe qu'eux. T'as d'autres potes, trade avec les autres potes, et puis, Ah ouais, ça vaut mieux pour toi, ouais. Voilà, et puis avec ceux avec lesquels tu fais des conneries, tu les vois, et puis tu leur expliques, tu leur dis, attends, moi, j'arrête d'être un gamin, c'est bon, ça va, hein. Ouais, et puis j'ai pas envie d'avoir d'emmerdes aussi. Voilà, mais c'est vrai que tu vas avoir 18 ans. Les emmerdes, attention. Hein. Ah, il y en aura. Ouais, donc voilà, donc maintenant tu le sais. On s'arrête avant. Hein. Bon, bah écoute, bon courage Yacine, et puis raccrochement, on va te reprendre là, tu restes avec nous. Hein. Ok, vas-y. Et puis on t'envoie ton jeu ou ton maillot. Ok. Tiens, ma surprise est là. Alors, petite dédicace, attends, juste avant la petite dédicace, voici tout de suite, attention. Quelqu'un qui va réchauffer le cœur à tous les Marseillais, à tous les auditeurs de Sky. Quelqu'un qui va réchauffer le cœur à tous les Marseillais. À tous les amoureux de ballon. qui vient soutenir Skyrock et on le remercie d'avance. En direct de Turquie. C'est Mamadou Niang qui est avec nous. Premier sur le foot, Skyrock. Ouais. Salut Mamadou. Bien sûr. Salut Mamad. Ça va ou quoi? Salut. Ça va et toi? Ça va, merci de ton coup de fil, Mamadou. Donc là, t'es à Turquie, là. T'es en Turquie. Oui, ouais, Istanbul. Je suis à Istanbul. Bon, tu joues à Fenerbahçe, mais tu as joué à. À l'OM, bien sûr, gros. Ah, c'est le joueur qui a le plus marqué l'OM ces dernières saisons. Hein, 100 buts à l'OM. T'as marqué 100 buts à l'OM? Ouais. Ouais, 100 buts. L'année dernière, champion de France avec l'OM. Ah oui, champion de France. Ah, des champions. Et vainqueur de la Coupe de la Ligue. Eh oui, gros. Et aussi. Vainqueur de la Coupe de la Ligue, eh oui. Et maintenant. Oublie pas ça. Eh ouais, gros, maintenant à Fenerbahçe. Deuxième du championnat à Fenerbahçe, ça? Championnat ouais, turc. Deuxième à deux points du premier. Ouais, et deuxième meilleur buteur, tu es aussi, non? Ouais, deuxième meilleur buteur. Tu as vu, je suis. Les anciens Marseillais, je suis leur carrière, même après. Bravo l'artiste! Bravo! Chapeau bas, Mamadou! Champion, Mamadou! Et ouais, non, mais t'as tous les Marseillais, regarde, tu nous manques, reviens à Marseille! Adri du 13, Niang me manque, Mamadou, allez Mamad, Niang avec Skyrock, on nous dit aussi. Eh bah ouais, gros. Non, je reviendrai pas. Non, il veut pas. Bon, tout se passe bien, Fenerbahçe? Ouais, ça tout se passe bien. Bon. Oh bah oui, ça va, deuxième meilleur buteur, ça va, ouais. Ça va, c'est cool. Bon, t'as entendu parler des problèmes de Sky? Mais c'est toujours mieux d'être premier. Ah, t'es toujours premier, hein. Skyrock, pareil. Premier sur le foot. Skyrock, gros, on se bat, tu vois. Premier sur le foot. Skyrock, toujours premier. Bon, t'as entendu parler des problèmes de Sky, même en Turquie, toi? Ouais, j'ai entendu parler, bien sûr, parce que j'ai beaucoup d'amis artistes, tu vois, ils m'en ont parlé un petit peu. Ouais. Et alors, pour le hip-hop, c'est chaud. Je vais te demander ce que t'en penses. En étant Turquie, loin de cette histoire. En étant en Turquie, moi je pense que c'est la merde pour vous, quoi, et surtout pour nous aussi, et encore pire pour les artistes et de hip-hop, parce que bon, Skyrock, c'est la radio pour moi qui passe le plus de bons sur hip-hop. Ouais, on n'est pas parfait, on joue pas tout, voilà, on a des émissions, on a des nocturnes, on fait découvrir des albums, on essaie de faire pour le mieux. Hein. Toi, tu es pote avec la fouine, non, Mamad? Ouais, je suis pas avec la fouille, là. C'est Fiu. C'est la famille. Et c'est hallucinant, t'es pote avec Sefiu, t'as un point commun avec Cédric. Hein. Oula. C'est la famille. De toute façon, c'est la famille. C'est la vraie famille. Ils nous ont appelé hier, ils nous ont soutenu aussi. Mec du 9-3, tu sais. C'est la mise.
Ah bah oui. Merci, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup. Bah, alors, c'est comment alors? Ah bah écoute, d'abord, il y a. Pour l'instant, nous on est à la radio. Pour l'instant, on est là, on se bat. Qu'est-ce qu'on fait si on est coupé? Bah écoute, on verra, on avisera. Pour l'instant, on vit un peu les trucs au jour le jour. C'est la mobilisation. Et puis on se dit que tant que vous nous soutenez, tant que. Tout le monde vous soutient en tout cas, vous inquiétez pas. Tous ensemble, on va y arriver. Non, mais il y a, tu sais, le ministre. J'espère aussi. Tu vois, qui c'est Jack Lang, le ministre là? L'ancien ministre de la culture. Formidable! De nom, surtout. Ce matin, il a dit qu'il serait prêt il faudrait lui passer sur le corps pour rentrer dans ce cas. Il y a même des ministres qui veulent faire le bouclier, quoi. Bon, bah écoute, ça nous touche beaucoup, Mamadou. Ouais, c'est cool. J'espère vraiment que vous n'avez pas coupé la radio et voilà, on va se battre. Bah, puis nous, on tient le choc et puis ça nous fait vraiment, vraiment beaucoup. Merci, Mamadou. Merci aux collègues qui sont derrière. Je sais pas, t'as 300 messages qui nous disent qu'il faut absolument que tu reviennes à l'OM. Évidemment. On n'arrête pas de lui dire. Il a dit non. Un jour peut-être. Ça te fatigue un peu, donc j'imagine chaque fois que tu vois quelqu'un. Oh, quand est-ce que tu reviens à l'OM? Non, ça me fatigue pas parce que j'aime ma fille, tu vois. C'est le soutien, ouais, ça fait plaisir. Sur Marseille dans le cœur, alors. Bah oui. Toujours. Momo, le Parisien, est-ce que tu as une question? Parce qu'on a un supporter de Paris dans le studio. Est-ce que tu as une question à poser à Mamadou? Il s'est caché, Momo, il est pas là. Il s'est planqué, Momo. Il est pas là, il dit. Le Parigo. Il veut pas. Il a peur. Ah ouais, tu sais. Si, regarde, c'est la paix aujourd'hui, il te passe le bonjour. Bah oui, bien sûr. J'ai passé le bonjour. Tout soudé, gros. Qu'il est gentil. Ah, c'est Paris aussi. Ah, voilà, même pour Paris ce soir. C'est vraiment la radio de la paix ce soir. Peut-être qu'un jour tu viendras à Paris. Eh oui. Salut, comme Salem. Oh, Momo te dit salut, comme Salem. C'est si bien dit en plus. Ouais, tu m'étonnes. Merci Mamadou. Hein. Merci beaucoup. Et un big up, de tous les Turcs de France aussi, j'avais pas vu, mais qui laisse des messages là, regarde. Big up à tous les Turcs de France et à tout le monde, à ma famille, à mes potos, à tout le monde, à Baf, à Oni, mes sœurs, tout le monde. Et Mamadou fait la pub de Sky en Turquie, on te dit Pierrick du Morbihan. Ok, pas de problème. Ben merci Mamadou. On va t'envoyer des autocollants et des banderoles. Voilà, pour mettre en Turquie. Ah bah nickel. Ah ouais, vas-y, fais-le. Hein. T'auras un carton jaune, mais. Ça vaut le coup. Eh ben c'est sympa. T'es super Mamadou, merci. Merci. Hein. Merci. Au nom de tous les auditeurs, toute l'équipe de Sky, et merci à toi. Salut comment Mamadou. Comment on dit merci aussi en turc? Tu sais, parle un peu le turc, Mamadou. Teşekkür. Eh ben teşekkür à toi, Mamadou. Merci. Salut Mamadou. Mamadou Yang en direct sur Sky là ce soir. C'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Voilà, plein de soutien tout au long de la journée. Et votre soutien à vous avant tout tous les soirs. Merci pour les messages. Encore une fois pour tous ceux qu'on a reçus là depuis. Thank you. Deux jours, ça fait deux jours déjà que c'est un peu le bordel hein, comme ça. Hein. Ouais. Deux jours que Sky est en danger là. Ben on lâche pas. Eh ben on lâche pas l'affaire, on est toujours là. Bon, Romano, le problème du mois. Ah ben on a un témoignage. Oui, témoignage de Julie là qu'on va prendre en direct avec nous. Rappelle un peu du problème du mois là rapidement. Alors le problème du mois, c'est Love Pop. Love Pop est une fille. Elle a écrit à Magazine Girls, Docteur Claire Saint-Loup. Elle a un problème. Quand elle a eu un orgasme, après elle est comme une statue sur le lit. Elle ne peut plus bouger. Figée comme ça. Ouais, figée, comme paralysée. La bouche, elle dit anesthésiée. Elle ne peut produire que des sons A et O. Figée. Voilà. Bon, au bout d'un moment, ça revient. Ça l'inquiète un peu. Son mec aussi. Elle aimerait trouver une solution. Ah voilà. Donc on en est là et normalement on a Julie. Eh ben oui, Julie, t'es toujours là? Oui, toujours. Eh ben oui, toujours. Donc 22 ans, donc t'es en Normandie, à Deauville. Voilà, c'est ça. Et tu voulais nous appeler parce qu'il se passe encore des trucs. Voilà. Bah en fait, je fais des crises comme ça. Ça s'appelle des crises de tétanie en fait. Et c'est quand on fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est quand on a trop d'émotions ou un coup de stress ou quand on est vexé ou quoi, bah on fait des crises. Et bah tout notre corps ils sont engourdis quoi. Mais ça t'est déjà arrivé pendant l'amour? Après une fois, quand j'ai eu un orgasme et après j'ai eu un coup de trop d'émotions et trop plein. Mais ton mec il a dû halluciner non? Je pense qu'il a dû avoir. Bah en fait non parce que comme j'en ai déjà fait avant Ouais, il connaissait quoi. Non lui il a été boire un coup tranquillement, il a agonisé sur le lit. On va me refaire le coup encore. Oh bah moi je vais. Ah tout à l'heure je vais faire un tour. J'attends que ça passe. Le mec devant la télé, je fais ton affaire dans la chambre. Non mais en fait, il faut apprendre à contrôler sa respiration. Parce que en fait c'est pareil que les crises de spasmochie.
Donc, on avait parlé en plus des crises de spasmophilie. Ouais. Il faut qu'elle nous soutienne, qu'elle nous essaye de nous calmer ou quoi. Et au pire, il faut essayer de souffler dans un sac plastique, quoi. Et moi, je souffle dans un ballon, il explose. Ah oui, là, ça arrive. Oui, Marie. Ouais, oui, ça arrive, c'est Marie. Vrai qu'il y a des risques pour le ballon. Ah, ça, c'est le taux d'alcool. Là, ça. C'est ça, oui. Après, on nous dit qu'il faut prendre du magnésium. Il y a plein de messages. Là. J'ai vu qui, là il y a eu trois à la suite. C'est quoi le magnésium? Magnésium, il faut prendre le matin et le soir, nous dit Chachoun. Il y a des trucs genre Mania B6, ça s'appelle. Ouais, ouais, il y a des dans les pharmacies, c'est du magnésium. Magnésium. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc, c'est bon pour le corps. Ouais, ou alors des trucs à base de plantes aussi, moi, c'est ce que je prenais au début. Je fume de l'herbe, moi. Non, c'est pas bon, ça m'a resté interdit, il faut pas fumer. Non, mais non, bien sûr, c'est bon. Tiens, ma copine faisait la même chose, mais elle me. Mais elle faisait ça après. Bah oui, bah, c'est ça. Bourrez-toi, là, qui nous laisse un message, 22 ans. Ah ouais, pareil, ouais. Et ouais. Comme Doug dans la série Raw Corp, on nous dit. Qui c'est ce monsieur? C'est pas ça, un type qui joue dans une série. Oh, mais d'autres, tu connais pas, ça passe pas sur TF1. Comment ça s'appelle? Hero et Corp. Hero, c'est la série Hero. Je sais pas, le message il est passé, Hero. Ça défile tellement vite. Quoi, Corp? C'est, mais non, mais c'est sur, ou c'est le nom de l'héros, ou c'est, ah, c'est, non, c'est, non, je sais pas. Voilà. Alors, en tout cas, non, mais il y a un mec à la télé, tu pourras dire, Julie, si ça t'arrive la prochaine fois, il y a un mec à la télé qui est comme toi. Waouh, qui a pu. Et voilà. Ça, je pense que ça lui change la vie, en fait. Ah, bah là, ouais. Mais sinon, il y a, Nuni. Julie, ouais. C'est son, le prénom que tu voudrais prononcer, c'est ça, Julie? Oui. Tu as été voir un médecin, je veux dire, t'as des médocs à prendre ou? Bah, là, j'en prends plus parce que, bah, en fait, au début, oui, pour les calmer, mais après, il faut apprendre à se contrôler, quoi. D'accord. Quand ça nous arrive, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, bah, écoutez la réponse du problème du mois, là. Reste avec nous, Julie, hein. Et par exemple, dans le chocolat, on nous dit, il y a plein de magnésium. Merci, Eric Neufkate. Après, il y a qui nous disait de bouffer des yaourts. Faut manger des yaourts. Ouais, ouais, bah, il y en a, ouais, dedans. Bon, alors, on y va? Oui. Bah, la réponse du problème du mois, écoute bien Julie. Yes. Écoutez bien vous tous et vous toutes. Problème du mois de ce jeudi, réponse. Alors du j'espère problème que du mois. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Ça c'est pas sûr à tous les coups. Hein. Alors, si tu comprends pas Julie, tu dis. Hein. Ok. Alors attends. Je vais quand même tester le sport élect pour voir si l'appareil fonctionne bien. Attends. Ah, on le met en marche. Voilà, mise en marche du sport élec. Ça c'est pour apprendre à lire. Hein, ouais, Romano. Ouais. Attends, parce qu'il y a un petit problème technique. Alors, vas-y, Romano, répare le sport élec. Donne-moi vite ma manette. Voilà, j'ai très envie de donner un coup. C'est bon. Un petit coup comme ça. Ah. Oh. Alors, ah oui, alors la réponse. Je prenais une mauvaise réponse. Alors la bonne. Ma chère Love Pop. Oui. L'orgasme correspond à une série de contractions involontaires et intenses des muscles de la région sexuelle pendant quelques secondes. Cette sensation diffuse dans le reste du corps et est suivie d'une grande détente. Il est possible que les sensations. Ah bah non, elle est étendue de partout. Ouais, mais non, mais normalement quoi. Disons normal. Non, normal. Ah, bloqué. Non, j'avais un glaire. Il est possible que les sensations que tu décris correspondent à cette diffusion. Le mieux est alors que tu te laisses aller jusqu'à la détente qui va survenir. Mais l'orgasme n'est pas toujours synonyme de plaisir et il s'accompagne parfois de sensations vécues comme désagréables. Bon courage à toi. Ah bah c'est pas cassé le cul. Là. Ah non, je te dis à l'autre, la réponse, regarde-moi. Ah oui, ça c'est clair. La réponse, elle fait 10 lignes. Ah ouais, là. Oui, bah en gros, elle lui dit, bah, t'attends que ça passe. Voilà, c'est ça. Ah, t'attends le moment où tu vas te détendre et puis ça ira mieux. Voilà. Puis en gros, ici, à la fin, elle aurait pu mettre, et puis fais-moi pas chier. À la fin de la réponse, oui. Ah ouais, là, ouais, c'est vraiment pas chier. Bah t'attends et puis tu nous emmerdes pas. Voilà, en gros, hein. J'ai même pas mis de cours, Mano, tu vois. Ah, je suis déçu, j'ai même pas eu. Ouais, bah ça va, tu m'en as bien si on peut à la lecture. Hein. T'as bien lu, là, c'est bien. Ah bah c'est gentil. Eh ben, félicitations à toi, Romano. Ah bah en tout cas, Julie, merci de nous avoir éclairé. Ouais, heureusement que t'es venue parce que l'autre elle a fait une réponse de merde. Ah ouais, c'est pas facile, la docteur Claire Saint-Loup. Ah ouais, ça allait vite. Hein. Ouais, c'est clair. Bon bah bisous, Julie, merci beaucoup. Je peux faire une petite dédicace? Oui, puis merci pour ton soutien, hein, Julie aussi. Bah ouais, hein. Ça fait plaisir. Bon bah je fais une petite dédicace à mon petit frère qui doit être en train de m'écouter. Salut la famille. Ouais. Et savoir s'il peut. Enfin, je pourrais avoir le maillot du Barça pour lui. Eh ben un maillot du Barça qu'on va t'envoyer à la maison alors. Ok, c'est sympa. Eh ben gros bisous, merci Julie. Merci à vous, bisous. Salut Julie, bisous. Ciao. Bon ben voilà pour le problème du mois, on passe à la pesée, il y aura la Sky Roulette qui va tourner. Et puis on se dira au revoir en vous filant des maillots ou des jeux, vous nous appellerez. Et ça sera au choix. Et on prend l'antenne. Et la Sky Roulette. Si vous arrivez, j'ai dit. Non, j'ai pas dit. Et si vous arrivez à passer, j'ai pas dit non. Et si vous arrivez à passer à l'antenne, vous gagnerez vos maillots au jeu. Et la Sky Roulette qui va tourner avec Disney. Vous voulez faire les top inscriptions pour la Sky Roulette? Top
inscription Skyroulette. Top inscription Skyroulette, vous inscrivez sur le 41. C'est bon, c'est bloqué, Cédric. Et Cédric, il a la main en l'air depuis tout à l'heure. Ouais. Tu veux poser une question, le Belge? Il met la main en l'air comme ça. Je voulais poser une question. Est-ce que tu pourrais baisser le bras? Parce que certaines des odeurs, c'est dur pour l'équipe, Cédric. Oui, s'il te plaît, épargne-nous, on est déjà fatigués, alors pas nous faire tomber dans les pommes. Donc inscrivez-vous sur le 41-759, vous laissez vos numéros et vous faites tourner la Skyroulette dans quelques instants. Ouais. Juste après la pesée. La pesée de ce soir. La pesée en direct. Ouais. Alors, oula, je vois, ça s'inscrit grave pour aller à Disney. Là, bah, c'est bien, vous avez raison. On va en tirer un haut, une sort. Mais avant, c'est parti pour peser Cédric, Romano et Momo. Cédric, 84,1. C'était le nombre de kilos d'hier. Romano, 60,2. T'avais perdu 1,4 kg hier. Ouais. Bravo. C'est bien parce qu'on voit c'est la crise que l'on vit actuellement, les problèmes de Sky font maigrir. Toi, Romano, clairement, oui. Ah, oui. Et Momo, lui, il a pris 600 grammes. Ouais, tranquille, Momo, il bouffe. Momo, lui, il gonfle. Je prends des forces. Rien d'abord, t'as vu. J'ai perdu, sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'as mangé, Momo? Alors, j'ai mangé deux croissants et deux parts de gâteau. Deux croissants, deux parts de gâteau pour Momo. C'est tout. Romano, qu'est-ce que t'as mangé? Ce midi, rien. D'accord. Et ce soir, une omelette. Une petite omelette. Moi, j'ai mangé un gâteau au chocolat aujourd'hui. Et tout à l'heure, là, on nous a amené gentiment. J'ai mangé une petite part de gâteau au chocolat. Là. Pas cher, hein? Ouais, mais tu vois, il y a plein de bouche. Et même pas. Il y a des chips et tout. On nous a amené plein de choses. D'ailleurs, merci. Hein. Bah oui. On nous ravitaille. tu sais, je sais pas, ouais, j'ai même pas trop faim, tu vois. Et toi, c'est bois de l'eau. Ouais, moi, j'ai mangé des pommes de terre rissolées. Des pommes de terre rissolées. Ouais, c'était pas mauvais. Non, imagine. Le soir, une part de gâteau au chocolat, une part de gâteau nature. Même toi, tu manges pas beaucoup. Ouais, c'est pas. Pas trop faim. Pas la dalle. Ah, ouais. Alors, on va voir si ça marche. Donc, allez, c'est parti. On va voir si vous avez maigri. Heureusement que je te nourris à coups de défaite au clash, comme hier soir, par exemple. T'inquiète pas, demain, on va bien te nourrir tous demain, ensemble. Votez Romano. Ouais. Ah oui, demain, clash de la drague, demain soir. Alors, on y va pour toi. On commence par toi, Cédric. Ouais. 84,1 kilos, c'était ton poids d'hier. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui sur la balance. 83,7. Combien? 83,7. 400 grammes de perdu pour toi, Cédric. Moins 400 grammes. C'est déjà ça. Hein. Momo. 116,1. Ah, bah c'est bien, t'as perdu 1,3 kg, Momo. Aujourd'hui, t'avais raison, t'as maigri. C'est bien, Momo. Ouais. Et Romano, 60,2 hier. Ouais, il a pris. Ah, 60,6. Eh ben voilà, tu reprends la santé, Romano, regarde. Mais tu sais que je suis en panne du transit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu manges plus, tu chies plus. Non, mais ça fait deux jours que j'ai pas chié. Comment ça se fait? T'es coincé? Bah, tu manges pas. Ouais, c'est quand j'ai bouffé une omelette là, mais bon. Ouais, mais c'est ça. Ah, bah écoute. Si vous mangez pas, vous chiez pas. J'avais parlé avec un mec qui avait fait Koh-Lanta, tu vois, qui était resté un mois. Ouais. Et bon, là, les deux. C'est qui? Putain, l'ancienne, c'était un mec pas du tout qui a pas percé, il est resté à 30 jours, tu vois. Et le mec, faut se les taper les 30 jours à Koh-Lanta. Il s'appelait Guillaume, je crois que c'est la première saison, le deuxième. Ouais. Et le mec, il m'avait dit les 2-3 premiers jours, il chiait, et à partir du troisième jour, pendant 30 jours, il a plus chié. Mais moi, j'y pensais parce que tellement il mangeait pas, en fait, il gardait plus dans le corps. Mais tu meurs quand tu chies pas. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, tellement il mange pas, en fait, le peu de trucs que tu prends, le corps, il consomme. Ça va tout dans le sang, en fait, si tu veux, et il y a aucun déchet, il y a rien qui ressort. Le mec n'a pas chié. J'y vais là-bas. Et là, vous mangez le bol que j'ai, moi, je pense que je chope une chiasse. Parce que si tu veux bouffer des feuilles d'arbres, c'est vrai, bouffer des feuilles d'arbres, des bouts de racines. Non, mais t'imagines, tu chopes une chiasse carabinée là-bas, mais t'amènes pas. Bon, déjà, t'as pas de chiottes. T'amènes pas une douche pour te laver le cul. T'as la mer, quoi. Ouais, moi, je peux te dire qu'il y aurait. La marée noire. La marée marron. Romano, il ferait une marée marron. SOS pollution. Tu partirais Lille. Ah ouais, mais non, mais c'est horrible. Ah ouais, je fais jamais ce truc. Quoi. Bon, en même temps, je me suis jamais inscrit. Ouais. Laisse tomber, quoi. Tu veux qu'on t'inscrive pour le prochain? Ah non, mais moi, je pense que moi, je pète un câble là-dessus. Ah ouais. Moi, je suis deux jours, deux trois. Et moi, je pense souvent à un truc, c'est les mecs qui fument parce que là-bas, ils ont pas de club, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont au taquet dans Koh-Lanta. C'est que les mecs, au bout de deux jours, ils sont au taquet, ils ont pas.